Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, nous ça va très très bien aussi. Désolé pour le petit retard, voilà, c'est un gros setup qu'on a mis en place et du coup il y a toujours des petites surprises. En tout cas on espère que pour le moment ça fonctionne. Je m'attends à ce qu'il y ait des imprévus, on essaiera de les régler un petit peu au fur et à mesure, mais on prie pour que tout se passe bien. Je suis avec Rofelos pour suivre cette première game du tournoi de Dune. Tout à fait, merci Maxildan pour cette invitation, ça va être exceptionnel, on a hâte de voir, nos joueurs sont bouillants, hein. Ça fait un bon moment qu'on est là, qu'on a effectivement essayé d'avoir le meilleur setup pour vous faire plaisir, et voilà, on verra que le meilleur gagne. Exactement, que le meilleur gagne, tu as absolument tout dit. Je remercie effectivement tous ceux qui sont en train de sub, je ne vais pas vous cacher que ça ne s'affiche pas parce que j'ai oublié. En fait, c'est en train de s'afficher sur l'écran de cast, mais ça ne s'affiche pas pour vous. Sachez que mon cœur vous remercie tout de même. Bref, on espère que tout est OK pour vous. On va pouvoir se lancer dans cette game. Mais avant de se lancer dans tout ça, on va vous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de regarder, puisqu'on remercie Lucky Duck et Dire Wolf, puisque sont les éditeurs et créateurs du jeu. De nous faire confiance puisqu'on est en train de vous proposer un tournoi de Dune Imperium. Oh là là, ça sub à l'infini, c'est merveilleux. Un tournoi de Dune Imperium, c'est-à-dire que il va y avoir deux tournois. Le premier tournoi, c'est un tournoi pour vous. Vous pouvez tous aller vous inscrire sur la page Facebook France de Lucky Duck Games et vous verrez qu'il y a un endroit où vous pouvez du coup aller dire « Ok, moi je veux participer, il y a telle et telle boutique partenaire qui vont organiser une étape des championnats de France, et bien vous pouvez aller vous y inscrire, participer, potentiellement vous qualifier, et une fois que vous serez qualifié, et bien vous aurez peut-être la chance en grande finale d'aller à Cannes pour et bien affronter les meilleurs joueurs de Dune de toute la France et remporter de beaux lots, je crois, puisqu'il y a plusieurs milliers d'euros de lots à gagner. Donc, c'est plutôt cool. Puis s'ils viennent à Cannes, ils auront aussi le lot de nous voir et de peut-être, on saluera les meilleurs. Une chance rare. Les meilleurs de ce tournoi. Une chance rare. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un tournoi influenceur. Là, c'est moi qui m'en occupe et c'est pour ça qu'on le voit sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour ce tournoi, eh bien, nous sommes avec Dari, Marie, Zulu et Jiraya et on va aller les voir tout de suite pour voir comment ils vont. Attention, petit changement de cam. Oh, qui parce qu'ils étaient en mode là, ça passe pas, on va le couper en deux. Bonjour tout le monde, vous nous entendez? Vous hello. Non, vous voyez pas, mais vous nous entendez. Je vous entends tout à fait. Non, j'entends rien. Petit tour de plateau. Salut Zulu, comment tu vas? Comment ça va, tranquille, tout va bien. Super. On partage quelques instants de folie. Quelques moments, quelques. Faut pas en dire plus. Le conseil des cas. Comment va mon bon Jiraya aussi? Merci d'être venu de si loin. Mais ça va très très bien, même si je me suis fait un peu bamboozle avec tous ces bonbons depuis tout à l'heure. Donc je pense que je vais faire des bagues. Je vais faire une attaque. D'ici la fin de cette émission, j'arrête pas d'en manger, j'en peux plus. Mais très heureux. Je l'ai très cool. Alors effectivement, quand vous commencez à manger, à parler en même temps, ça fait des trucs un peu bizarres, mais on vous invite évidemment à vous régaler, à passer un bon moment pendant cette game. Dari, comment ça va? Ça va. Bah après, on m'a nerfé parce qu'on a enlevé mon perso, mais bon après, j'ai rien à dire. Non. Non, en vrai, ça va, juste j'espère que je vais pas trop éternuer, parce que c'est vrai que je suis allergique aux poils de chien de Max qui en fout partout, donc... Je suis désolé d'avance si j'éternue, quoi. Zulu, il va falloir sortir. Tu es pardonné, évidemment. Et enfin, Marie, qui ne fait pas tant d'émissions que ça, on n'a pas tant que ça l'habitude de la voir, et qui en plus ne connaissait pas le jeu, donc c'est fou découverte. Ouais, bah je flippe un peu, je vais faire au mieux, et puis on va voir, et j'espère que Xari va pas trop éternuer non plus, sinon ça va vite me casser les couilles, vraiment. Quoi, t'apprends un peu trop sur net, pour pas ton métier, je te rappelle. Je suis là un peu, mais bon, je représente la gente féminine, on va dire, et je suis ravie d'être là. On vous remercie. On espère une bonne dernière place. On va pouvoir lancer cette partie. Je vous propose d'attendre juste une minute ou deux qu'on vous donne le go pour que nous, on puisse expliquer un petit peu. Oh, après, elle a pris une personne plus cheatée, mais vas-y, on y va. C'est toi, t'as une épice. À tout de suite. Ouais.
Bon, vous les avez vus, ils sont prêts, ils sont en train de se set up tranquillement. Vous avez vu des petits chiffres? Oui. Max, on s'entend vraiment pas fort, peux-tu augmenter mon son? Tu parles beaucoup. J'ai l'impression que... Moi, je t'entends, mais après, je ne sais pas. Il y a un décalage son quand c'est pas en plan large, ok. Il y a quelques petits réglages encore qui sont à faire, on va essayer de faire avec. Moi, effectivement, je t'entends plutôt le bien. Le plateau est très fort par rapport à la caméra. On va essayer de régler ça maintenant pour que ce soit le plus clair pour vous et qu'il n'y ait pas de soucis, effectivement. Alors, nous, le micro, il est... C'est peut-être la différence son plateau et vous deux. Ouais, okay. Ouais. C'est peut-être nous. Il est au max, donc c'est eux qui sont trop forts. Oui. En fait. Après, ils sont trop forts dans la vie, je veux dire. Et donc, il n'y a pas de problème, nous allons les nerfer. Nous allons les nerfer comme ceci. Et ça va très bien. Ceci, on va tester. Jusqu'après ce qu'a fait Héroïne. Attention, on vous entend, les amis. On fait un petit test de son pour vérifier que tout est cool. Xari, est-ce que tu peux me raconter si t'as bien mangé ce midi? Bof. C'est pas fou, honnêtement, Max, qui sait pas recevoir. Le poulet était un petit peu trop sec. Les pommes de terre avec du riz, ça n'a jamais été vu nulle part. Bon, c'était naze, mais bon, on s'en contente. Merci à vous, à tout de suite. Bon, c'est mieux, a priori. Zoulou, elles sont dégueu. Bon, ok. Alors, c'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est un peu logique, un système de transmission de son, etc., qui est un peu complexe. Globalement, sachez que quand ils vont parler tous en même temps, ça va faire des trucs un peu nul à chier, mais normalement, ça devrait être bon. De toute façon, en général, on va les entendre en fond et entendre un petit peu leur discussion, suivre un petit peu leur partie. Nous, on va caster un petit peu ce qui se passe et on va vous présenter un petit peu le setup pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui va se passer. Bon, cette caméra-là, vous n'allez pas la voir souvent puisque la plupart du temps, on sera en full regardage de leur scène. Voilà. À peu près là-dessus. Oui, comme ça, à voir ce qui se passe. Et vous les verrez à peu près. Arrêtez une blague là. Typiquement, il y a une autre précision que vous allez pouvoir voir, c'est que là, vous les voyez eux, mais évidemment, la plupart du temps, c'est cette cam-là que vous allez voir, et notamment, même je dirais plus, cette cam-ci. Voilà. Et donc, oh, quel vous allez pouvoir voir l'ensemble du setup qui vous est proposé ici et de l'évolution de la game. Si éventuellement on veut prendre du recul, on a effectivement cette vue-là qui est également une possibilité. Et si de temps en temps vous êtes sage, eh bien on vous proposera peut-être cette caméra. Oh là là. Et là, on vous la proposera pas souvent. Parce qu'en fait, quand il parle, ça fait un setup. Donc, il faudra que je déconnecte un truc. Excusez-moi, je fais des bêtises. On est bon. Tranquille, c'est la première, donc il y aura d'autres. D'autres phases de qualification, puisque on a un petit peu parlé du pendant que je dis ça pendant que tu règles. Hein. Je fais des tests. On a un petit peu parlé effectivement donc du fait que toi-même tu allais faire donc ton tournoi influenceur. Là on est en fait dans le premier match, j'allais dire de la première phase, puisqu'en fait il y aura trois autres matchs comme ça avec à chaque fois quatre influenceurs de renom. Mmh. Et ensuite en fait à chaque fois le premier de chaque groupe va être là pour une grande finale. Et là, du coup, eh bien, ils auront de l'argent à se répartir. Peut-être que les plus sages d'entre eux reverseront cet argent à une association, mais à mon avis, ce sera pour eux et ils l'auront bien mérité. Ces cams permettront peut-être du coup de voir les mains des joueurs de temps en temps. Vous noterez notamment qu'il en manque une. C'est normal, vous l'avez peut-être noté, mais nous n'avons pas le setup final encore pour ça. Ça, il faudra revenir le mois prochain pour voir le setup final. Et d'ailleurs, à la fin de cette émission, on vous donnera une partie du casting du mois prochain. Et normalement, ça devrait vous faire plaisir. Autre chose. Il y aura d'ailleurs une nouvelle table, normalement, pour la prochaine fois. Donc exactement. Vraiment, ça va être beaucoup plus... Les caméras seront intégrées. Et enfin, dernière chose que je peux vous montrer, et après on va pouvoir se lancer un petit peu dans cette game, eh bien, c'est que nous avons désormais la possibilité de vous montrer des cartes. Par exemple, si on est en train de parler... De Stilgar. Stilgar, il est sympa, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais c'est magnifique. Eh bien voilà, on peut revenir un petit peu sur Stilgar et voir un petit peu ce qu'il nous propose et de manière à mieux comprendre tout ça. Voilà les possibilités que nous avons. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Eh bien, il y a un petit couac de nom, a priori, à moins que J'ai pas changé celui de s'appelle finalement Axel et que Zoulou s'appelle finalement Max. Je suis allé un peu vite en deux. Les a-t-on vus dans la même pièce? Je ne sais pas. C'est vrai. Merci à toi, mon bon Rof. Oh, c'est le chat qui en avait fait la remarque. Mais effectivement, je suis aussi là pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus clean possible. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voyez des petites choses qui se passent, nous, on aura évidemment
la tête sur leur game, mais peut-être qu'on va zapper quelque chose. Fait. On a le chat, on est avec vous, enfin vous êtes là, on vous voit, et donc si jamais il y a quelque chose de particulier, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on va commencer comme ça, on va leur indiquer qu'on peut lancer la game. C'est ça, alors on a déjà fait les tirages au sort pour savoir qui allait commencer, c'est Xari qui va commencer, donc du coup ils ont drafté leur personnage. Dans l'ordre inverse, donc c'est d'abord Marie qui a choisi, etc. Tout à fait. Alors, typiquement, si on va voir du côté de Xari, eh bien, on peut voir voilà, directement son plateau comme ceci. On aura effectivement toutes les infos. On y va ? Tout à fait. On va pouvoir commencer et eh bien, que le meilleur gagne, comme on dit. On va leur annoncer que c'est le début de la partie. Je te laisse gérer. Attention, on y va. T'entends en mode, il est trop Est-ce fort. Qu'on nous entend ici ? Ouais. Les présentations ont été faites de façon exceptionnelle. Je crois que vous pouvez commencer la partie. Ah ok, je suis premier joueur, messieurs, car nous avons décidé ainsi. J'ai payé 10 euros pour être premier joueur. Je risque ce jeton. Voilà, donc je vais commencer. En fait, on va tous commencer, on pioche tous. Oui, on pioche tous. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, les cartes de fou malade que j'ai. Putain. Alors effectivement, ils vont pouvoir piocher comme ça 5 cartes. Donc on rappelle un petit peu le principe de Dune. Vous devez obtenir 10 points de victoire. Les 10 points de victoire, vous pouvez les voir sur la droite du plateau de jeu ici. Et le premier qui arrive à 10 va déclencher la fin de partie. En attendant ces 10 points de victoire, eh bien, tout le monde va essayer de progresser sur les différentes pistes pour remporter la victoire. Si vous voulez voir un peu plus en détail les règles, je vous invite à aller voir les joueurs du dimanche qui a été consacré à Dune. Vous avez également un épisode de C'est pas si compliqué qui vous permet de voir globalement ce que sont les règles de ce jeu. Nous, on va caster la game plus que l'on ne va vous l'expliquer. Allons-y. Je vais quand même faire un cadeau aux joueurs avant même qu'ils aient commencé. Je vous offre à chacun un point de victoire. Car comme vous pouvez le voir en fait sur le plateau, à 4 joueurs, nous commençons à un point de victoire. Ah, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me régale. Merci. Je t'invite aussi à ne pas les mute. Et en fait, je peux les gérer ici. Bah, je les mute quand. Ok, d'accord. Mais et donc du coup, Maxildan, au débeauté. Ouais. Ah, du coup, j'utilise ma strat, c'est ça ? Eh bien, nous a. Putain, la tour de chauffe, il nous fait chose qui va. Cette carte est détruite, donc ciao. Les morts invisibles. Vous allez avoir. Vous allez pouvoir suivre les scores en direct. Donc là, vous allez pouvoir savoir quels sont les points de victoire de chaque joueur, ainsi que leur puissance militaire. Donc à gauche de leur caméra, vous voyez leur point de victoire, et à droite de leur caméra, vous voyez leur puissance militaire, ce qui va vous permettre à tout moment de savoir où on en est dans la partie. Ça, c'est pas mal. Il y a un dernier truc que je ne vous ai pas montré, et qui pourra être sympa quand on va commencer à montrer 2-3 choses, et après on va pouvoir vraiment se concentrer sur la game. Eh bien, c'est que nous avons également la possibilité de vous proposer ceci, c'est-à-dire que je peux dessiner sur la map et vous dire « Ah, c'est incroyable, ils sont en train de faire les fous ». Voilà, personne n'a même pas commencé. Sur ce, commentons cette game. Moi, je vais jouer. Oui, alors justement. Le non, premier tour de Xari, il a déjà mis deux personnes dans le conflit, ce qui lui fait en tout 4 points de combat. Effectivement, donc lui il est parti, il a pris un petit peu d'eau. Je sais pas exactement pourquoi pour le moment, mais on va les écouter un petit peu plus. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. La diplomate qui me permet d'avoir les ressources. D'accord. Pour pouvoir aller. Non, tu peux juste aller là. Ok, je ferai attention à leur volume. C'est interdit de faire ça. Les entendre beaucoup plus fort. Ah d'accord. Tu montes et moi j'ai l'impression de pas les entendre. Je peux le faire. Et je prends une carte. Oui, mais personne en a, donc tu peux pas. Tu peux pas voler une carte à quelqu'un. Ok, c'est à moi. Ouais, donc Zulu est allé directement sur pour prendre de l'intrigue parce que c'est quelqu'un d'assez fourbe, j'ai l'impression. Mais effectivement, il peut pas en voler puisque on en vole qu'à partir du moment où les autres joueurs ont au moins 4 cartes. Conflit. En frère, se battre. Ouais, pardon, excusez-moi. Tu viens de m'agresser. J'ai envie. Ah, t'as pas révélé ça. J'ai envie de m'agresser. Oui, pardon. Ah, mon du bout du qu'on est bête. Alors, on a du coup. Ah, donc, le perso de Zulu, il est parti. Allez, vas-y, mets ta carte. Le perso de Zulu est parti chez Benny Gesserit. Le bail. J'ai pas vu, il est parti sur Luigi. Ah, il est parti du coup, effectivement, directement. Dans cette. De la merde. Il est parti dans cette zone, effectivement, sur le bassin impérial, ce qui lui a permis de récupérer un petit peu. Que va faire Désolé, on a ça dans la fête, là, on est en ambiance. Ok, donc je vais jouer diplomatie. Non, me dis pas que tu vas aller là. Oh, surprise. Je paye le cost parce qu'il faut, et voilà. Et donc. Super.
Tu peux mettre deux petits bons. C'est ce que je vais faire, ouais. Je vais en mettre deux et je vais même en mettre quatre. Ah non, sur tout le monde. Ouais, les gars. Putain, mais ça casse. Et puis je vais monter ici. Hop. Je suis abattu. C'est au tour de Xa. Oh, dommage, tu voulais faire les deux et du coup monter ici. Oh. Ça se taille déjà hein, autour du plateau, c'est bien. On veut un petit peu de trash talking, gentil évidemment. On est quand même des pères de famille en face de vous, donc. Ok, j'ai pas beaucoup de choix, donc moi je vais faire, je vais aller sur Dune. Oh putain. Ok. Oh, désolé sur le chat, je viens de comprendre qu'en fait, quand je mets le son à zéro, vous les entendez quand même. On avait dit que je gérais ça. Laisse normal. Il a deux. Il a deux déjà. Par contre, les insultes, c'est pas. Bon, les gens vulgaires. C'est tout. C'est ça à toi, Zouzou. GG, bon. Quand je vais révéler ma main pour acheter des trucs, vous allez être dingue. Non, on va péter un plomb. Vous allez péter un plomb. Je vais me concentrer sur la réelle. Ouais, voilà. Et moi, je m'occupe du. Et moi, je m'occupe du son. Mais attends, mais j'ai le droit de regarder. Bah, ok, moi aussi. Je sais pas s'ils ont expliqué les persos, mais en gros. Moi, j'ai pris science qui me permet de regarder la carte du dessus de votre deck, de mon deck, pardon, à tout moment. Donc, je peux. Hop. Ok. Alors, effectivement, on n'a pas décrit les différents personnages. Nous manquons à tous nos devoirs. Xari, là, bon, il a posé une carte dessus, donc là je suis un peu dans la sauce. Attends, en fait, je peux les montrer. Il a notamment celle qui permet d'aller à un autre endroit. Ok, on est en train de forcément de se prendre nos marques au niveau du setup. Ah ouais, on avait fait des tests avant, mais c'était pas forcément dans les conditions d'IRL du direct. Ouais, Xari a pris un perso en fait qui permet de aller à un endroit où il y a déjà quelqu'un s'il est sur. Une zone verte ou une zone bleue. Non, écoute pas, dis des connes. En vrai, le dernier ne gagne rien, donc j'avoue que ça peut être une bonne stratégie de les garder. Après, je te dis ça pour te baiser, je sais pas. Mais... Non, vas-y, je laisse comme ça. Bien joué, mec. Hein, bien joué, mec. Ah, merci. C'est bon ? Ouais, fin de mon tour. Ok. J'ai pas d'embrouille, donc je demande avant. Xari a joué a priori sa chevalière et il a fait son pouvoir. On a 10 cartes au début ? Ouais, okay. Ouais, on a 10 cartes au début. Ouais, enfin, je suis déjà plus qu'à 9 mois. Gars, je fais ça. Arrête-toi là, non ? J'utilise la dune, la planète des sables, parce qu'en fait j'en avais deux. Oh. Et en fait, je vais aller envoyer le man ici. Je vais utiliser ma goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je prends deux épices. Et en plus, c'est la guerre. Je peux envoyer le dernier Michel qui me reste ici au champ de combat pour qu'il aille se péter avec des mecs. Alors, je vais essayer de mettre bien vu. À jour les scores, mais je vais essayer de leur demander aussi de le faire. Messieurs, dames, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous pouvez, je sais que je le fais, mais est-ce que vous pouvez, à chaque fois que vous mettez quelqu'un dans le conflit, bouger vos petits carrés qui sont en bas et qui rappellent justement là où vous en êtes ? Ouais, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Pas mal. Ils ont été prévus à cet effet. Par deux le nombre de personnes. Et moi, je suis spoiler alert, si un jour quelqu'un dépasse les 20 points, eh bien, il suffira de les retourner et vous aurez 20 points supplémentaires. Voilà, c'est cadeau. Waouh, incroyable. Oh, mais on fera jamais ça. 20 points, frérot. Oui. Alors, frérot, enfin, frérot, tu écris, mais quoi. On est d'accord qu'à la phase de révélation, on sera obligé de jeter toutes nos cartes. Quoi qu'il. Oui. Okay. De toute façon, là, tu vas. Je vais m'en rendre compte. Ok, alors moi, je vais aller me promener de ce côté-là. Prendre la tunasse. Je perds ça, quoi, les gars. Regarde un peu. Hop. C'est chaud. Oh, regarde pas. Hop. Et hop. Et voilà. T'as pris combien de thunes ? 3 ? Un don. Ah, c'est 3. Un don à peu près. Prends 3, c'est mon petit kill. Bah, c'est le contrat. Là. Ah, ouais, ok, révélation. Bon, elle a juste pris des thunes. Ok, Xav, en reveal. Révélation de fou. Je révèle où là ? Sur moi, sur mon truc ? Comme ouais, ça, je pense. Je sais pas, enlève celle que t'as mis déjà. Mais oui, non, c'est parfait sur ton truc, mec. Retire celle que t'as. Retire celle que t'as jouée et mets-nous. Ok, super. Révélation de fou, les gars. Oh putain, le bâtard. Tu vas acheter ça ? La révélation est mal. Voilà, je le mets là et j'ai gagné 2 de combat. J'étais en mode, je vais mettre un peu des mecs, je vais peut-être être premier. Non. Ah, que t'achètes, ça va dans ta défausse. Ouais. Deux épées, il achète un éclaireur. On est pas mal. Ok, moi je. Ah, et ça révèle ça direct. Oh non ! La mission d'assassinat. Quand cette carte est détruite, elle donne 4 pièces. Donc par exemple, sur ça. Pas mal. Waouh ! Là, tu viens de donner le move là. Moi j'ai 4 et 1 de guerre, mais de toute façon la guerre, ça marche pas, on est d'accord. Et du coup pour 4, je vais acheter ceci. Ça coûte combien ? 3. Ça coûte 3. Et ça révèle ça, est-ce que tu veux acheter ça pour 1 ? Bah, de toute façon oui. Bah non, pas forcément. Il peut ne dire que ça lui s'en fout. Ah oui, qu'il veut pas la rajouter à son deck, ouais, effectivement.
Il vient donc d'acheter la sœur Bene Gesserit qui va lui donner 2 de persuasion ou 2 de guerre. Ok, et mon tour. Arrête de faire ça, cette carte pose. Le chevaucheur de verre. Alors, ils viennent de révéler ça. Albatar. Bon, moi, écoute, du coup, on est d'accord que cette carte n'est pas détruite puisque je n'ai pas utilisé. Donc, chevaucheur de verre qui, effectivement. Essence. Moi, je suis à 3. Je suis à 3 personnellement. Et ce qui se passe est complètement malade. Qu'est-ce qui fait le mana 3 là? Pour l'instant, personne ne l'a acheté. Il faudra 6. C'est comme dans tout jeu de deck building. Quand on va acheter une carte, eh bien, ça va aller dans notre défausse et on pourra, dans les tours d'après, pouvoir la jouer. Tu peux détruire une carte de ta défausse. Je peux l'envoyer ailleurs. Quoi. Non, tu l'as détruit. Oui, je l'ai détruit ailleurs à tout jamais. D'accord. Mais t'es pas obligé de le faire. Ouais, je suis pas obligé de le faire. C'est pas mal ça, ouais. Mais ouais, je vais la prendre. Là, on est vraiment sur la phase d'achat. Puisqu'ils ont tous joué leurs agents. Ils vont tous du coup faire les phases de révélation. Et l'ordre qui a été révélé. Ok. Donc à moi de faire ma révélation. Mais tu ne prends pas les cartes à chaque fois quand 3. C'est relativement lisible. Je le laisserai comme ça et de temps en temps quand on a besoin de voir les détails, j'avance. Affiche. Ok, et du coup j'ai 3 de thunes. J'ai quoi là parce que je ne vois rien. Concrètement, non, vrai, ça part ça. Ouais, voilà. Mais ça c'est du la poubelle un peu. Ouais, mais si tu la prends ou tu prends. Mais c'est là tu dis ouais un peu pour tricher ou ouais. Non, un peu, mais t'as que ça, c'est pas mal d'acheter. C'est déjà mieux que rien comme on dit. Mais il faut que t'en achètes qu'une quoi. Si t'en achètes plus d'une après, ça va niquer ton deck. Pose tes cartes, Marie, qu'on les voit bien. Tu as combien de pouvoirs d'achat? Tu as 3. Trois. C'est la meilleure. Régale-toi. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Je pense que elle est un peu déçue là. Tu peux te la permettre, mais plus par après contact, ça pourrait ton deck. On a 10 cartes au départ, on est d'accord. Oui. Mais les remélange pas là. Ouais, si, je vais la prendre. Les mélanger. Alors sachez qu'ils nous entendent pas tout le temps. Ils nous entendent que quand on appuie sur un certain bouton. Ça va être. J'ai sauté 5 cartes. Ouais. Ils nous entendent pas tout le temps. Ils nous entendent que quand on leur donne certaines indications. Donc ne vous inquiétez pas, on ne backseat pas. Oui, mais nous on est à égalité, donc on a tous les deux. Effectivement, Zoulou, il faut pas mélanger son deck avant d'en avoir pioché. J'explique parce que j'ai fait ça hors cam. En fait, j'ai mélangé mes paquets, mais je viens de tout remettre comme c'était. Donc les cartes que j'ai déjà jouées dans ma défausse et les cartes que j'ai achetées également dans ma défausse. Superbe. Donc combat, Marie win, donc elle peut monter d'une case. Donc je monte ici pour avoir un petit point de victoire, je crois que ça s'appelle comme ça à peu près. GG, ouais. Et 2 Solari. Nous, on est tous les deux à égalité. Donc on gagne tous les deux 3 Solari. 2. Non. On prend la récompense en dessous. Attendez, vous êtes en train de résoudre le combat là? Vous êtes en train de résoudre le combat? Ouais. Ok. On est Attends, il y a un mec qui vient de lâcher 12 subs là. Ok, merci. merci à toi Ashlar. Au-delà de ça, on est d'accord que personne n'avait de carte intrigue? Non, sauf Zoulou, mais il fait pas combat. Zoulou, il fait pas. Il y a pas de combat. Okay. Eh bien, c'est bon pour moi, alors GG. Donc effectivement, c'est Marie qui remporte le combat. Elle est montée de 1 sur quoi? Sur les Fremen, ce qui lui donne un point de victoire. Exactement. Et c'est suivi de Jiraya, qui va gagner de la thune, et de Xari qui gagne un peu moins de thune. Très bien. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas récupérer vos persos. Vous allez mettre... Ah bah les fuzzers, en fait, vous avez pris de l'épice partout, donc pas de fuzzers à faire. Donc vous allez juste effectivement récupérer vos persos, tirer la carte de conflit suivant, et c'est tipar. Et nos soldats sont morts. Dead. Et tous les soldats qui étaient dans le conflit sont morts. Petite précision sur les cartes conflit, parce que ça nous aide pour la caméra. Vous voyez, il y a 2 zones pour les cartes conflit. En gros, il y a une zone, c'est la pioche, et une zone, c'est la carte en cours. Je veux bien que vous les décolliez. Merci, Xari. C'est parfait. Sorry guys. Eh bien, vous pouvez vous lancer directement sur cette deuxième manche, piocher 5 cartes et c'est tipar. Je révèle le deuxième conflit. Ouais, le divi. Celui-là. Ah putain, j'ai rien suivi. Oh là là. Mais arrête tout. Comment on peut jouer à un niveau professionnel? Ça va. Celui qui gagne gagnera un fagnon à mettre où il veut. Ouais. Oh putain, le fagnon. Et. Ah non, le siège d'Araken, c'est où? Ah non, c'est pas une bataille, c'est il met où il veut du coup le fagnon. Ouais. Ok, bon, c'est fort. Et un point de victoire, ce qui est pas mal. Araken, c'est là? Non, pas du tout. Coup, ouais, c'est une. À chaque fois, chaque fagnon correspond à un truc. Okay, j'étais en mode, c'est bizarre. Donc fagnon ici, plus un point de victoire. Je triche déjà là. Je triche pas, moi, de toute façon, je suis pas dans la guerre. Zoulou, à toi. Permets de réfléchir. Permets-toi. Rentre en réflexion. Lui, je joue à Yu-Gi-Oh en perma. De quoi? Je me permets de réfléchir. Prends l'arme. Est-ce qu'on peut voir vos mains, s'il vous plaît? D'accord. Non. Moi, j'ai eu 2 mains, gros. Je suis la reine des ça. Alors, forcément, comme on est sur le début du jeu, ils ont les cartes qu'ils n'ont pas jouées au premier tour. Mais de temps en temps, on essaiera de vous montrer un petit peu ce qu'ils ont eu, notamment quand ce sera un peu plus clutch. C'est quand même 2 points d'influence ou de je sais plus comment ça s'appelle. Merci à vous. Sous-influence.
sous un coup. Okay. Ah, wesh. Pas mal. Donc, tout à l'heure, c'était Xari le premier joueur, donc là, c'est Zulu, c'est à Zulu de... Ouais. De... d'ouvrir les hostilités. Pour moi, je vais jouer la reconnaissance qui va me permettre pardon, d'aller ici, de mettre une troupe ici, plus deux, aussi de piocher une carte. Cette troupe, c'est deux prends-en et une de là-bas. Celle-là, là, c'est de là-bas. D'accord, donc c'est qu'une. Non, t'en prends une de là-bas. Une de là-bas, gratos. Là, tu mets là. Et là, tu peux en rajouter deux d'ici, si tu veux. Si t'as envie. Si t'as envie. D'accord, c'est ce que je fais. Okay. Parfait. C'est juste ce que je fais. Et ensuite, je pioche une carte. Donc là, je vois. Ici, est-ce que je vois la remettre dans ma défausse, puis mélanger et piocher, ou comment ça se passe? Faut demander. Non, Zulu. En fait, Zulu, on ne remélange que quand on doit piocher autre chose. Et si jamais c'est le cas, eh bien toutes les cartes qui ont été jouées ce tour-ci en fait sont dans la zone en jeu et pas dans la défausse. Tu ne mets tes cartes dans la défausse qu'à la fin de la manche. D'accord. Donc là, tu mets pas la reconnaissance dans la défausse, tu prends ta défausse, tu mélanges et tu pioches les cartes que tu as besoin de piocher. Parfait. C'est clair. Et toi d'ailleurs, tu peux le faire pour faire ton pouvoir si tu veux. Non. Non. Ah bah et bien justement. C'est de la merde, du coup. Pouvoir de merde. Et bien justement, en tant que Marie, on rappelle, et après Timothée Chalamet, on ne sait pas trop pourquoi. Il a une capacité qui permet de voir la carte du dessus de sa bibliothèque. Et comme la règle stipule que c'est uniquement au moment où on doit piocher, on va remélanger toute sa défausse, sa bibliothèque, et bien là, tu ne peux pas utiliser ton pouvoir. J'ai envie de dire cher. Bah, un peu cher. Et à toi, Gigi. J'y joue. C'était moi. Je vais utiliser la chevalière. Par cette présente qui active également mon power. Oui, du coup, je récupère un d'épice. Ensuite, je suis quelqu'un d'extrêmement beau. Je vais me déplacer sur le triangle. Ici même, boum. Et je vais convertir mes 4 épices en thunes. Oh, 10 thunas d'un coup. GG à Gigi hein, qui l'a effectivement converti son épice en thunes de façon à peut-être pouvoir acheter de belles choses, hein, notamment sur la zone du haut, peut-être à récupérer un agent supplémentaire. Ah. Ouais, c'est clair. Utiliser... Non, pas du tout. Ah, toi aussi. Il y a un peu de triche, mais bon. Je vais utiliser... Effectivement, ma chevalière. Il y a des zones qui coûtent très cher. Si je vais me balader un petit peu sur le plateau, regardez. Vous voyez, là-haut, il y a des trucs qui coûtent 8. Ah bah tiens, elle y va, justement. Elle va dépenser 5 et elle va prendre un siège au Haut Conseil. Jaël, ça lui permettra d'avoir maintenant 2 points de persuasion. Donc pour chaque achat, à partir de maintenant dans la partie, eh bien, elle aura 2 de plus, ce qui est vraiment très fort, notamment tour 2. Ah, c'est celui-là. Okay. Ok. Et du coup, je vais piocher aussi. J'ai le droit de... Donc là, je fais ça à côté, en gros. Je mélange ça et puis après, je peux piocher. C'est ça. Son pouvoir lui permet de piocher, donc effectivement. C'est exactement ça, Marie, ouais. Donc là, tu peux mélanger, piocher. Et là, tu pourras, une fois que tu auras pioché ta carte, faire on va dire, la capacité passive de Polo. Ouais, regarder la première carte. Exactement. Et alors, effectivement, je réponds un petit peu dans le chat. Les sleeves sont des sleeves katana et les plateaux de jeu que vous voyez ont été effectivement pris sur Etsy. Vous n'en avez pas besoin pour jouer, moi je les ai pris pour forcer les joueurs à poser leur matériel toujours au même endroit de manière à ce que les caméras n'aient pas à se balader partout. Voilà, mais c'est vrai qu'ils sont très jolis. Et autre chose, là on joue pour le tournoi avec la version de base, il n'y a pas l'extension, mais l'extension est vraiment très bien, on avait fait déjà des vidéos. Et dernière chose, on joue avec mon cher Maxildan des figurines à la place des troupes, on joue avec pareil au niveau des points. D'influence, on a des choses différentes. C'est la version de luxe, c'est ça? C'est la version. Tout à fait. On joue avec la version de luxe qui nous permet d'avoir juste du plus beau matos et de remplacer le plus de choses possible par des figurines. Et alors que Zulu va donc jouer sa chevalière pour aller dans la zone du Haut Conseil, en fait, il va tout simplement prendre le Manta. Manta qui lui permettra donc d'avoir un tour agent supplémentaire à cette manche-là. C'est fini? C'est terminé. Ok. C'est à moi, du coup. Mm-hmm. C'est effectivement à moi. Et après mûre réflexion, je vais utiliser la dague qui me permet d'aller me positionner sur
une carte verte. Tu as raison, tiens, Mathieu. Encore. Je suis mi-fig, mi-raison. Évidemment, du deluxe. Je vais aller me mettre là. Je vais dépenser 8. Tu m'étonnes. Hop. Voilà. Ce qui fait que je récupère 4 pour récupérer un agent supplémentaire. Et il prend son agent supplémentaire. Il le fait. Bravo à toi, le joueur français ici. Et. Tout cœur avec toi, J. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je baiser, termine mon tour. Évidemment, je voulais faire la même chose. Ouais, je sais bien, mais j'avais le tour d'avance. C'est lui qui a beaucoup de pistes ici. Douillet. Je rappelle que comme il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers, eh bien, premier arrivé, premier servi. Mais en fait, je crois que Zary dit ça, mais il a un perso qui lui permet de venir quand même ici. Donc, je ne sais pas s'il l'a vu, mais c'est peut-être du troll. C'est à Marie de jouer, je crois. Oui. Ça réfléchit. Ouais, ça réfléchit. Eh bien, écoutez, ça va aller chercher de l'épice à Dune, ici. Et ça va. Non, ça va pas du tout faire la bagarre. Hein. Ça va juste récupérer une épice, s'il te plaît. Merci. Et puis je vais me taire après. Hein. Hmm. Meilleur choix pour le moment. Ah bah bravo. Moi, je vais utiliser ma chevalière. Ton pouvoir de chevalier, c'est que je prends une, je retire une carte ici et elle coûtera un de moins si je veux l'acheter. Ah, mais tu, genre, tu la mets sur un side sur le côté, ouais, genre tu la sécures quoi. Ah, ça se prépare un petit peu ici. Regardez, ça réfléchit, réfléchit sévèrement sur les cartes. Délétère sur le plateau. Je ne les fiche. Zulu, mets bien ton marqueur de combat à 6, s'il te plaît. Oh, ouais, c'est la dernière fois. Vas-y. Je vais prendre ça et je remplace par une autre. Je dis ça alors qu'en plus, moi j'avais oublié de mettre les points. Donc. Et tu la payes en phase de reveal ? Je peux, si je veux. Ah, je si peux la payer cette manche-ci avec un de moins. Sinon, je la paye juste pas et elle dégage quoi. D'accord. Et du coup, moi je vais aller. Je vais aller là parce que je peux aller avec mon perso. Je suis pas bloqué dans le vert. Et oh, j'allais dire oui. On se prend pour voilà, qui mais attends, quoi ? Bah, c'est le pouvoir de mon perso. Effectivement, Elena, Elena qui permet ouais, ça. C'est le meilleur perso, quoi, mais bon. C'est pour ça qu'il a fait le malin tout à l'heure. Oh non, je ne peux pas y aller, quelle horreur. Ouais. Et il peut. Non, non, en fait, parce que moi, de base, je voulais faire ça et ça, comme je dis, quoi. Ouais, ouais, j'avais Keblo. Voilà, c'est fini. Et donc, du coup, là, c'est révélation. Ah, Zoom, non. Comment c'est quoi. Bah non, je... bah non, lui, il a un seul. Il a le mental. Il a un c'est toi qui comprends. Pardon, pardon, excuse, mais. C'est bon, c'est bon. Déjà, quand elle est au fait, là, ça fait quoi déjà le conseil déjà ? Ça, ça donne juste ça deux donne à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. Je suis, non, mais je suis con, merde. Ça, ça agresse toute la vie. Oui, ou toute la vie ad vitam terna. Comme ton agent. Exactement. Ça, je l'adore. C'est un ami. Bonne ambiance en tout cas autour de ce, de oui, ce plateau. On rappelle qu'à part Xari, personne n'avait joué en fait à Dune. On leur a fait une petite démonstration, mais vraiment, comme quoi. Vraiment, avec les règles de base, on peut très bien s'amuser assez vite à ce jeu qui est dans la catégorie expert, mais qui est, reste quand même très accessible. Le temps de réflexion de Zoom me permet de vous dire qu'effectivement, lui, son, sa chevalière lui permet de gagner un petit peu de thunes, et on reviendra sur le pouvoir passif après, puisqu'il va jouer à la recherche d'alliés qui lui permettent d'aller un peu où il veut, sur la partie gauche du plateau, et donc de faire monter son influence. Jam, no vainqueur. It win. Je vais me mettre là. Okay. Prendre la flèche, chercher de l'eau. D'eau. Jack. Et je peux mettre un truc dans ma garnison. Faut oui, de l'eau. Voilà. C'est... Et on n'oubliera pas, mon cher Zulu, de monter ton petit cran. Il a un cran, non, là. Et là. Et okay, tu es rouge, tu montes ici. Ok. C'est à moi. Mm-hmm. Effectivement. Ah, mais là, 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 c'est chou. Je me permets, j'ai pas trop compris le play de Zulu alors qu'il avait déjà un bon nombre de personnes en, en combat. Ouais. D'en rajouter un autre. On rappelle que tous ceux j'ai qui l'impression qu'il gâche un peu sa guerre. Ouais, mais... ouais, ouais, ouais. Pour 4 pièces, afin d'aller contester le lead de Zulu. Attention, oh Gigi. Que... Non, attention, Gigi. Tu... Je crois qu'il manque des épées sur ta case. Je préfère te préciser que ah, là, ouais, tu pourras pas les mettre c'est à la guerre. Ah, c'est pas les 4 que tu prends là. Non, en fait. Si, tu les mets là, mais tu peux pas le faire là. Mais pas dans le. Parce qu'il n'y a pas le symbole. Il n'y a pas la, les petites épées avec l'image. Ce qui permet de rewind mon move, car je ne l'avais pas compris. Ouais, on avait vu. Les rovbacks sont autorisés, mon cher. D'ailleurs, tant qu'on vous a en vocal, je préfère aussi préciser un truc à Zulu.
Tu sais que tout à l'heure, quand t'as posé des mecs dans la guerre, on est d'accord que tu avais le droit, si tu le souhaitais, de ne pas tous les mettre à la guerre. Tu pouvais en laisser en garnison. Oui, ça, je le savais. Ok. Donc, très bien. Là, on a l'impression que t'overkill un petit peu ton combat, mais ouais, c'est peut-être qu'il sera. Ouais. À la fin de la guerre, il y a une carte prix qui dit si vous avez 4 mecs, gagnez X points. Ah, peut-être. Ah, c'est sécure là, c'est très sécure, ah, c'est ton là, combat, mec. Attends, mais il est père même si il y a personne qui le dit. Ah, oui, oui, oui. Considérez qu'en fait, après, ils rentrent chez leur famille, quoi. Ils vont dans leur réserve. Oh, c'est tout. Ils ont une belle femme et tout. Eh bien, le écoute, repos du guerrier. Tu vas aller là, du coup? J'hésite. De toute façon, t'as quoi d'autre comme couleur? J'ai autre chose, mais. Non, vous savez quoi, je vais jouer ça. Je vais jouer la diplomatie. Et je vais déplacer Richard à Richard, cœur de lion, okay. Ici. Je suppose donc que Zulu a cette carte. Et qu'on ne voit pas. C'est merde, ça. Il aurait a priori maître tacticien. Qui permet de replier. C'est bon. Voilà, jusqu'à 3 de vos troupes. Est-ce que c'est ça? Comme et du ça, coup, il s'il va... replie 3 de ses troupes, et bah, du coup, il gagne quand même peut-être, le combat. Peut-être. En tout cas, Xaril aurait bien call. Ouais. Moi, je... À la base, je pensais pour un mauvais move, mais on va voir. Peut-être que je sous-estime le bon Zulu. C'est peut-être l'orni mitrailleur. Non, Jiria, à toi. Ta main. Eh bien moi, je peux me faire foutre. J'ai deux, donc je vais prendre de la belle merde. Effectivement, le contact. Je connais ça. On est sur la phase de révélation d'achat, ouais. De ceux qui n'ont pas encore. Été et qui, bah forcément, comme t'as un tour agent en plus, t'as moins après à dépenser. Ouais, et je crois que ça va être la fin. On va leur demander de prendre le temps parce que j'aimerais bien qu'on joue les cartes intrigues au bon moment, etc. Donc on va essayer de leur rappeler. Après, il y a que Zulu qui a une carte intrigue s'il peut la jouer. Hein. Du coup, oui, t'as 6, c'est vrai. Tu peux tout acheter. Donc c'est celle-là qu'il faut acheter, non? T'as pas dit que c'est. Il l'a regardé longtemps. Celle-là, elle donne de l'eau et celle-là, elle coûte 6, alors je vais la lire. Regarde, on va se faire croire qu'elle est trop bien. Ouais, il va dire... Alors celle-là, elle est incroyable. Je suis désolé, mais pour Marie, elle est pas mal. Non, mais moi, on s'y attendait pas, Xavier. Attendez, je vais vous la lire, vous allez comprendre. D'accord. Donc elle te donne 2 d'épices. Non. Déjà. Donc quand tu vas jouer un agent. Et quand, à la révélation, si t'as 2 d'influence dans le bleu, donc ce que t'as déjà, elle te donne 4 d'armée. Ah oui. Oh, je peux tous vous détruire. Et si tu vois, si t'as l'agence. Attends, mais celle-là, elle fait quoi? Tu vas quand même lui laisser sa carte à lui. Hein. Je vais pas acheter celle-là. Je vais acheter celle-là. N'importe quel nombre de vos troupes. Celle-là, on peut pas y toucher du coup? Non, celle-là, elle est pour moi. Ad vitam aeternam. Et les autres, elles font quoi de beau? Alors celle-là, donc celle. Notre ami Zendaya d'ailleurs, qui est représenté sur l'image. Oui. Tu l'envoies quelque part. Okay. Et elle donne, petite précision, les amis, pour Shani, certes, elle te donne les bonus inscrits en bas de la carte, mais également, vous voyez, une petite goutte d'eau de en dessous ouais. De son cou. Ça veut dire que tu gagnes un dos au moment où tu l'achètes. Okay. On sait. Ça, c'est tu pioches. Et si t'as. Ah ouais, ou tu pioches une carte de cette famille, de ton data défausse, ça peut être pas mal, mais ça combotte. Et ça, ça te donne. Tu pioches 2 cartes si t'as 2 d'influence. Ouais, bon, je pense que je vais prendre la plus logique. Ça, écoute, Xari. Désolé, mais c'est pour le coup, c'est une très bonne carte. Hein. Eh bien, on va prendre ça. Et du coup, je la mets dans ma défausse. C'est ça. Et il y a Docteur Hué qui arrive. Ouais, ouais. Ok, à moi. Donc, moi, je révèle, j'ai ça et ça. Moi, j'étais bloqué, je pouvais pas. Il y a donc d'acheter le chevaucheur de verre qui va la mettre bien, mais du coup, il va falloir qu'elle monte un peu. Dans son alliance avec les Fremen. Elle est déjà à 2, ce qui est pas mal. Et en vrai, quand tu la joues en phase agent, ça te rapporte flat 2 épices. C'est une très bonne carte, évidemment, ça coûte 6, donc ça que va acheter Xari? C'est nul. Ah, d'accord. Je réfléchis. Alors ça, on est d'accord que ça s'en va. Sorry, mate. Et ça, si je fais pas le pouvoir, il se passe quoi, genre? Bah, tu meurs. Si je le décide de pas le prendre... De quelle carte tu parles, Xari? C'est pas une carte, c'est mon pouvoir manipulé. Par un autre. Mais non, mais c'est ça. Manipulé par nous. Alors, et lors de ce révélation, vous pouvez acquérir la carte retirée pour un de moins. Et si jamais je décide de pas la prendre finalement, on est dans un brouillard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle revient question... Est-ce qu'elle est détruite à tout jamais? Est-ce qu'elle reste là? Je regarde s'il y a la... Il y a une petite FAQ à la fin des règles. Je vais regarder s'il y a dedans. Je vais me l'afficher pour me la lire aussi. Alors, retirer et remplacer une carte de la rangée Imperium. Lors de votre tour de révélation cette manche-ci. Ah bah juste tu l'emmènes, tu la retires. Et voilà. Quoi qu'il allait retirer, hein, oui. Zarian. Elle est en gros, tu la réserves pour toi, personne d'autre peut l'acheter, mais si tu la prends pas, bah elle dégage. À vie. Okay. Voilà. Elle dégage à vie de ce tour-là donc. Tu la mets. Oui, voilà. Je réfléchis. Cadeau, frère.
toi, frère. Ah, Marie. Je suis le vert solide. Le choix est cornélien. Elle l'aimait en randonnion. Je profite de ce temps de réflexion, déjà pour enlever la carte qui est affichée à l'écran, et pour vous demander dans le chat si... si tout va bien, je crois qu'on ça y est, on commence un peu à se roder, ça, va, ça commence à bien fonctionner. Ça m'intéressera évidemment sur les commentaires de la vidéo YouTube ou même par message sur Twitter ou quoi. N'hésitez pas à me donner des détails sur voilà, ce que vous avez pensé de l'émission, comment on peut encore l'améliorer. Est-ce qu'il y a des choses passées, des choses en trop? Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe dans la game? Voilà. Allez, on est retourné. Il monte là. Et ici. On fait monter le rouge ici. Ah, ils font, et font tu gagnes le ton et fagnon, le fagnon tu qui le mets, va là. Ouais. Et on récupère tous nos soldats. Vos agents plutôt. Donc là on est d'accord que Zulu n'avait pas une petite carte intrigue des familles qui lui aurait permis d'éventuellement récupérer des man. Il a juste mis 8 gammes et il a assuré quoi. J'ai juste voulu sécuriser parce que c'était un play qui comptait pour moi dans ma stratégie. Et... Mais moi, j'ai récupéré. Okay. Je savais pas quel degré je devais assurer. Il fallait que je la remélange dans le truc ça. Ouais. Ouais c'est bon alors. Il faudra que je la repioche quoi. Oui, pour la jouer. Ouais. Ah ouais, en fait, si je la prends, elle va dans la défausse en fait, d'accord. On remélange tout là, enfin, qu'on soit sûr en régie. On laisse comme ça. Pas de bêtises quoi. Alors, oh, le premier gars. Mais pourquoi t'as tout remélangé? Bah parce que moi, il me restait zéro carte. Ils ont mis des toi. Toi, il t'en reste, hein, tant pis. Hein. Oui, il me restait zéro encore. Parce que moi, j'avais que 10 cartes dans mon deck. Ouais. Est-ce que. N'oubliez pas de faire les. N'oubliez pas de faire les faiseurs. Je crois que Marie a déjà récupéré ses. Ouais, on va les faire. Ouais, le fait c'est que... avant de récupérer pour être sûr. Hein. Ouais, parce que quand là, vous récupérez vos mecs avant, vous vous souvenez plus souvent où est-ce que vous étiez. Moi j'étais là, ouais. Ouais, t'inquiète. Les faiseurs. Les Zoulous, t'as remis l'agent. Ah non, il est là, c'est bon. Hop, je remets là. Et ben on est parti pour la troisième manche. Alors, ce que signifie cette carte, c'est tout simple. Faire ça. Ce que signifie cette carte, c'est tout simplement que bah, celui qui gagne aura le manta pour le tour suivant. Qui gagne une carte intrigue et de la thune. T'as dit quoi? Vu qu'il aura le manta au tour d'après, quand on aura fini, enfin les deux tours, il sera plus récupérable ici. Exactement, il n'y en a qu'un seul. Ouais. D'accord, ce tour-là, ça deny. C'est que pour un tour. Hein. Ouais. Pardon, je pioche 5 cartes. Ah ouais, tant pareil. Pour une manche. Hmm. Et c'est à toi, j'y joue. On est ouais, c'est à moi. Pas... J'y joue. Moi, du coup, oui, il faut juste que je prenne ma goutte. De. Comme ça, c'est assez particulier. Il va prendre sa goutte. Mais prends donc ta goutte. Donne-moi ta goutte. Ma goutte. Ok. Oh, c'est nul à chier. C'est Gigi, hein. Ouais, c'est Gigi. Ouais, ouais. Nous, ça. Allez, on va attendre le prochain tour pour s'amuser. Donc ça veut dire que. J'ai pas écouté en fait. Tu récupères ça pour le prochain tour, donc t'auras un tour de plus pour le prochain tour. Tu récupères une comme ça et deux plus. Je vais jouer. J'ai pas écouté, il a 10 balles. Je vais me déplacer ici afin de récupérer une petite goutte d'eau. Effectivement. Est-ce que tu. Bah non, t'as rien. T'as pas de mec. À toi, Man. C'est tout ce que je voulais faire. Donc tu t'es fait baiser, comme on dit dans le milieu. Il va falloir revoir toute la strat, là. Merci pour les subs, les gars. C'est ça, de mettre tous ces man en conflit dès le départ, voilà. Bah ouais, mais je voulais me battre au début et en fait, j'assume pas derrière. Elle voulait se battre. Est-ce que les cartes intrigues, elles peuvent vraiment te sauver le cul ou... Ouais, on va pas dire. Sont bien, il y en a qui sont... L'intrigue, c'est cool, généralement. Ouais, mais tu me dis ça pour me... Je les mélange, je mélange. Hop, voilà. Non, mais je dirais que 70 à 80% du temps, tu es content de les avoir. Ouais. Non, mais 100% des temps, tu es content de les avoir. C'est juste qu'il y en a. C'est juste qu'il y en a qui sont. D'ailleurs, j'avance de 1, excusez-moi, je viens de l'occasion. Oui, frère, gros. GG. Ah, il y en a qui sont un peu plus éclatés que d'autres. Oui, il y en a qui sont éclatés. Il y en a, c'est genre retirer toutes deux cartes, gagner un dos. Un point de victoire. Ok, bon, on va aller se promener. On va aller se promener et puis on va aller. Ok, Timotei. Ce côté-là. Oh, je l'ai, mais. Voilà. Donc, elle va prendre un carte. Soldat, une intrigue. Intrigue. Ouais, c'est ça. Et on se les pas de victoire. T'as un soldat aller dans la guerre ou pas? Je viens de les mettre à jour puisque du coup Zulu est à 2. Normalement, c'est bon. Voilà. Ouais, Marie, je vais juste remettre les points à 0 de Zul. Petite gymnastique qu'il faudra apprendre. Vous inquiétez pas, il va retourner à 0 le bon Zul. Mais effectivement, Marie, en fait, Marie et Zulu ont gagné les deux premiers combats, donc ils ont pris un peu d'avance. Mais les deux premiers combats sont pas forcément les plus importants. Donc évidemment, rien n'est joué et c'est pas parce qu'ils ont pris de l'avance maintenant que tu vois, Marie là par exemple regrette le fait de pas avoir de man. Zulu, ça lui a coûté quand même très cher sa victoire parce que il a finalement utilisé 3 gars pour entre guillemets rien. On verra si ça va quand même payer. Il paraît qu'il a une strat. Ok, à moi donc. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est pas grave.
Non. Mais attends, c'est une question, vas-y. Non, mais vas-y, je vais réfléchir et vas-y, okay. T'inquiète. Bon, je joue la chevalière que j'ai repioché. Je vais retirer cette carte. Oh, il nous fait chier à tout retirer, lui. Tu te prends pour qui? Oh, la manipulation génétique. Non, manipuler, c'est plus pareil, pareil. Ça, c'est fort. En gros, ça, tu détruis une carte que tu veux dans ta main ou ta défausse. Et si, en plus, t'as un autre man comme ça, tu gagnes deux d'épices. Ah. C'est une famille. Ah, c'est la Béné des Gesserits. C'est une famille. Et moi, avec la chevalière, bah, je vais faire le play de Jiraya retardé. Oh, le bâtard, il fait comme moi. Putain. Qu'une personnalité. Il a dépensé des épices pour avoir de la thune. Thune qui va sûrement lui permettre, hein, c'est ce qu'il avait call tout à l'heure, de récupérer assez vite son troisième agent. Ouais. Zoul, 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 zoul. Ouais, putain, mais tu n'as pas d'épices. Non, ça, c'est que tu montes. Tu n'as pas les pistes. On a une question dans le chat, on va les mute. Quelqu'un qui dit pourquoi la phase de révélation s'est faite dans un ordre un peu différent, machin. En fait, la phase de révélation, vous pouvez la faire quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire la totalité de vos agents avant de faire la phase de révélation. Bon, en général, on a tendance à jouer tous nos agents, mais vous avez le droit de faire la phase de révélation tour 1, si ça vous fait plaisir. C'est ça. Et autre chose, comme parfois tous les joueurs n'ont pas le même nombre d'agents, eh bien du coup, ils font pas forcément la phase de révélation dans l'ordre du tour classique. En l'occurrence, la Zulu avait le Manta, donc il avait un tour agent en plus. Jiraya a récupéré son maître d'armes, donc il avait un tour en plus. Mais effectivement, ils peuvent très bien, de façon volontaire, dire ça peut servir à la fin. Par exemple, quand on a pile de quoi acheter la carte ultime qui s'appelle l'épice doit couler pour récupérer un point de victoire flat en achetant une carte, eh bien, si on voit qu'on a 9 avec nos 5 cartes, éventuellement, ça peut avoir le coup de faire ça directement. Bah, il réfléchit. J'ai pas beaucoup de plays possibles, quoi. Ça... Bah, des fois, quand t'as des cartes et que tu peux aller nulle part à part des trucs nazes, t'es en mode. C'est un peu ce qui s'est passé. Pas envie, mais il va falloir. Ouais, en fait, t'as fait un play de fou tout à l'heure. GG encore, je peux te faire un peu. Merci. Ça va être GG, je pense. Un play de fou. C'est... Ah non, Zulu n'a pas joué. Ouais, Zulu réfléchit. Permis Vush. Eh ben. Tu je vais jouer la diplomate. Il me déçut. On va partir à gauche du plateau. Tu vas où? Tu vas aller là-bas. Tu vas où, mec? Et tu vas où? Même quand je la joue, je sais pas encore. Tu vas aller là. Comment on fait? Tu vas aller là. Sans faire le mec. Bon, bref. La strat est vraiment. Pas là pour te guider encore. De toute façon, tu peux pas aller là, Lila, Lila, puisque tu n'as pas de. Tu n'as pas d'épices. Donc, dans ton choix, c'est quoi ça? Y a pas un truc où on peut se déplacer n'importe où? Non. Si, oh, bah c'est oui, ça. Super, le plus gros pouvoir. C'est pour ça, donc c'est ça. Ouais, c'est là. Oui. Elle dit quoi? Bah, tu te déplaces n'importe où et tu pioches une carte. Ce sera au moment où tu la joueras, hein. Pas tout de suite. Ouais. T'as raison, dans le chat, il y a une erreur, on leur dira. En fait, ils ont révélé dans l'ordre du tour. Ah. Alors qu'en fait, Marie et Xari auraient dû révéler avant Zulu et J. Pardon, nous n'étions pas dans le... C'est difficile, hein, effectivement, de tout suivre. On fait au mieux, mais bien joué à vous. J'hésite. Je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, j'hésite grand on va, deux. On va vous le dire maintenant pour éviter que l'erreur ne se refasse. En fait, d'accord, au tour d'avant, on est d'accord que Zulu et Jiraya avaient un tour agent en plus. Ouais. Et ouais. Du coup, Marie et Xari ont attendu de se révéler. Et bien, en fait, vous devez vous révéler, entre guillemets, avant eux. Ah oui, d'accord. Quand Gigi va faire son troisième tour agent, Marie va faire du coup son premier tour révélation. Et du coup, je peux acheter les trucs ici avant. Ouais, en fait, vous auriez dû acheter avant eux. Bon, tant pis, c'est comme ça, mais faites attention pour la prochaine. Oh fuck, j'allais prendre le truc de Marie. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tu vois. Bon, voilà. Elle aurait quand même acheté avant. Absolument rien. Absolument rien, les fonds-bouts. Bah écoutez, Gigi. Eh bah super. Bah je suis d'humeur un peu. C'est pas loin. Ça va, hein? Mais oui, mais j'en ai rien à foutre de ça. Eh ben non, dommage. Ça va, vous amusez bien? Franchement? Bah franchement, franchement si Jiraya pouvait jouer, oui, mais... Juste, ouais. Concentre. D'accord. Bah écoutez, je vais jouer, je vais le faire. Voilà, je vais jouer Commando de la mort, Fedaikin. Hop là. Arrête. Par contre, ça me permet de pulvériser une carte. Oui. Mais de ma main. Ou de ta défausse. Ça... Défausse ou jeu. Défausse, main, jeu, ce que tu veux. Pas de deck. Tout, mais pas ton deck. Donc, ce que t'as déjà posé, la truc en dessous, ou alors ta défausse. Ah. Ou alors ta main. Mais pas mais de là. Le bannière diplomatie, mais... si tu veux, je te le conseille pas. D'accord, je ne vais rien faire du tout. T'es pas obligé de le faire. Oui, je suis pas obligé, Et tu vas où du coup? Et du coup, je vais ici. Et je paye cette petite goutte d'eau. Et tu prends à la trois sueur. Épices. Trois épices pour le bon Gigi ici qui se met bien. C'est de l'opportunisme aussi. Hein. Il va se mettre bien, ouais. Tout à fait. Moi, ça, en tant que joueur de deck building. Avoir la possibilité de bannir une carte et ne pas le faire, c'est merveilleux. Ça vient de me déchirer le cœur. Mais bon, après, chacun joue comme il veut.
personne va ici, on rajoutera pas une stack, si ça se stackera à chaque fois là. Si, si, si. Oh, mais c'est fumé. Ah, ça stackera de ouf, mec. On a dit qu'on ne donnerait pas de. On a dit qu'on les aiderait pas, on les aiderait pas. Ouais, mais ça, putain. Par contre, on peut commenter leurs erreurs, ça c'est possible. Que disait Max. Ouais, Nico, tu as raison. Dans un tourté ici, gros. Quand ils sont, tu as raison, Nicolas Fleur, quand ils sont plusieurs à parler, ça fait des trucs bizarres au niveau du micro. C'est normal. C'est le compresseur qui fait des trucs chelous. Ils ne sont pas censés tous parler en même temps, mais dans un cadre comme celui-ci, c'est difficile de faire autrement. Des streamers disciplinés, ça se saurait, mon cher Maxildan. Et on va... Mais bien sûr... Un ou deux ? Eh bah... ben... Et ben... ouais, je t'en pose des questions, bah justement, c'est ce que je me demande. Eh bien, dans je vais délétère, hein. Tout simplement. C'est le suspense exceptionnel. Ouais. Sur le chat, entendez-vous la musique ? N'avez-vous rien du tout ? Okay. Est-ce que du coup, ouais, c'est ça fait oui. Deux. Hein. Ok, à moi. Je joue du coup la dague et je vais là. Oh, et là et je récupère lui. Quoi ? Attends, tu prends pour qui ? Je crois que tu triches, mais. Ah, d'accord, t'as assez. Tu fais tes petites magouilles dans ton coin. Ah non, mais j'ai fait exactement le tour de Jiraiya. Zari qui a récupéré ici assez d'argent pour récupérer son troisième agent. Il va être bien. Vous n'avez pas de musique ? Je vous en donne. Donc, on est d'accord, je peux pas le mettre au centre, je suis obligé de le mettre là. Attends. Est-ce que là vous avez de la musique ? Ouais. Nous, on en a, nous. Parce que c'est peut-être que pour nous, du coup. Tout à l'heure, on est dans une bonne ambiance. Hein. Vous ratez quelque chose, mais là, vous entendez rien. C'est que. C'est que c'est mort. Qu'est-ce qui va pas ? Ah, ils en ont. Ouais, d'accord. Il y a des trucs à tout que c'est. Tranquille. Alors, on en est où ? Est-ce que Marie a joué ? La carte, s'il vous plaît, répondez-moi. La carte intrigue. Je peux l'utiliser n'importe quand dans mon tour, avant, après avoir posé mes personnages, et j'ai le droit de continuer à jouer. Donc, oui. Alors, oui, uniquement si c'est une carte complot. Une carte. Tu peux la montrer là, voilà. Pour eux. Ça là. Tu vas le faire tout de suite ? Non. Elle demande quand est-ce qu'elle. Ah, d'accord. Voilà. Ah non, mais non, on a rien vu là. Ah, on a rien vu. Et vous savez ce que tu sais ce que tu vas faire, Marie ? Dans 3 secondes, parce que. Bon, t'as le choix. Soit tout le monde ferme les yeux et nous on va regarder. Tu vas la mettre, tu sais, là où on avait dit qu'on mettait les cartes. Ouais, ok. Vas-y. Comme ça, on pourra. Ferme les yeux. Bon, je l'ai vu. De toute façon, je sais pas, il faut faire quoi. Il faut. Regarde ton jeu. Ok. Réfléchis. Mais non. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Attends, stop. Toi, reviens sur le truc. Elle l'a mis là. Ah, d'accord, excuse-moi. Ah, bah, c'est là où t'as dit que tu mettais les cartes. Oui. Vas-y. T'inquiète pas. Vas-y, remets-la. Toi, du coup, tu vas là où elle l'a mise. Bon, je joue du. Ah, elle l'a mise là. D'accord. Tant pour moi, je suis. Je suis complètement. Bon, très bien, merci. On y est. Oui, donc effectivement, ça, ma chère Marie, tu peux la jouer non seulement pendant ton tour agent, mais aussi pendant ton tour révélation. Donc vraiment, tu fais ce que tu veux avec. Ok, ça roule. C'est merci. À toi, Marie, révélation. En fait, s'ils ont besoin de montrer quelque chose que les autres ne doivent pas voir. Ah oui, mais elle a pas de cam devant. Et oui, elle. C'est la seule. Oui, évidemment, le setup pas fini. Ça dégoûte. C'est de ma faute. Je comprenais pas. Et je vais avoir une petite dague de combat, donc ça va me rajouter un petit. T'es solo de toute façon. Hein. Enfin, vraiment, Oui, je sais, mais bon. Autant poser mes coups directement. D'accord. Et donc ça me fait 3. Plus 2, pardon. Là aussi, j'ai le droit de l'utiliser. Hein. Bah, c'est 3 plus 5. Ah putain, il y a que des cartes à 4, c'est nul. Bah, tu peux envoyer une à 1. Nul. Ok, prends celle-là. Ouais. Je regarde. Bah, toucher, c'est toucher. Hein. Ok. L'ourni de contrebandier qui semble peu l'intéresser. Peut-être le docteur Yua. Ouais, ça peut être un plaid de dire bah, si les cartes à 4 m'intéressent pas trop, je prends la carte à 1 et puis après, d'autres. Éventuellement, j'envoie d'autres. Enfin, les pistes, c'est la pose. Non, c'est à la révélation. À la révélation. Ce que tu poses, c'est les trucs là. Et révélation, c'est les trucs en dessous. Et ça te donne une épice à la révélation. Ouais. Bah, dis donc. Eh bien, je vais prendre ça. Pas mal. Hein. Et tu révèles. Oh là. Pardon. Peter the Free Arise. Du coup, je la mets, je sais plus. Par là. Dans la défausse. Là. Ok, bah, les autres aussi, elles sont censées y être dans la défausse. Ouais, tout, là, tout va dans ça après. Bon. Alors, c'est à moi, je vais jouer. Alors, attendez, parce que Marie, t'avais 5, non ? Ouais.
Mais du coup, si tu veux, tu peux aussi acheter celui qui a. Je vais acheter ça, mais je crois qu'elle a pas envie de prendre le Dr. Yuli. Je te dis juste que tu peux faire, je ne t'induis pas. J'ai l'impression qu'en fait, Xari est passé très vite à son tour pour justement pouvoir se la réserver. Donc voilà, je préfère. Non, non, il a absolument pas pris ça. Peut-être. Non, j'en avais rien à foutre. Non, j'ai acheté au tour d'avant. Oui, c'est vrai, sa carte est achetée. Ouais, si tu la prends dans la partie. Non, je vais. Oh là, Xari. Ok, moi je vais jouer reconnaissance. Et je vais aller. Donc. Zone bleue. Si je vais là, je pioche une carte. Ah ouais, il a pas fait. Je mets un truc, mais non. Je donne une thune à l'autre. Ouais. Donc je vais aller là. L'autre, il a un prénom. Mais bon. Parce que moi, j'ai toujours mon pouvoir qui me dit que les bleus et les verts, je peux aller avec mes amis. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, je pioche une carte. T'as rien, ce mec. J'ai un mec. T'as un mec que tu fous voilà, ici ou à la guerre. Comme ouais, je vais faire ça. Hein. Oh, propre. Qu'est-ce que tu veux? Commenter ce qui se passe. Là, on a. Ah non, non, tout va bien. Je disais juste, ok, les volumes c'est sont pas du bon. Tout le rythme. Complètement taré. Et je vais dire à Zouzou. Ok. Je vais récupérer une carte comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai. C'est bon. Okay. Zouzou en Revelation. Ouais, bon. Revelation. Alors, je vais révéler. Révèle. Ça et ça. Donc, en gros, là, j'ai pas l'armée parce que ça me sert à rien. Enfin, je peux mais pas. Ça te donne une pièce. Je gagne une pièce. Ok. J'ai 4 et je vais prendre l'autre mémoire. Oh là là, et ça révèle la carte que peut-être Jiraiya va acheter. Oh non, pas c'est tout simplement la manipulation génétique, c'est exactement cette carte. Je sais même pas ce que ça fait, hein, vraiment. Et bah voilà. En gros, ça te permet de péter une carte, et si tu as un autre Bene Gesserit en jeu, alors tu gagnes 2 dépices. C'est quoi Bene Gesserit? C'est une famille, c'est genre ça. Tu vois là, c'est une famille Bene Gesserit. Et c'est juste les cartes, c'est une famille de cartes, ouais, y a pas de lien avec ouais, le c'est... Bah c'est eux quoi, c'est les violets. Mais... Oui d'accord, mais t'as bah pas oui, besoin bon, de... moi je révèle, ça me fait 3 et du coup c'est quoi ça? C'est fort comme carte. J'ai pas eu le temps. C'est pas mal, je crois que c'est à Gigi de jouer là, de faire ça. Là où les scores sont pas bon, lui, sur quoi, les quoi, scores de guerre. Ouais exactement. Il me semble que si. Pas mal, mais lui il m'emmène pas où je veux bien. Je t'ai dit Zulu à 5. Je t'emmène Rain. Non. Mais c'était peut-être pour le... Oui pour l'achat. Pour l'achat. Je vais prendre une manipupu quoi. Ok, et ça révèle... Attendez, Zulu. En fait, tu as oublié que tu avais placé un man tout en haut du plateau, donc tu n'avais pas 4, mais 5. C'est pas le cas. D'accord. Non, il est rouge. Oui, justement, il a ça. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Est-ce que merci le chat qui nous le rappelle. Et du coup, tu pouvais peut-être prendre la carte à 5 au lieu de prendre la carte à 4. Ah oui. Laquelle? Celle-là. Celle-ci. Mais non, c'est pas possible parce qu'elle a été révélée après qu'il l'ait prise. Ouais, elle a été révélée après. C'est celle-là. Non, c'est celle-là qui a été révélée. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est celle-là, c'est ça. Merci, il l'avait déjà. J'avais gardé mon choix. Ok, c'est bon alors. Merci. Bon, et ça révèle. Oh non. Oh, lui, c'est un bon gars. Hein. Stilgar. Oh putain, non, il est... On est d'accord que les cartes que tu prends là, elles vont direct en défausse. Hein. Stilgar, c'est bon, Gijon? C'est bon pour moi. Xav, c'est à toi de rentrer. Je révèle une dinguerie, les gars. Non. Éclaireur et argument convaincant. Ça fait 3. Alors, donc ça me rajoute 1 et je peux replier jusqu'à 2 tours. Mais si je fais ça et que je replie. Vas-y, replie. Est-ce que. J'ai une question. Si je replie mes 2 troupes, on est d'accord que ça ne vaut plus rien? Exactement. Ah oui, si t'as plus aucune troupe dans le conflit, tu peux avoir n'importe quel nombre d'épées. On a dit que ça armait les soldats. Ouais, je sais, mais j'étais en mode. On l'a dit pourtant, il me semble. Deux, je mets là. Donc là, t'es à 5, là, t'es raté comme ça. Ouais, bah je vais faire ça, tant pis. Et j'ai 3 plus 2, 5. Et du coup, moi, je vais acheter. Alors, est-ce que j'achète ça ou est-ce que j'achète ça? Fichier, il supprime toutes les cartes depuis tout à l'heure, mais il les achète pas. Bah, parce qu'en fait, ça me paraît pas mal. Mais bon, ça se trouve. Il y a mieux maintenant, quoi. Merde. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Tant de possibilités. Ce n'est pas évident pour Xari de faire son choix ici. Après, il a combien en... Il a 4 vrai, 5 fort. Il a 5 Il a 5 parce qu'il a un siège au conseil. J'ai quand même l'impression que. En fait, il peut... souvent, la carte à 5 est meilleure que la carte à 4. Oui, mais justement, là, il hésite entre 2 cartes à 5. Ouais, ouais, mais. J'ai l'impression qu'il a effectivement pris quelque chose qui est plus. Dans son gameplay. C'est vrai. Il a pas l'air d'être très porté sur les cartes intrigues. Bon, après, même dans un gameplay qui n'est pas carte intrigue, en avoir une, c'est jamais, c'est jamais très mauvais. Mais l'autre était très bien aussi, hein, celle qu'on a présentée tout à l'heure. Oh, il y a. Ok.
On reprend, attendez, on remet les trucs là. Tu l'as rajouté de ce tour là ou c'était... Non, il faut le rajouter. Alors attendez, attendez, vous allez un peu vite en besogne, les enfants. Tranquille. Quand vous allez dans la phase de combat, est-ce que vous pouvez nous attendre? Comme ça, on essaie d'expliquer un peu ce qui se passe. On n'a pas de carte. Mais c'est pas la question, c'est que c'est juste que les gens ont besoin de pouvoir suivre. Et on veut savoir du coup qui gagne quoi, etc. Et qui gagne quoi comme bonus. Ok. Du coup, Xari étant le plus armé, va gagner le bonus d'un du comment ça va être Manta plus une carte intrigue, je sais pas s'il a déjà pris, pour de Solari, t'as tout pris, voilà, c'est exactement. Bon. Et étant la seule qui est rentrée dedans aussi, deuxième, une petite carte intrigue et deux pièces. Et ça rigole, évidemment. Et du coup, la carte peut dégager. Ouais. Au revoir, adieu, à plus en live. Question oui. Là, tu disais deux cartes intrigues, enfin trois, quatre, dans la même dans le même tour. Plusieurs en même Fais temps. Fais ce que tu veux, meuf. D'accord, ça me régale. Ok, donc lui on rajoute parce que personne n'est là, parce que ça coûte chéros. Et allez, chacun reprend ses petits agents, les amis. Allez hop, toi t'es à moi. Ils sont autonomes, ils ont bien compris les bails, c'est vrai que des fois ils sont tellement autonomes même qu'ils vont parfois un peu vite pour nous. Tout à fait. Mais ça va, ça suit quand même. 4, 5. Ok, alors, voyons voir ce qu'on va faire. Alors, ok. Eh bien, pendant que Marie réfléchit, pendu à tes lèvres, à son plaire, évidemment, tout le monde est en train d'écouter ce qu'elle va pouvoir faire. Après, c'est pas facile. Quand on récupère forcément le premier tour, c'est la première fois du coup qu'elle commence. Tout le plateau est libre, on vient de récupérer une main, forcément il y a un petit peu de temps de latence, c'est tout à fait normal, on lui en veut pas évidemment. On a deux d'influence là-bas, donc il y a que Marie qui peut y aller. C'est réservé le droit de... Je suis la seule à pouvoir aller où? Là il faut deux d'influence. Du coup il faut pas y aller au premier tour, quoi, puisque vu que t'es la seule à y aller. Je fais ce que je veux, donc là, c'est... j'ai envie d'y aller. Et tu peux y aller, mais ce serait une erreur stratégique que t'aies. Je te permets pas. Ok, je vais aller... par là-bas, ici. Et tu récupères 6 pièces. Oh là là, ça. Oh là, pardon. Tiens. Ouais, elle a joué une carte d'une qui lui permet effectivement d'aller sur un petit endroit avec un petit triangle jaune. Et elle va convertir son épice en argent. C'est un peu ce qu'on fait Gigi Xari tout à l'heure pour peut-être éventuellement avoir son argent supplémentaire. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en tant que première joueuse, elle peut du coup à son tour avoir un peu cette priorité sur cette case, qui en plus, maintenant on le rappelle, ne va servir contre... Enfin, il n'y a qu'une guerre entre Zulu et Marie pour récupérer l'agent supplémentaire. Mais, dans la partie qu'on avait fait dans un plateau, on avait vu, je crois que c'était avec Théo Rivière, il n'avait pas pris d'agent, il avait fait autre chose. Il n'avait pas pris son troisième agent, il avait quand même réussi à gagner, grâce notamment au point de persuasion. Donc c'est pas forcément celui qui prend l'agent en premier qui gagne, mais c'est vrai que ça reste un gros avantage dans la partie. Pas du tout. Oui, si. C'est vrai ? Je crois que c'est elle, hein. En fait, quand tu l'as prise, t'avais pris une goutte d'eau tout à l'heure. Ouais, elle est là, c'est pour ça. Okay. J'avais oublié, je l'ai prise un tout petit peu. Bien. Donc, je prends Shani et je vais aller. Et là, c'est le moment où je dois réfléchir. J'avais même pas vu qu'il y avait un fagnon là. Ouais, c'est lui. C'est Lomini. Ça fait 6 tours qu'il est là. Et si tu veux, tu viens ici. Tu vas aller chez les Fremen, chez les Bleus ou chez les Jaunes. Et moi, comment dire, je retiens toujours. Oui. Faut payer les actes qui passaient. Faut payer l'autre quand même. Je vais aller. Respirons. Ça réfléchit, effectivement, on peut un peu interagir avec le chat qui disait que le deck building est important. En fait, ce qui est cool dans ce genre de jeu, c'est qu'il va y avoir à la fois deck building, de la pose d'ouvriers, de la gestion de ressources et de la gestion de conflits qui va permettre une interaction entre les joueurs qui va être forte malgré le fait que la plupart des actions, ils les font un petit peu dans leur coin. C'est vraiment un jeu complet à ce niveau-là. Quelqu'un dans le chat nous dit que Marie a 3 points de victoire, je veux bien qu'on vérifie. Pourquoi elle aurait 3 points de victoire? Ah, je crois que c'est parce qu'effectivement, elle a gagné un conflit. Ouais. Toi. Moi je vais jouer le porteur. Oh, c'est quoi? Double l'épice de base récolter avec cet agent. Attends, tu récupères une... Les gars, juste un petit truc. Est-ce que le premier conflit que Marie... Excuse-moi, je suis désolé. Le premier conflit que Marie a remporté, est-ce qu'il faisait gagner un point de victoire? Non. Tout premier que tu avais remporté, non. Donc en fait, on est d'accord que Marie, le seul point de victoire que tu as... Ouais, il est là.
Il est là, d'accord, ok, pas de soucis. Bon bah fin, pardon, le chat nous a trompé. Le premier, il lui a fait monter juste d'un, c'est tout. Ah d'accord, c'est ça, ok. C'est ça. Parfait, parfait, merci. C'est nous qui va prendre, non pas 3, non pas 5, mais 8. Mais le mec est si... Ouais, donnez les épices là, j'en ai pas encore touché là. C'est, ça double. Ça double, ça double hors ça. Bonus. Ah d'accord, ok. Tiens. C'est 8 épices. 8 épices, on a même pas... 8 épices. Toujours plus. Oh bah alors là, 8 épices, la richesse. Hein. Ah ouais, clairement il se met giga. Moi j'en mets 6 de côté et je me les garde pour un moment clutch où il y a 2 points de victoire à gagner sur le conflit. D'aller le jouer sur la zone rouge là. Que je vais vous montrer maintenant parce que je suis vraiment très sympa. Voilà. Vraiment sur cette zone là, tous les jours t'as envie d'y aller quand t'as 6 d'épices. Zulu qui prend une belle option sur un moment clutch de la game. Tu peux nous la montrer ici la carte ? Comment elle s'appelle ? Vas-y, de quoi tu parles ? La carte qui vient de jouer, c'est ça qui lui permettait de doubler son épice. J'arrive. Eh ben, je vais essayer de la trouver. D'accord. Ah, celle-là ? Oui. Pouvoir. Ah ouais, genre comme ça, quoi. Et bien sûr, évidemment, je peux aller faire la guerre, mais avec qui ? On se le dit. Doubler l'épice de base, pas l'épice bonus que vous récoltez avec cet agent. Ah oui, donc en fait, l'épice bonus, c'était... Ah mais non, du coup, il a pris 3, il a pas pris 8. Oui, il a pris 3 plus 2. Oh, c'est très fort. Vraiment, on met le truc bleu. Ouais, mais je vois pas, il met sa grosse. Ah, toi, Marine. Si je recrute un agent, j'ai le droit de le jouer au tour là. C'est bon, ça. Au tour là, ça sera, oui. C'est le play, hein. On va pas se mentir. C'est le moment d'y aller. Quoi. C'est le moment d'y aller. C'est bien, on y va. Au boulot. Et bah, vas-y. Du coup, je vais jouer. Dague, ce qui me permet d'aller. Ah oui, allez. Et du coup, maintenant, tout le monde est à 2 points de victoire d'ailleurs. Oui, tout le monde est à 2 points de victoire et tout le monde, ou presque, peut-être. Pas Zulu. Pas Zulu, a ses trois agents. Attends, c'est tout. Oui, en effet, c'est tout, oui. Oh, c'est beau ça. Putain, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est. On n'a pas détruit son espace plissé. Faut lui dire. Je suis trop con. Ah, dommage. Zulu, oui. Zulu, mon cher Zulu, où est passé ton espace plissé dans ta défausse ? Mon quoi ? Non, il est là. L'espace plissé. C'est quoi, espace plissé ? C'est ça, là. Tu sais, ce que tu récupères. Bah, il est sûrement là. Hein. Non. Il est dans la défausse. Il est forcément dans la défausse. D'accord. Ben... C'est ce que tu avais acheté. Tu l'as pas joué encore, c'est ça ? Non, il l'a pas joué. Ouais. D'accord. Encore une petite info chat. Et écoute, c'est pas grave. Quand tu joueras, tu penseras à le bannir. Et Max, n'oubliez pas. J'aime bien Max. Encore une info chat. Bon, allez. Je chat combien les tout. J'ai réfléchi 2 secondes parce que ça casse les couilles. Vous êtes lent pour le jeu, oh, putain. Du coup là, je peux le récupérer. Alors que moi, je fais des plays de fou. J'ai réfléchi une seconde. Oh, c'est incroyable. C'est vrai que t'as pas beaucoup de temps et que c'était pas mal. Mais bon. C'est juste propre, quoi. Je peux le dire. Oui, enfin, doucement. C'est juste très propre. Bon, après, ta jalousie m'atteint pas, mais... Plaisant, bien sûr. Merci au chat de garder l'œil. Oui, avec mon ami. Il est nul à chier, putain. Eh ouais, les gars. Non, il prenait bien 8 épices. Hein. 3 plus 3 plus 2, ça fait bien 8. Il y en avait 2 sur le plateau. Je vais aller sur Dune. Je vais te cibler avec mes cartes intrigues. Tiens, j'ai pas montré les cartes, donc j'ai ça, les gars. D'accord, ok. Il va sur Dune. Où est-ce qu'il va aller poser son agent, la Mixari? C'est vrai qu'il faisait un peu la tête, hein, mais bon, c'est un peu sa strat. Il est un peu salé au départ, et puis finalement, il finit par gagner. C'est ça. On la connaît. Je rappelle que c'est le seul à avoir déjà joué 2 fois à ce jeu. Oui. Ce qui n'est le cas de personne autour de cette table, car les trois adversaires n'ont jamais joué. Donc, en vrai, Xari est vraiment favori sur cette game. Et si Xari ne remporte pas la game, il sera puni. Sera puni sur la place publique, il sera honteux. Après, bon, attention, c'est un jeu où évidemment c'est mieux d'avoir joué avant, mais c'est pas impossible vraiment que les autres remportent la victoire. Ça va dépendre de l'opportunité. J'ai l'impression quand même qu'ils ont assez bien assimilé le jeu rapidement, ce qui fait qu'ils peuvent très bien faire des belles choses. Donc, non, c'est pas non plus jouer d'avant. Et Zulu joue sa chevalière. Est-ce que tu pars en arrière ? On l'autorise une énième fois, mais bon. Okay, bon, ça commence à faire avancer, vous casser les couilles. Faites la règle, c'est vous avez le droit à un rollback par tour. Ah, c'est fini, malheureusement. Par tour. Non, mais sachez, en gros, vous pouvez rollback tant que le joueur suivant n'a pas commencé son tour. Ouais, donc le problème, c'est que là, ça me. Oh, vas-y. Non, vas-y. C'est là. Oui, mais du coup, vu que tu vas là, tu n'as que un, je te récupère ce Solari, étant donné que tu n'as pas déclenché tes powers. La carte, j'ai déjà pioché. Ouais, super.
Ah oui, en plus, t'avais pioché. Mais tu gagnes quand même. Bah, tu dois la remettre ta carte du coup. Mais non, parce qu'il va sur un. Il pioche une carte avec. Non, il va sur un endroit qui pioche aussi, donc c'est bon. Ouais. Oui, purée, c'est que de la vanne. En plus, tu regardes quand même un. Ici, et je peux choisir ou pas d'alimenter encore. Oui, de 1. Puisque c'est la guerre en fait chez toi. Attends, les Gigi, c'est pas la guerre. La guerre. Mmh. Mais moi, je suis pas un mec de la guerre. Ouais, j'ai pas besoin. Je ne fais rien. Beaucoup de cartes intrigues à gagner. Ça va être intéressant la fin de cette, oui. Cette guerre. Chevalier qui active mon pouvoir, qui me permet d'aller récupérer un des pistes, car c'est mon pouvoir. Et évidemment, je peux choisir parmi ces 3 couleurs. Et vous vous doutez très bien que je vais envoyer mon agent ici et payer 5 de monnaie Solari afin de mettre mon petit jeton ici. Au conseil. Au conseil. Et mon pouvoir fait que lorsque je siège au haut conseil, ça me permet de monter de 1 de mes petits cubes. Ah ouais. Et je vais le faire ici, évidemment. Et c'est à vous, les studios. Qu'est-ce qu'il y a ? Gigi qui a été propre sur son play, qui a bien tout expliqué, super, on dirait qu'il est streamer. Il est efficace, et là où je crains un peu pour la mise au loup, mais je sais qu'il a d'autres atouts dans sa manche, c'est qu'actuellement tout le monde a donc récupéré un agent, de plus, et a une place au conseil. Mm. Et Zulu, alors il a plein d'épices, hein, il a récupéré une carte qui était très forte, mais est-ce qu'il va pouvoir rattraper un petit peu son retard, en tout cas en termes de pions placés, eh bien c'est ce que nous verrons. De 1, je monte de... il ne faut pas l'oublier. Et en plus de ça, je vais utiliser une de mes cartes intrigues. Arrête tes conneries. Puisque je vais utiliser, pardon, je le mets là, autorisation de la guilde, ce qui me permet du coup de monter une deuxième fois ici. Ok, tu prends un point supplémentaire. Les amis, ouais. les amis, petite vérification là parce que j'ai un peu peur d'un truc. Marie, la carte que tu viens de jouer, on est d'accord, c'est à la recherche d'alliés. Je l'ai jamais utilisé. Oui, après, oui, tu vas la détruire. Après, tu vas oui, après, elle dégage, ouais. Ah, tu l'avais gardé pour la phase de révélation. D'accord. Ça. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste très surprenant de l'avoir encore après 4 tours de jeu. Mais Moi, je l'ai toujours aussi. Au premier tour, je l'avais utilisé. D'accord, je croyais que vous l'aviez jeté. Pas de soucis. Tant qu'on y est, en fait, au début de mon tour, j'avais un Solari. J'ai joué la bague qui m'a donné un deuxième Solari. Et en fait, je suis venu ici, donc je prends un autre Solari. Oui, c'est vrai. Bien vu. Tu l'as oublié, c'est pas très vrai. D'accord. Donc ouais, Marie a joué une carte intrigue qu'on n'a pas trop bien vue, mais qui permettait juste de la faire monter sur une des pistes. Hein. Mm. Le ouch. Ah, ouch. Ouch. Pas bandé. Charlie. Faire diplomatie, je vais aller là. Je vais prendre une carte. Non, mais toi, j'ai l'impression qu'il fait plein de trucs, personne regarde quoi. Okay. En vrai, c'est bien. Pense à monter ton influence, Xari. Ouais. Hop. Je vais utiliser tout de suite et je monte d'ici. Donc. Ouais. Je commence à avoir beaucoup de cartes et j'ai pas envie de me faire voler. Bien joué. Et vu que ça sert à rien, on s'en fout. Hop. C'est vrai que c'est le truc où il faut faire attention. On leur a dit au départ, mais c'est pas forcément évident. On a envie, en fait, quand on pose quelque chose, de faire directement l'action. Il faut penser à bouger ces petits cubes là parce que sinon on oublie et c'est clairement un des trucs qui fait gagner la game. Ouais, tu peux acheter Peter de Vries. Un fou malade. Le mec un dingue. Je peux passer sur Zulu qui effectivement est déjà à sa phase de révélation et qui là du coup hésite. Et là, plein d'argent. Je pense, mais du coup elle est détruite. Donc elle est là. Il a 3-5. T'as l'air où avec l'espace pipi ? Je suis à GG. GG mec, hein. Tu m'as un peu baisé là parce que je vais aller là aussi. Si tu veux aller là. J'ai mal joué en plus. Non, impossible. Oh, il fait quoi lui? Révérend maire de Sietch. Et je vais rien prendre d'autre. Avec un lien Fremen, il donne 3 et 1 des Pies. Lien Fremen, on est d'accord que c'est dans la zone de jeu. Il faut donc que tu été joué avant, ouais, un Fremen. Ouais, ah, que ce soit dans la phase agent ou la phase révélation, à partir du moment où ça a été joué, c'est joué. J'ai rien à toi de jouer. C'est à moi, mais c'est une des rares fois où je vais peut-être prendre un tout petit peu mon temps. Avec une réflexion de ma part. Nous, on trouve que pour l'instant, tu as été très efficace, Gigi, donc tu peux prendre le temps que tu veux. Ah. Ça me permet. Là, c'est un peu complexe. Car vous voyez ce que j'ai. Mais. J'ai une stratégie particulière et donc je vais devoir me séparer. Je dois me séparer de ça. Je vais prendre le risque. Je vais jouer à la recherche d'alliés afin de me déplacer ici même sur la sélection génétique. Et donc, je vais devoir payer 2. Si je ne dis pas de bêtises, d'épices. Et je vais devoir. Alors, je détruis une carte que j'ai en main. Ou est-ce que c'est dans ma défausse ou est-ce que on répète, que je détruis. La destruction dans ce jeu, c'est main,
défausse jeu. Donc tout ce qui est tout ce qui est visible pour toi. Bon, on peut pas compter à la recherche d'alliés, j'imagine. Ah non, elle est déjà détruite. Bah non, au moment où tu la joues, tu la vires. Ouais, d'accord, au moment où tu la vires. Mais en plus, en vrai, t'as surtout intérêt à toi virer des trucs que tu ne peux pas déjà te virer de base. C'est un avantage pas... hein, de... Oui. T'es peut-être pas très familier avec les deck building, mais à peu près, je dis bien à peu près, hein, toutes les cartes que tu as au démarrage dans ce jeu, tu veux les dégager. Chevalière dégage là, je pense. Bah, peut-être pas celle-là. À part diplomatie et chevalière, j'ai l'impression que tout le reste, si tu peux le dégager, dégage-le. Genre la dague, dès que tu peux, tu la dégages. Dégager la dune. Ah, voilà, très bien. C'est, je pense, une des pires cartes, donc tu peux y aller. Ouais, ça dégage. Et je vais piocher deux cartes. Je l'ai 8 fois en main. T'avais joué quoi, du coup, là, à le spécial? Et t'es allé où? Je suis allé ici. Ah ouais, bien sûr. Ici, pardon. Voilà, donc je pioche deux cartes. Et voilà, c'est à toi. Oui, j'ai payé mes deux dépices, j'en avais 4. Je crois que je reveal, hein. Révélation. Ça dégage. Je le mets là, hop. Donc, alors, du coup, j'ai 2 plus 2, 4. Et puis j'ai un truc de combat, mais on s'en fout. 4, qu'est-ce que je peux acheter? C'est quoi ça? Ah, faut être allié avec qui? Non, il faut être allié avec personne. Enfin, allié un Fremen. Si t'as un Fremen, joue un Fremen. Ou... Donc là, par exemple, si t'avais joué lui, t'aurais pu le faire. Enfin, là, si t'avais eu la carte, t'aurais pu le faire, puisque t'as un Fremen ici. Et ça te fait. Ça te donne ça. Par contre, ouais, ça veut dire que si t'as rien. Enfin, si t'as pas de Fremen, ça te donne 0. Mais si j'ai un Fremen où? Et que t'as joué dans ton espace de jeu. Là, par exemple, t'avais joué un Fremen. Ou alors dans ta main au moment que tu révèles. Ok. Gigi, est-ce que t'as pensé à monter ton influence quand tu as fait ton... J'ai fait. Ah pardon, excuse-moi. Tu me l'as monté... là, oui. C'est... Merci. C'est vrai que ça, c'est le truc qu'on oublie le plus souvent. Je suis un influenceur. Ouais. Donc. C'est pourtant très important, parce que c'est une des manières les plus évidentes de gagner des points de victoire. Parce que la guerre, c'est bien, mais c'est pas quelque chose de sûr. Ah bah c'est risqué de faire la guerre, hein. Ouais. Ça on le sait, hein. L'histoire nous l'a appris. Avec ça c'est dur en vrai. En vrai c'est le plus dur, honnêtement. Bah parce que t'es en mode, t'as pas envie de prendre des cartes de merde que tu vas devoir supprimer. Moi j'en ai pris une, hein, donc T'as pris une là? Non j'en ai... Mais en vrai j'en ai pris une que je regrette. Celle-là elle est ok, parce qu'elle te donne deux du coup. Enfin mais... franchement y'a pire, c'est pas... C'est pire que la dague, les trucs de merde. Ah bah oui, c'est mieux que ça. Bah mais... oui. Oui mais si tu détruis, que tu remplaces au moins, tu réduis les dommages collatéraux. Attends, et ça par contre, ça veut dire quoi, genre... C'est-à-dire que quand si tu envoies un agent, tu peux enlever une carte soit d'ici. Je suis obligé ou... Non, tu peux le faire, t'es pas obligé. Tout ce qui est dans le gris, c'est très fort. Jamais obligé. Si je prends. Ok. Allez, attention. Oh non ! Le retour. Non ? De l'Orni Mitrailleur. C'est quoi ? Elle a pris. Ouais, c'est celui que j'avais banni tête alors. Voilà. Vraiment, ils ont. Ah bon, alors, c'est normal quand t'es pas familier avec les jeux de deck building, t'as pas l'impression que c'est un bonus. Moi-même, au début, je comprenais pas trop ça. C'est un peu Rof qui m'a initié. Bannir dans un jeu de deck building, c'est peut-être la meilleure compétence. Ah, pour moi, c'est... En tout cas, en début de partie, jusqu'au milieu de la partie, quoi. À la fin, ça peut être un peu inutile. Mais ouais. Au départ, pouvoir avoir le deck le plus serré possible, ça, on l'apprend notamment beaucoup quand on joue à Dominion. De dire, mais en fait, si je peux bannir, c'est trop, trop fort. Ouais, 5. Ouais, 5. 5 plus 2 ici, donc ça me fait 7. Alors, j'ai rien qui est à... Du coup, 7, ma foi. Est-ce que tu veux acheter Pitié de Vries? Est-ce que tu veux acheter 2? Je vais prendre le Lorni Mitrailleur. Ok. Que je trouve assez intéressant dans les faits. La Légion Sardaukar. Sardaukar. Sardaukar? Ah, dommage, j'ai rien. Elle fait la guerre, elle. Ouais. Et chaque adversaire choisit défausser une carte ou. Gigi a acheté ça. Déployer. Bah, je vais prendre le test d'humanité. Voilà. Et tu mets. L'initié Bene Gesserit. Moi j'ai toutes mes cartes que je vais devoir remélanger. Ah moi donc je révèle, j'ai 2 plus 2, 4. J'ai 4. Je réfléchis, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse? Ouais je vais prendre elle par dépit. Voilà. Alors on va révéler une nouvelle carte et ça va être le combat. Ah non mais oui pardon, excuse-moi, chaque fois j'oublie le combat. Ouais, on revient sur... Ouais, je peux bien voir la carte, mais... C'est la Zou, le Zou domine le serveur à l'heure actuelle, ouais. Avec 4 points. Derrière, c'est le Xav. Peut-être qu'il va sortir des derrière, trucs. Derrière, as-tu des choses à révéler? Aïe, aïe, aïe. Du monde. Ça genre. Y est. Rappelle le premier prix de cette bagarre. Alors attends, juste, Xari, donc effectivement, c'est bien, vous nous avez un petit peu attendu. Là, effectivement, les gens commencent à avoir des cartes intrigues en main. Donc c'est Xari qui commence à révéler. Si jamais tu veux révéler une carte intrigue, tu peux la mettre au niveau du conflit, s'il te plaît. Comme ça, on reste, nous, sur le conflit.
Non, non pas du tout. Mais, non, mais ça me va. Ah, d'accord. T'es sûr que tu peux pas. Tu veux pas. Ok, d'accord, d'accord. Bah, je révèle une carte intrigue. Vas-y. Enfin, je la révèle. Allez, pas. Vas-y. Si, je la révèle tout de suite. Vas-y. Je gagne. 3 points. Oh, aïe, 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 aïe. 3 points de plus. Alors, ça fait 3. 1, 2, 3. Zulu, as-tu envie de révéler ta big cock? Réfléchis. Ok. Il a dit non. Et donc, c'est terminé. On rappelle que le premier. C'est deux cartes intrigue ainsi que le cube de son choix qui avance. Il non, est excellent. Bon, il laisse. Zulu, t'avais combien de cartes intrigue pour info? Une. Il en a une seule. Il la garde pour plus tard. Zav, augmenter le cube de ton wash, de ton choix. Attends, je suis désolé, il faut que je réalise une carte. Oh, c'est interdit. D'accord. Et d'ailleurs, je capitule. Je veux bien que vous remplissiez la. Tu te prends pour qui? Le marché, s'il vous plaît. Comment ça, le marché? Ah oui. Ah pardon, oui bien sûr. Je vais monter. Tu peux monter ici pour prendre un petit point, ici pour peut-être la course à la mort. Ici pour venir me titiller. Monter là. Eh bien superbe le point qui est pris. Point de victoire et je prends deux cartes. Et il prend deux cartes. Oh, bah, du côté de Zul, c'est une carte intrigue pour toi et tu prends également en supplément une épice Zulu. Eh oui, yes, on a le cœur sur la main, ça dégage. Exactement, encore une fois c'est bien vu puisque c'est les phasers qui vont arriver ici de ce côté là. La prochaine carte conflit est révélée pour le prochain tour. Le rappel. Mort. On revient ici. Tac, et on récupère nos agents secrets. Les cartes complots, on peut les jouer n'importe quand. Bah ça dépend. N'importe quand à ton tour. Effectivement les complots, donc les cartes un peu grises marron là, tu peux les faire à ton tour, soit d'agent, soit de révélation. C'est au tour de Xarine, commence. Ah oui, c'est... oui, faut que tu pioches. Ah bah moi je... Ah oui, pour piocher, évidemment. Je pioche 1 et je mélange le reste pour piocher 4. Oh, mes agents, je vais les mettre là parce qu'ils cassent les couilles. Désolé de vous emmerder, je veux bien que le jeton premier joueur, vous le mettiez sur votre leader, ça nous permet de voir qui est le premier joueur à tout moment. Merci. Le silence est ouais, ouais. assourdissant là. C'est silence assourdissant. On a regardé si la concentration est totale. Donc là, ça a fait un tour. Hein. On est d'accord qu'on est au cinquième tour. Putain, j'ai l'impression d'avoir la même main à chier que tout à l'heure. Encore. Et encore la technique de la plainte du Xav. C'est au tour de Xav d'ailleurs de jouer. Donc ça a fait un tour. Ouais, donc c'est le cinquième. On rappelle qu'en fait, dans ce jeu, les tours sont relativement longs parce qu'on a pas mal de choses à faire. Les manches, on va dire. Mais il ne peut y avoir que 10 manches maximum en fait, il n'y a que 10 cartes conflits. Et à la fin, généralement on y arrive quand même un petit peu avant. Eh bien on va de toute façon regarder qui a le plus grand nombre de points de victoire. Mamma mia, here we go again. Ouais putain. Ouais bonbon, bah exactement, bonbon. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu à chier tout ça, c'est de la merde, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce qu'on peut voir la main de Xari peut-être? Sûr, j'ai pas montré mon jeu. Je vais. Vas-y, tu peux lui demander. Est-ce que tu peux nous montrer ta super main parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre si jamais tu l'as devant. Non, mais c'est pas, je me plains, c'est que j'ai à peu près la même main que tout à l'heure en fait. Enfin, que ce que je viens d'avoir. D'accord. Bon, ça va, il a quand même des trucs. Vas-y, dis ce qu'il a. Non, mais elle est pas. Il a 5 cartes en main. Je réfléchis. Ah bah, c'est un 10. Oui. Ça c'est tout à fait normal. Je vais commencer et je vais tout simplement aller. Non. Putain, c'est chiant. Magnon de Zulu a bougé. Bah non. Magnon, faut qu'il aille sur Arakim. Ouais. En fait, réinfo chat, j'étais en mode, mais non, mais il a pas bougé ça. Ouais, bah non. je l'ai vu. Il était déjà sur Araki. Je l'ai vu. Et un mec là. Et... Attends, ah, on n'a pas révélé si. C'est quoi? Si, c'est celle-là. Point de victoire et tu supprimes une carte. Et en deuxième, t'as de l'eau et un d'épices. Ah, Marie l'a remis. A priori, il avait bougé. Non, bon. Mermen. Okay. Ah, il met un man. Je vais réserver et enlever cette. Je le mettrai à deux points sur le conflit. C'est quoi, c'est ton pouvoir? Ouais, c'est ma chevalier. Ah oui, pardon, oui. Exact. Tu sais quoi, je vais enlever lui, parce qu'il pue, c'est mort. Ah ouais, moi, ça change. Hein. Est-ce que lui, il m'intéresse? Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tout, tac, tic, tac.
C'est quoi, je prends lui et je révèle une nouvelle Allez. Carte. Oh là là. Et contrebandier d'épices. Oh bah ça okay. c'est pour Zulu, il est bien content avec toutes ses épices là, il pourrait le choper. Et c'est à Zulu de jouer d'ailleurs. Ah, c'est chiant de pas commencer là. Ah ouais, je vais me faire marcher dessus là. C'est le but de ouais, à l'habitude. Sais, bon. Zulu. Ouais. Alors, moi je vais jouer d'une la planète des sables. Oui. Qui va me permettre d'aller ici. Oh, ça va convertir en money. Et je réfléchis à combien je donne. Oh, le max, hein, frère. Il va convertir de l'épice. Ça vaut 5 ou 3 ? 5. Et juste avant ça, en réfléchissant au même moment, je vais jouer le recrutement calculé, de payer 1 d'épice. Mm. C'est juste le temps de réfléchir à mon coup, comme ça je joue. Et je peux récupérer le l'Austral. Hop, c'est la défausse, c'est là. Ensuite, il me reste du coup 8 épices. Ouais. Recrutement calculé qui effectivement permet de prendre le manta. Je vais payer 3 épices pour récupérer 8 Solaris, s'il vous plaît. Et ça va. Non seulement il a les épices, maintenant il a commencé à avoir des thunes. Mmh. Je pense qu'il va pouvoir commencer à acheter évidemment son... Alors je sais pas s'il va d'abord aller sur l'agent ou sur le haut conseil. Et la chevalière, hein. C'est pour récupérer un petit peu d'épices. Récupère un d'épices. Et après, c'est que je vais faire mon bousin quoi, c'est le problème. J'ai jamais la chevalière. J'ai jamais eu depuis le début de la game. Arrête de mentir. Tu l'as forcément eu. Tu l'as forcément eu. Peut-être une fois, mais menteuse. Menteuse, t'es une menteuse. Joue. Nous demande dans le chat si les qualifs c'est genre juste le gagnant qui passe au second tour ou genre le premier et le deuxième. Il se trouve qu'on est dans un univers très très rude. Oui. Où seul le premier l'emporte. Va être qualifié. 4 qualifieurs. Et le match final, c'est les 4 joueurs des 4 qualifieurs. Donc il n'y a effectivement qu'une seule place. Il va falloir se battre sévèrement. Alors que Jiraya décide d'aller chercher une carte intrigue. Oh là là, les yeux qui. Pour avoir une alliance de factions. Ça a l'air exceptionnel. J'ai hâte. Oui. C'est pas. Je crois. Hein. Au grand malaise. Répète. Pour avoir une alliance de factions, il faut être dans le doré. Ah, il faut être une alliance, effectivement. Oui. Il faut pas en fait, que tu aies le doré, il faut être le jeton. Ouais. Il faut que tu aies le personnage. Ah oui. Tu peux être dans le doré, quelqu'un te l'a repris. Et là, tu n'as plus l'alliance. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud, ouais. Alors que. Ah non, on dérange pas. Alors que Zulu. Se sustente. Il y a Sauron qui tente un move et qui dit qui sont les autres joueurs de ton tournoi, Maxildan. Eh bien, tu en auras une partie à la fin de cette émission. Je vous invite à rester. Ça devrait vous surprendre. Oh. Le huitième va vous surprendre. Exactement. Comme on dit dans les bons quiz. Pas trop vite hein, que je puisse suivre. Ah l'enculé. Mort. Bah, oh, même si elle peut plus détailler ses actions de façon à ce qu'on soit sûr. Ouais, vous nous avez fumé, merci. Donc, je vais jouer diplomatie et je vais c'est ramener pas simple, c'est pas simple. Ici. Ah. Et du coup, je vais récupérer une carte intrigue. Par contre, on est d'accord que ça n'arrive jamais en fait. Bah, c'est rare. C'est rare quoi d'avoir 3 intrigues. Bah, il en a en déjà fait, 3 l'autre. C'est ce qui ouais, évite... Normalement, ça n'arrive pas, mais c'est ce qui évite aux gens de stacker les cartes intrigues. Ouais, en fait, ouais, là, il y a des gens qui ont commencé à en jouer. S'il n'y avait pas cet effet-là, t'inquiète pas que Xari il n'aurait jamais joué de carte intrigue. Mm. Ouais, c'est pas faux. Oh, si, tout à l'heure, j'aurais joué pour gagner. Oui, il en a 3, Xav. Oui, mais c'est à partir de 4. C'est marqué 3. Non, c'est la quatrième carte. T'as vu ? Ouais. C'est le premier. Non, tu m'as pas eu. Ah non, sale con. C'est bon. Oui, vas-y, vas-y. Le Xav qui entame son deuxième tour. Toi, en plus, t'as récupéré le Manta. Donc, t'es pas mal en vrai. Le Manta ? C'est quoi le Manta ? Bah, le Manta, c'est le mec qui est là. Je pense que, à mon avis, il va aller sur le maître d'armes. Oui, évidemment. Donc, du coup, là, alors il va faire un tour à 4. Des mouches prennent possession du studio. Ah oui. Tu l'as pas vu, mais. Non, je l'ai pas vu. Il y a une mouche qui a volé au-dessus du plateau de Xav. Eh bien, peut-être attiré par l'odeur, c'est pas. Une information capitale. Notez-la bien, c'est très stratégique. Je suis d'accord. Tu veux que je change ça ? Tu veux que je te fasse de la monnaie ? Les gars, là-haut. Il y a des cartes intrigues qui peuvent être jouées à la fin du combat. À la fin alors, du combat, genre. Alors, effectivement. Il y a des cartes intrigues, donc complot, je crois que c'est la plupart, qui sont jouées pendant tes tours. Ensuite, il y a des cartes qui te disent que tu dois les jouer pendant le combat, donc c'est les cartes rouges, généralement, c'est voilà.
Et quand il y a des cartes qui te disent quand vous remportez un conflit, et bien là, effectivement, tu la joues à la fin du combat. Ok, attends. Merci. Je dis pas que j'en ai une, hein, mais. Attends. Non, mais on se dit que peut-être. Un petit rire machiavélique. Tu veux jouer la diplomate? Bah vas-y, hein, permets-toi, connard. Hop, je viens ici. Je gagne un dos. C'est interdit. Hein. Je peux avancer de 1 le jeton. Non. Oh, le petit point de victoire. Ça veut dire que tu montes là. Et ça veut dire que je monte. Marie, on a une info chat. Est-ce que tu as monté ta réputation chez les Bene Gesserit quand tu as oui, fait on les violets? Oui, on l'a fait. Tu es meilleur. Vous êtes les meilleurs. On va faire demander au cas où. Hein. Plus, sûrement, oui. Parce que tu avais posé la question sur les faits, non? T'es jamais venu ici. Comment j'ai récupéré mon autre carte intrigue? Ah, j'ai gagné un. Exactement. Ouais, ok, ça doit être ça. Attention, les trucs. c'est même Xeric qui l'a monté, je crois. C'est bon, t'as joué? Ouais, j'ai joué. C'est ok pour toi? D'accord. Bien, bah écoutez, j'hésitais beaucoup. J'hésitais beaucoup, mais aujourd'hui, je vais prendre le risque. Et je vais tenter le test d'humanité. Bonsoir. Non. Le test d'humanité qui me permet de prendre ceci, d'aller ici. Du coup, je monte un petit point, je mets un petit point. On se suit, c'est énorme. Après, je peux tu payes deux, détruire. Même. Oui, je paye 2, pardon, excuse-moi, tu as raison. Excuse-moi, voilà, pas d'embrouille. Aucune embrouille. Voilà, ici, je me défausse de cette merde et je vais chercher 2 cartes supplémentaires. Tu te défausses pas, Gigi, tu bannis je cette carte. Je la détruis, pardon, je la pulvérise. Au revoir. voilà, merci. C'est pour ton bien. Ce sera bien mieux pour toi. C'est vrai. À moi. Voilà. Il faut qu'on ait l'œil. Hein, parce que... Il faut avoir l'œil et il suffit des fois d'un petit... on essaie de bouger autre chose. Ils en profitent, j'ai l'impression, pour faire des trucs qu'ils n'ont pas le droit. Ils font des misplays pile au moment où on les écoute pas. Ouais. Je vais jouer reconnaissance. Oh non, putain. Et je vais donc aller ici, donc GG Zoul, tu gagnes un truc là. Yes. Est-ce que tu peux mettre le plateau parce qu'effectivement elle est allée chez Zoulou là. Du coup, je vais mettre une de mes troupes ici, cachée, et je vais piocher une carte. Super. On est bon. Est-ce que tu veux mettre une ou deux de tes troupes dans le conflit, ma chère Marie? Non. Non, j'ai pas envie, j'ai décidé de pas le faire, donc non. Oh, j'ai pas mis ma... putain. Allez vous faire c'est la dernière fois que je te backseat, meuf. Donc Xav. Tu me l'autorises? De quoi? Alors que clairement, il fallait y aller. Quand j'ai placé mon truc là, j'ai pas mis de... Ouais, mais là, ça change. J'ai l'impression qu'au moins mettre un man, ça te permet de rapporter quelque chose. Mais après, voilà, elle a le droit de mal jouer. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vais jouer ça. Donc du coup, ça me permet d'aller n'importe où et je vais aller là. Oui. En fait, attends, c'est quoi? Tu joues une carte et après, cette carte te permet de jouer n'importe où? Cette carte me permet d'aller ici, quoi. En gros, cette carte intrigue me permet. Enfin, cette carte-là ne sert à rien, quoi. C'est juste la joue pour la jouer. Ah, ok, d'accord. Info chat, quelqu'un dit a priori, Gigi n'a pas fait l'effet de sa carte. C'est ça que je joue. Ah, oui, pardon. Ah, vous avez raison. Ça c'était fonctionne chaque adversaire choisi, soit vous vous défaussez une carte, soit vous perdez une troupe déployée. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Ça paraît pas mal. Excusez-moi. Ah. Attends, et si on n'a pas de troupe déployée, on est obligé de se défausser une carte. Tu choisis, donc tu choisis de perdre une carte. Allez, à la prochaine. Ouais, c'est très chiant. Ouais, excusez-moi. On remercie Feukalit dans le chat qui met bien. Merci beaucoup. En plus, je suis con parce que j'ai joué cette carte pour faire cet effet. J'étais pris dans le fond. Non, tu la défausses juste. Tu la défausses. Oh non, pas celle-là. Putain, j'ai ruiné ton jeu. Xav, tu fais quoi? Bon, du coup, je fais voilà, toi, ça change pas beaucoup. J'ai défaussé ça. Toi, tu fais quoi? J'ai défaussé ça. T'as défaussé ça, super. Merci les gars, merci le chat, la famille. J'avoue que j'ai joué cette carte exprès, je suis un débile. Ah, il a défaussé une dune. Je gagne 5 gold. Après, ça reste chiant en vrai. Un point de moins, ça peut changer pas mal de choses. Et c'est vrai que quand t'es à 4, notamment, cette carte est trop bien parce que tu fais défausser 3, enfin, tu emmerdes 3 personnes à la fois. C'est vrai qu'il a joué ceci. Et c'est à toi, du coup. Oui, là. Et ça lui a permis d'aller. Je vais jouer la dague qui va me permettre d'aller ici en payant 8. Il va récupérer son petit loulou enfin. Le petit loulou. Ensuite, vu que j'ai payé pour une carte verte, je vais piocher un petit loulou. J'ai fait ça. Et quand tu payes, tu récupères un. Quand je paye sur une pour me mettre sur le plateau, oui. Vous êtes mort. Truc écrit là. Et du coup,
de l'eau. Quand je pose. Tout à fait quoi, là, rien d'autre à faire. Voilà. Donc c'est à toi, Gigi. C'est à moi. J'invoque la manipulation génétique. Grâce à cette carte, je peux tout simplement détruire une de mes cartes, qu'elle disparaisse à tout jamais. Adieu, reconnaissance. Et si je le fais, et que j'ai une autre carte, Bene Gesserit en jeu, ce qui est le cas, je récupère deux d'épices. Ouais, je vais... Et ensuite, je me déplace, et je n'ai pas encore choisi où j'allais, car je n'ai rien compris. Je trouve que jusqu'à maintenant, c'est exceptionnel ce que tu nous fais, en tout cas. Mec, je suis un des plus grands joueurs français. gars, je vais bouger. En fait, j'ai pas 50 solutions, on va pas se mentir. Donc, le man, il va partir. Ça pue la merde. Il va aller en vert ou bleu. En vrai, pour le moment, j'ai l'impression que c'est relativement serré. Je suis pas vraiment capable de dire qui est devant. J'ai pas l'impression que Zari est vraiment une option sur la victoire. Je sens qu'il garde des cartes intrigues pour les moments clutch. Parce qu'il sait. Mais d'ailleurs, on va peut-être les prévenir de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et eh ben franchement, on a vraiment des cartes. Ouais. Petite précision, c'est simplement pour que tout le monde ait le même niveau d'information pour la fin de cette game. Vous voyez, les conflits ont des niveaux. Donc la première carte était un conflit de niveau 1. Vous êtes actuellement sur des conflits de niveau 2. Et on va bientôt arriver au conflit de niveau 3. Alors voilà, ne regardez pas ce qu'il y a derrière, mais voilà. Sachez simplement qu'à partir des conflits de niveau 3, il y a souvent 2 points de victoire à la clé. Oh non. À chaque victoire de conflit. Ok, voilà. bro. Et j'en profiterai juste pour dire à Zulu de mettre son petit marqueur de combat sur le chiffre 2, s'il te plaît. Marie, vas-y. Ouais, Ashlar a pas tort, il nous dit pour savoir qui est devant, il faudrait peut-être connaître exactement le deck de chacun. Bon, là, ça nous demanderait un setup beaucoup plus gros, donc ça va pas être possible. Mais effectivement, ça permettrait de voir qui est mieux parti dans la Zulu, toi, t'as encore un tour. Ouais, parce que Zul il a récupéré le manta dès le début et sur ce tour là il est allé acheter pour la première fois le maître d'armes. Donc du coup Zul comme qui dirait jouer à 4 quoi. Ok, je vais utiliser Ornith de contrebandier. Oui. Donc je vais juste d'abord me déplacer là. Donc je vais récupérer une épice. Et du coup, vu que j'ai deux influences, c'est ça hein. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui. Du coup, j'ai deux influences, je pioche deux ici. Pourquoi? C'est quoi le... Ah, c'est l'effet. Ouais, elle a deux d'influence là, elle pioche deux. C'est l'effet de la carte, effectivement. Voilà. Aucun problème. Voilà. À moi. Revelation. À moi. Avant la révélation, je vais faire une trahison. Donc je vais payer un. Et je vais détruire la troupe de Zulu et en mettre une en plus à moi. Oh, aïe. C'est pas très gentil. Trahison, c'est une carte qui correspond très bien, j'ai l'impression. Agdari, effectivement. Par contre, cette carte-là est tellement forte par rapport à plein d'autres cartes, gros. Un point en plus, c'est fumé. Ça pique un de gold, c'est craquette. C'est fumé, et du coup, je révèle ma seule carte, Insane Éclaireur. Ah, GG. Donc, je gagne un ici, et un, et deux, donc j'ai trois. Est-ce qu'à trois, j'achète un truc? Oh, ouais, non, je savais pas. Ah, mais attends, j'ai ça. Ah, bah non, je peux pas l'acheter, ça coûte 4. C'est con. Wall, il y a un Flemen, un débit, stack 2. Si Xari se retrouve seul en conflit et qu'il le gagne avec deux man, c'est vraiment fort. Compter ses cartes. Il a fait un play à Zulu qui regardait et là il est rouge de colère. Cette carte là est pas mal pour surprendre en fin de game. Trois mecs qui... Non, à l'Enix sa mère, je vais rien acheter. Mais en vrai, comme ça. C'est toujours un peu bizarre. Tu les as déjà. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que ces cartes qui sont chères. Sont à la fois bien et à la fois t'hésites parce que comme les deux, généralement les deux effets sont cool, l'effet de gagner deux troupes flat et de pouvoir aller en plus dans une zone sur la gauche là, c'est vraiment bien aussi donc... C'est une bonne carte, quoi qu'il arrive. Ilos, du coup j'ai plus qu'un seul choix en fait sur le plateau qui est de me mettre là et de gagner 3, qui est vraiment pas fou, très nul quoi. Ok, il s'est pas mis sur la zone jaune, il a pris 3 Solari terminé. Oui. Parce qu'il avait pas assez d'eau. Zulu, oui. juste pour te dire hein. Tu as le droit aussi de, si vraiment tu ne veux pas faire ça, parce que tu dis que les Solaris c'est pas terrible en fin de partie, tu as très bien le droit de dire que tu passes ton tour agent et que tu passes directement à ta phase de révélation. Et donc tu utiliseras la carte que tu viens de jouer comme pouvoir d'achat. Il coûte 2, ouais. T'es pas obligé de jouer tous tes agents en fait. Je trouve pas qu'elle a un effet sur ta carte. Ouais, je sais, je vais piocher. Voilà, je le dis maintenant. Vous pouvez à tout moment. Attends, il a ce qu'il fait son effet de Oui, je fais mon effet de pioche, bien sûr. Oui, bon, il pioche quoi. Ok.
Moi, j'ai rien, hein. J'ai ça, voilà, un, et j'ai ça, super. Donc, T'as un, t'as trois. Vous pouvez déployer une troupe de votre garnison dans le conflit. Ah. Tiens. Il est conçu pas bon, là. Si. Okay. Je vais faire ça. Donc ça te donne deux. On va aller au bout, hein. Du coup, ça fait plus 3, du coup. Plus 3, ça fait 5. Fait 2, 3 plus 2, 5. Valek. Non, mais au moins, c'est OK, tu vois. Il y a un partage, quoi. Donc, c'est bien. Et ça me fait 1, plus 2, plus 1, ce qui me fait 4. Avec 4, je vais me permettre de faire mon petit schéma. Est-ce que tu as expliqué les égalités? Qu'est-ce que je peux aller chercher là-bas? Ah oui. La sœur Bene Gesser, qu'est-ce qu'elle me donne, celle-ci? En fait, elle est pas mal. Je vais prendre celle-là, ce qui fait que tu vas pouvoir reveal une card, mon cher Xav. Et est-ce que c'est une carte à 1? Non. Carte à 2. Eh ben dommage, c'est fini pour moi. Fin du rêve. À moi. Alors, j'ai ça, ça et ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça, on s'en fout. 4 plus 2, 5, 6. Et du coup, je vais prendre, je pense, celle-là. Ouais. Mais d'abord, je vais... Quoi? Merci, 5 plus 2, 7. 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Déploie jusqu'à temps. Tu peux remettre sa main. Attends, ça du coup, c'est à quel moment? Je sais pas. C'est au moment où tu la poses. Bleu, c'est révèle, et ça, c'est quand tu la... Donc là, on est d'accord, c'était à ce tour-là où elle a pas voulu mettre un man dans le conflit. Mmh. Et donc là, en fait, la carte à 6 là, qui est là, du coup, ne lui sert à rien, puisqu'elle n'a pas mis un man. Elle aurait eu 4 points de plus, elle aurait été à 6, elle aurait gagné le conflit. Bon, voilà. Parce qu'elle a l'alliance? Elle a le... Non, elle a le premier truc, elle a le plus 2. C'était déjà très intéressant. Au début, quoi. Ah bah, ça l'a gagné. Ouais. Si, ah, modulo les cartes intérieures, évidemment. Attends, mais j'ai... Ça, c'est juste pour un tour. Ouais, après, elle est pas folle, en vrai. Ouais. Bah, non, mais. Oh, c'est insane. Oh, c'est insane. Pas... Non, c'est... Bah, en vrai, je suis d'accord avec ça. C'est bien au début pour être les persos, mais. Tu peux acheter elle, sinon. Après, t'as la carte à main, hein, qui fait son petit boucan sur internet, là. Et t'as elle, aussi. Tu peux tout acheter. Oui, c'est que des cartes à deux. Attends, c'est quoi? Détruisez cette carte? Ça, c'est tu la joues, si tu la détruis, tu pioches une intrigue. Si je la détruis, donc avant que je fasse son truc, ouais. Bah, tu l'as fait et... Ah, ok. Et donc, elle disparaît ever. Ouais, c'est pas si mal, hein. Bah, en vrai, c'est une carte que, du coup, t'échanges un petit peu, donc... Arrête d'essayer de me... Petit diable sur l'épaule, là. C'est Marie une belle est une femme, définition de Xai. Petit diable. Marie est une femme libérée, hein. Elle fait ses choix en connaissance de cause. C'est vrai. Et elle n'aime pas qu'on l'aide, et il n'y a aucun souci. 3. Ah oui, toi, t'as pas de haut conseil, toi. Main ferme. Bouffon. Alors, ça, c'est pour quoi? Ça, c'est pour 2 de tes épices. Ouais. Tu vas sur ici. Une case de l'infini et tu montes. Non, tu vas pas, c'est juste tu montes. Regarde, non, d'accord, c'était ça. Tu vas pas, c'est tu montes. Je monte Mais quand je dis tu vas, c'est tu prends ton truc et tu le montes. Oui, je me suis mal exprimé. Et tu prends 3 gold. Et tu prends 3 gold. Qui, toi, avec tes 5 et pareil, ça peut peut-être te faire. Ouais, sinon, tu peux prendre ça. Ça c'est violent par contre, sans faire le mec. Après, bon, vas-y, tranquille. Pas aiguiller l'adversaire, mais bon, moi j'aurais pris ça. J'ai mis la table. Je me rends pas compte combien de tours il reste en fait. Je crois que tu te rends vraiment pas compte. Il reste au moins 3 tours. Je pense, que frère, on est long, hein, on est à 3. Attendez, les gars. On a commencé à 1, on a pris chacun 2 points. Hein. Après, ça va. Après, quand les batailles là elles vont valoir 2 à chaque fois. Là-haut, y a pas genre 2 façons de finir? Genre si on finit les conflits ou un truc comme ça? Non. Il n'y en a qu'une, c'est dès que l'un d'entre vous arrive à 10, alors on va finir toute la manche en cours, hein, tranquille. Donc il aura le temps de se faire rattraper. Et ensuite, fin du buzz. Et... Mais effectivement, si jamais vous n'arrivez pas à ça, mais franchement, normalement, je pense que vous allez y arriver. Et bien là, si il n'y a que 10 cartes conflit, et à la fin de la 10e carte conflit, et bien là, on va arrêter la game. Mais en vrai, il y a 95% de chances que quelqu'un arrive à 10 avant. Ok. Genre Zari. Genre moi, toi, je prends le... C'est plus j'irai avec plaisir dans la game là. Instant. Moi je suis ok en vrai. Je vais rien prendre. Eh ben très bien. Ok, tiens, super. Tu passes premier joueur. Enfin, combat. Putain, faut qu'on fasse tout nos. Attends, faut résoudre ça. Ouais, tranquille. Doucement. Alors, déjà on résout le combat. Le combat, on est totalement égalité, donc tous les deux on prend de l'eau. Non, Gigi. Quoi? Gigi, tu es. C'est d'abord à Xari de décider si oui ou non il veut mettre une intrigue dans le conflit. Car je répète un truc. T'as raison. Je le dis aussi aux viewers. En fait, si jamais là, ils finissent sur une égalité, alors en fait, ils ne récupèrent pas tous les deux la première place, mais tous les deux la deuxième place. Donc là, il n'y aurait aucun point de victoire de gagner. Donc ça vaut le coup que vous bougiez un petit peu. Xari, on t'écoute.
Je vais pas faire, je vais garder pour le conflit de niveau 3. Ok, on a ensuite... Gigi, est-ce que tu fais quelque chose? Je ne fais rien non plus. Eh bien, vous vous gagnez chacun un dos et un d'épice, et le public est très déçu. On n'a pas proposé à Zulu et à Marie, si d'aventure vous aviez une carte intrigue qui disait vous pouvez mettre un mec dans le conflit. Bon. Ok, voilà. Cette carte du coup dégage. Allez, on fait ça. Maintenant, pour les trous de verre là, on envoie. Tut. Intéressante cette carte. Non, ici, pardon, juste là. Donc celle-ci ici. Rappel des troupes. Revenez les soldats. Et on pioche. Lui, il va là. Tac, le vert et les deux rouges pour le Zul. Ok. Ok. Les trois rouges. Ça veut dire que tu choisis deux, tu peux faire deux dans le même. Non, c'est tu choisis ces gens deux, t'en choisis deux et t'en montes deux. Exactement ce que t'as dit. voilà ma gueule. Il a beaucoup mieux dit Gigi, j'ai l'impression. Bah, disons qu'au moins il y avait des explications. Zulu, tu pars. Mais je pense, waouh. Moi j'en ai marre de me faire traiter. Zulu commence. Oui, et moi je pioche 5. 2. Et sachez en tout cas que j'aime beaucoup ce jeu. Oh, le jeu est génial. Il est cool, écoute, vraiment. Max, j'espère que tu me réinviteras plus souvent pour jouer. Non, mais j'aime trop le jeu. Faro, si t'es prêt à faire 1h30 de route pour venir jouer, t'es toujours le bienvenu. Ah, je suis prêt à faire ça. Après, il ne tient qu'à toi de gagner cette partie pour revenir, mon cher Gigi. Oui, c'est vrai aussi, je vais me concentrer. Je vais payer 2. Pardon. Oh bah vas-y. Je vais donc récupérer ça. Bon, il nous fait chier, lui, il récupère tous les trucs. Prendre, piocher 1. Ouais, super. Puis j'ai payé avec mon effet, tu gagnes je repioche 1. Et le manta. Ah, oui. Et il aime le manta, Zulu. Il aime le manta. Moi, je n'ai même pas regardé les cartes que j'avais. Bah surtout que maintenant, comme chacun a récupéré son agent supplémentaire, eh bien il sait qu'en prenant le manta, il... Oula, qu'est-ce qui se passe? Mon avis, il est parti. Je rigole de Numstail qui dit « Ah, merci Max pour le Z-Event, c'était ouf à Colbes. Il arrive. Il arrive bientôt. Il est en train de se faire monter là. Main de merde comme main de départ. T'as tout le temps une main de merde. Je hurle. Non. La première était bien. Là, c'est. À chaque fois, t'as pioché au mauvais moment. Ça, okay. Elle est toujours à la fin de mon paquet. J'avoue que le tour d'avant, jamais j'aurais pioché. Parce que vu que t'avais plus d'argent, c'était des cartes un peu en mode. J'ai fait ce que je pouvais, ok. Les amis, je vais jouer. C'est dur. Franchement, je me tâte. Mais on va jouer. Je vais jouer Diplo. Je vais partir chercher de la flotte ici même. Donc je prends une petite flotte qui me permet également de monter ici, de récupérer ça pour un point de victoire que je monte en attendant puisque je sécure ceci, on est d'accord. Mm-hmm. Je récupère également de la flotte puisque c'est ce que je récupère ici. Ça, c'est que le premier qui l'a ou c'est non, tout... en fait, il m'a dit Max. Alors, ils vont me confirmer, mais si par exemple tu fais ça, tu peux récupérer la flotte à l'infini. Quoi, si tu descends. Enfin, bon, le bonus, il est dès que tu passes dessus. C'est quand tu montes. Je pense pas quand tu descends. Oui. Du coup, on est là. Je suis également sur un petit sentier de guerre, mais je ne souhaite pas de violence. Voilà pour moi. Ok, à toi, Marie. À moi. Il me semble que ce que tu as dit, Gigi, ça a lieu quand tu montes sur l'eau, pas quand tu descends dessus. Mais on vérifie tout ça. Mais genre, à partir de là, il me semble que si genre je redescends et que je remonte, enfin c'est ce que m'avait dit. Oui, c'est bon. Je crois que oui. Par contre, l'exemple que t'as donné en descendant, je ne crois pas. On vérifie. Non mais t'inquiète, ils ont mal compris. Ils ont mal compris, bon c'est pas grave. À moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que. Ah, Numstil qui était pas un troll en fait. Il pensait vraiment que on va faire ça. En vrai, ça arrive. Contact d'Arrakis et je vais aller. Ça arrive que des fois les gens se disent genre tous les streamers sont Z-Event. Et bien non. Peut-être un jour. Une petite troupe ici. Pas dans le conflit. Ok. Je me tâte. Déjà, je vais récupérer l'eau avant d'oublier. Et c'est une très bonne question que tu poses ici. I know. Le tatisme, la tatation. Je vais tout mettre dans le conflit. Oh là tu peux... Elle a le droit. Attends, c'est quoi? Oh là elle a non, pardon, une. Mais... Elle en a le droit. Je suis là pour me battre. Et ouais, j'ai le droit. Et je vais six. Pas me gêner. J'ai récupéré de la flotte. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai récupéré la flotte. Et du coup, c'est bon, je m'arrête là. Moi, je vais jouer diplomatie et je vais aller là. Je vais payer 1. Je vais monter là-bas. Vas-y, je vais te monter. Pardon. Ouais.
Vas-y, voilà. Monte-le. Et je vais mettre deux. Alors, je réfléchis pareil. Est-ce que je... Oui, donc Gigi, on confirme que c'est bien quand tu montes sur le bonus que tu le récupères. C'est exactement ce que j'avais dit, mais vous avez pas dû comprendre. En fait, là, ce que Max avait peut-être extrapolé, c'était imagine, tu montes encore une fois et tu redescends. Non, est-ce que tu le regagnes? Non. C'est juste à partir de la ligne qu'il y a ici. Voilà, ouais. Là. C'est parfait, mettre. C'est parfait. Ok, nice. Je vous invite à mettre aussi vos points de guerre. Marie, elle est à 6. C'est vrai. Je vais le remettre. Je vais mettre un man. Moi, je suis verte. Mais un man, il est à 2 et toi, t'es verte et tu es à 6. Bah okay. Alors, ça met qu'un petit bug pour venir se battre. Ouais, ça me fait peur un peu. Marie, c'est Azulu. Juste une question. Est-ce que tu as regretté tout à l'heure de ne pas mettre un petit bug? One Parce bug. Que, en fait, tu as une carte dans la main qui rajoutait plus 4, donc en fait, tu gagnais le conflit. Mais. Okay. Ouais, je sais, mais non, je l'ai pas regretté. Bah, c'est le principe. Eh bah, alors, c'est bien. Attends, Zouzou. T'as pas fumé les palettes, t'as pas. Regret. Parce que là, je sens du fébraise, à mon avis. Allez, que pisser le type. Quel énorme troll. Le caca est. Je vais jouer donc. J'ai payé. Quel énorme troll. Il est très bon. Ça va mieux, Zoulou ? 4. Moi, je fais le double avec lui. Des petites épices comme la surprise du chef. En vrai, bon timing, hein, parce qu'il est arrivé pile au moment. Attends. Où. Bonsoir. Tout va bien. C'est bon pour toi. Tout va bien. Superbe. Pascal OP. Pascal Hobbs. Chouchou, c'est mal, le joueur rouge. C'est vrai qu'il est bien rouge. C'est le joueur rouge. Ouais, qu'il est bien tatos, hein, je me tatosse. Tatosse-toi. Je me tatosse. Tatosse d'habitos. Et en vrai, j'hésite. Ouais. Je tiens quand même à profiter du fait qu'il y ait beaucoup de gens sur cette chaîne. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, effectivement. Partagez le lien à vos amis et à votre famille. Ce tournoi-là aura lieu tous les mois. Mais nous faisons toujours des émissions de jeux de société le dimanche à partir de 16h sur ta chaîne. C'est vrai. Et que la prochaine. Tu peux déjà dire pour la semaine prochaine Oui, la semaine prochaine, on fait un tournoi de Magic. On sera 8 à s'affronter sur un Célé Magic. Ça va être très très cool. Effectivement, grâce à notre partenaire Play-In, qu'on salue d'ailleurs, dont l'un des représentants sera présent lors de ce tournoi. Ça va être très très cool. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, rendez-vous globalement tous les dimanches à 16h. Et je peux déjà vous donner la date de ce prochain match d'une. Pas encore le casting, ce sera à la fin de l'émission. Mais la prochaine date, notez-la, puisque ce sera le 16 octobre à 20h et non pas à 16h. Il y a toujours un 16. Le 16 octobre, mais c'est à 20h. Mais pourquoi à 20h? Peut-être parce qu'il y a des gens très importants. Allez, on retourne dans la game. Oh là là, mais quel tease exceptionnel. Tout. C'est ça, hein, j'ai rien oublié. Pendant ce temps-là, Marie. Parce que j'avais oublié que j'avais ça qui existait. Elle a joué un truc en Fremen ou en Bene Gesserit. Elle est partie en Bene Gesserit, elle a pris une carte intrigue. Et elle a aussi gagné un petit point de victoire supplémentaire. Parce qu'elle est montée dessus, c'est vrai. On a deux personnes à 3, deux personnes à 4 pour le moment. Les leaders sont donc Jéria et Marie. C'est fou! Personne n'aurait parié. Alliance 4. Quoi? Ça veut dire que si t'as ça. Tout à fait. Attends, on est loin. Il y a des cartes intéressantes à l'achat, on vous les montre rapidement. Putain, mais c'est trop de la merde. L'alliance avec l'Empire, effectivement, qui donne 4 d'achat. Et d'ailleurs, une goutte d'eau. On rappelle, évidemment, et on va peut-être le rappeler à nos joueurs, que, évidemment, on vous rappelle que si vous arrivez à avoir 9 de persuasion pendant votre phase de révélation, n'oubliez pas d'acheter, des... L'épice doit couler. L'épice doit couler, qui coûte 9 et qui vous donne immédiatement un point de victoire. Non, j'avais oublié que ça existait ce truc. Mais, bah, mais ça va, Homolo. T'as jamais eu 9. Et j'ai peut-être des cartes qui me permettent de prendre des pieds en fait. Donc voilà, attention, les achetez pas trop tôt parce que l'épice doit couler est une carte qui certes donne un point de victoire mais qui pollue votre deck puisqu'elle ne donne aucun autre bonus. Alors on peut revenir sur le fait que Xari, on a l'impression qu'il triche alors qu'en fait non. Est-ce que tu peux nous expliquer, Xari, ce que tu fais? Mais je sais, ça va, mais sauf qu'il y a des gens qui regardent aussi, les gars. Nous avons des spectateurs. Parce que il a expliqué son pouvoir 3 fois, je me disais que là ça avait été acté chez les gens. Peut-être déjà que ça arrivait maintenant. C'est vrai. On est d'accord que c'est la première fois qu'il peut... Je peux y aller. C'est la première fois qu'il le fait.
C'est après c'est la deuxième. Non, c'est vrai. Oui. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui, messieurs, en fait? Qu'est-ce que je fais, Marie? C'est bizarre. Bah, je fais que les cases où il y a de l'eau. Bon, bref. À méditer. Car je devrais utiliser la tour, Cross. Si je puis me permettre. C'est vrai que ouais, mais je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser la sœur moi. Bene Gerys. Attendez. La sœur Bene Gerys. Qu'on embrasse. J'ai triché, on est d'accord. Hein. Triché, j'ai utilisé la dague et je suis allé là. En fait, je me disais qu'il y avait. Ah, ça, je savais bien. Oh non. Désolé. Et oui, Itadomo, les petits cubes que tu vois, par exemple, ici, en sous la main, là, voilà, ça représente les soldats, puisque nous avons la version deluxe du jeu, mais sur la version de base du jeu, les soldats sont en fait représentés par des petits cubes. Voilà. Ouais. Petits cubes qui sont d'ailleurs pour les points d'influence à gauche, là. Mm-hmm. Je vais retirer du jeu la mission d'assassinat GG qui me permet de gagner 4. 4, putain, trop fort. Que c'est l'effet de la carte. Ça et je vais piocher 2. Donne 1. La monnaie, gros. Et je vais me permettre de piocher 2 de mon deck. Ah, ah bah tu dois remélanger avec tout ce qu'il y a là, voilà, exactement. Ça commence à être fluide. Non, je commence bien, à bien comprendre le jeu et j'ai très envie de bonbons maintenant que je vois la boîte. Mais c'est un jeu qui. Au départ, on a l'impression que ça va mettre. Là, on se dit, bah, ils sont même pas à la moitié des points. Mais ça, en fait, ça va commencer à. Ça va accélérer. À aller bien plus vite, ouais. À partir du prochain. Yes. Ok. Moi, les petits amis, on est d'accord que je peux passer en phase de révélation si je n'ai plus rien à faire. Oui. Je passe en phase de révélation. Puisque je n'ai plus rien, de toute façon. Tu nous révèles 4. 4. Et 6, donc. J'ai 6, effectivement. J'ai 6. J'ai bien 6. Si vous vous posez la question aujourd'hui, je vais prendre la main ferme. Car j'ai la main ferme. Oh, dommage. Effectivement. Qu'est-ce qu'il vient d'avoir? Ouf. Oh, Carnassif. Et oh, la révérende. Si tu as une carte Bene Gesserit en jeu, un adversaire se défausse de 2 cartes. Trop fort. Oh, la vache. Ouais, j'avoue que ça casse le couille. En jeu, ça veut dire que si tu les as jouées là, posé... Ouais, tu vois, voilà. Tu là, si toi, tu avais joué ça là, tu peux dire à moi, par exemple, qui n'ai pas encore joué. Ouais, faut la jouer. C'est très fort. Et ensuite... Je pense, il me reste 2 en fait. En fait. Hein. Et du coup, comme il me reste 2, est-ce que je peux partir sur un petit truc sympatoche? Franchement, je vais pas prendre le risque. Je vais m'arrêter là. Je trouve que j'ai déjà fait un bon boulot. C'est tout pour. Ça aussi, j'ai un peu de mal à voir. À la limite, quand t'as 1 et que tu veux pas acheter la carte à 1, je crois qu'il a sous-estimé un petit peu cette carte à 1 qui est pas mauvaise parce qu'elle permet de piocher. La voix, c'était pas par mal. Par contre, la voix, c'est pas mal. Contact d'Arrakis. Bon, après, il faut voir, mais je crois qu'il a pas mal de. Carte Bene Gesserit dans son jeu, avoir une carte de plus, c'est peut-être pas si mauvais. Je vous montre la voix histoire que vous puissiez lire son texte. Alors attention, il y a eu un petit errata, mais je crois que je l'ai édité, donc normalement vous avez la bonne carte. Oui, mais eux, non, peut-être pas, et du coup, peut-être que. Eh bien, tant pis. si, parce peu. Que je l'ai changé. Ils m'ont. En fait, non. Si vous avez la mauvaise carte, si vous n'avez pas ce texte précisément sur d'accord. Votre carte, la voix, eh bien vous contactez Lucky Duck qui vous enverra la bonne. Il y a eu un petit changement. Tu te rappelles un peu du changement? Oui, en fait, c'est choisissez n'importe quel emplacement du plateau. Vos adversaires ne peuvent pas y envoyer leurs agents jusqu'à votre prochain tour. En fait, sur celle de base, c'est ne peuvent pas envoyer, y envoyer d'agents ce tour-ci ou un truc comme ça. En fait, il y a un changement sur le nombre de tours. D'accord. Qui rend la carte beaucoup plus forte ou beaucoup okay, plus faible. Ok. Bref, où en sommes-nous? Alors. Je ne sais plus. Ouais, moi, je les entends plus. Je voulais absolument des cartes qui bannissent. Direct, c'est chaque adversaire. Toi, le tu as réussi à bannir déjà 3 cartes, c'est tellement fort. Par contre, celle-là, elle coûte 9 ou c'est 9 là? Non, elle coûte 9. Ah, faut payer 9. Payer, faut coûte 9 de points là, à la fin. Oh, c'est dur. Non, c'est facile. Bah, toi, par exemple, tu achètes des plein de cartes qui valent plein. Excusez-moi. Ouais. Voilà, on n'a pas beaucoup chaté, mais par exemple, ouais. Si je regarde les cartes de zoomer sur. Tu veux voir. Sur le field. Ouais, on chate. Mais il y a des cartes qui sont à 3. Ce qu'il dit, je ne sais pas si c'était pour la voix ou c'était pour autre chose. Non, bah écoute, non, je sais pas. Allez Zoulou, tu vas y arriver. Allez, tant pis. Non. Je vais jouer l'espace plissé pour faire un move qui est très très particulier. Je vais aller ici. C'est particulier ça. De gagner un. Bah, en fait, c'est une case nulle de base. Oui, Charcot, le deck du marché est gros. Je pioche un grâce à l'effet de mon épée. On n'en utilise que la moitié en général. Et tu peux mettre une de tes troupes dans ta garnison. Et je peux piocher un. Et vu que tu as gagné une pièce, tu peux pas piocher un. C'est pas l'effet de ta carte. Non. Oh, c'est de la nouvelle carte du marché, apparemment. Tu peux soit la mettre au combat, soit la mettre dans ta garnison. Ouais. Soit là, soit là. Et c'est la fin de mon tour. Ok. C'est à Marie de révéler. Et cette carte est détruite. Évidemment. Il y a des cartes sympas ici ou pas, là où Marie est là. Ouais, 6.
Yael, que j'ai pas envie de trop que tu prennes, mais... Et d'ailleurs, quand Xavier, quand tu as expliqué cette carte-là, tu avais dit que une personne se défaussait de deux cartes. En fait, c'est tout le monde. Oui. Ah oui, c'est un adversaire. Ouais, c'est fort, c'est fort. N'hésitez pas à relire les cartes après que Xavier vous l'ait lu. Hein. Ouais, Marie, tu as combien de... T'as combien là, du coup? T'as combien de persuasion? Ouais, ouais. Mais j'ai pas assez, hein. Mais 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 5, 6. Oh, bah tiens. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, hein. Oh. Non, l'inspecteur de la guilde. Non, l'administrateur de la guilde. L'inspecteur de la guilde. C'est Ah, oh, il détruit une carte quand même. Ouais, il est pas mal. J'aime bien détruire les cartes, mais je t'ai dit, j'ai pas il eu. Il en destroy. J'ai pas eu la chance de le faire. Même à un moment, je voulais aller là, mais en fait, j'ai pas de thune. Enfin, je suis un peu la salope de la game. Hein. Je peux te mentir. Un peu, ouais. Je vais juste, moi, mon seul play, faire la guerre. Bon, j'avoue que pas envie de tester le smack. On va laisser tranquille. C'est mon seul play. T'as envie de détruire des cartes, Xavier? Non, je dis, j'aime bien les cartes qui te permettent d'enlever des cartes nulles. Mais... Pourquoi tu veux me fumer, c'est ça? Vas-y. Zary doute un petit peu, je pense, à ce moment-là de la game. On connaît un petit peu sa fâcheuse tendance à dire « au secours, ma partie se passe mal et finalement je gagne ». Là, je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir d'adversaire autant à la hauteur. Bon, bah, alors... du coup, je vais utiliser mon intrigue. Mm-hmm. Faites là, c'est mieux peut-être, les gars. Faites l'acquisition d'une carte de coût inférieur ou égal à 3 et du coup, je vais prendre celle-là. Voilà, juste pour le faire. Elle a une intrigue qui permettait de récupérer une carte, elle l'a fait. Ouais, c'est bon là. Pas fort en tout cas. Allez, et je révèle une carte Bene Gesserit qui vaut 1. Et donc du coup, tu peux, si t'as une autre carte Bene Gesserit, tu peux augmenter n'importe quoi de 1. Ok. C'est pour Géraria, c'est pas mal. Pas mal en vrai, parce que t'as beaucoup de Bene Gesserit. C'est bon pour moi. Ok, c'est à moi de révéler. Je révèle 3, et donc du coup j'ai 5. Non, pardon, excusez-moi, je faillis à tous mes devoirs. T'as l'air déçu. Ah, il n'y a pas beaucoup de bons choix, on va pas se mentir. Après, voilà, quand le fait d'avoir 3 agents te fait que généralement tu restes presque 2 cartes à la fin, donc c'est difficile d'acheter. Ou c'est que des cartes qui puent leur mère. Ouais, c'est à toi de révéler. Je crois que c'est l'heure de la guerre, j'étais prête à hurler. Et alors, c'est vrai que, il faut quand même le reconnaître, c'est peut-être un des défauts du jeu, s'il y en a, c'est que si toutes les cartes du marché ne vous plaisent pas, et ne plaisent à aucun joueur, eh ben, chais. Il n'y a rien qui permet de vider, à part le pouvoir de Xari, qui alors, effectivement va faire cycler un déjà, petit peu, mais il va falloir se forcer à acheter des trucs. Quoi. Déjà, on peut acheter la carte de base, bon, effectivement. C'est surtout à l'inverse, quand tu commences et que tu n'as pas de grosse carte. Et ensuite, tu peux très bien dire, j'achète une carte à 1 qui ne me plaît pas forcément, et derrière, ça va me révéler un gros truc. Et en plus de ça, si jamais tu ne bouges pas, eh bien, les autres aussi sont... Moi, au bout d'un moment, enfin, la carte à 1, ça fait longtemps que je l'aurais achetée, moi, à leur place. Il n'y a pas non plus de mauvaises cartes. Les cartes sont un peu moins bien. Il n'y a pas non plus de mauvaise situation. Il n'y a pas de mauvaise situation. Généralement, tu préfères quand même une carte à 1 que la plupart des cartes de base que tu as. J'imagine que c'est à... 5 pour 2. C'est à Zulu, ouais. Il a acheté la voix, d'accord. Non. Il a raison, je pense. Le banquier de la guilde. Alors ça, quand tu le révèles, ça coûte 3 de moins. Pas mal. Alors, banquier de la guilde. Pas mal, alors. Banquier de la guilde, c'est ça. J'ai que ça à faire. Ouais, oui. Ce qui permet 5, de gagner des points de victoire pour 6, ça c'est très fort. Ouais, voilà, bah, je vais m'arrêter là. Terrible, en fait, j'ai vraiment essayé de choper la 9 et là je prends vraiment. En fait, mon but c'était ce tour-ci, je devais pas du tout faire ça, je devais tipper mon deck. Une fois que tu auras ça, ça te carrément. Ça, c'est important. Ouais, ça donne 2 de plus. Tu peux remettre tes cartes là-bas et. Oh, messieurs, combat. Ok. Le combat, mesdames et messieurs, on est à 6 contre 2. Marie, est-ce que tu veux faire une carte? Rien, il ne dit rien. C'est toi qui parles. Bah, parce que nous, on n'a rien à dire, on n'a pas de carte à révéler, c'est à vous. Ok, bah je gagne là. Ah, mais pour l'instant. Non, mais si je. Ouais, tu fais quelque chose ou pas? Je ne fais rien. Et t'es quoi? Tu sais quoi? Je fais rien. C'est super. Allez, tu choisis de monter 2. 1 de chaque. Ils n'ont pas joué de carte intrigue. Oui, et c'est là où c'était intéressant, c'est que, en fait, si Marie pourrait très bien dire, bah je suis première, je fais rien. Puis Xari, s'il jouait quelque chose pour la rattraper, alors Marie pouvait jouer sa carte. Je vais les entendre. Sinon, il y aurait double. Oui. Bah, c'est trop facile. C'est bien. Parce que peut-être se calmer. Bah, la regarde. Enfin, je sais pas. Oui, effectivement, tu dois monter de 1 sur 2 trucs différents. Voilà. C'est quand même bien. Hein. Tu as pas c'est mal. T'économises techniquement. Faut y aller par contre. Parce que là, quand tu vas là avec un agent pour prendre 2 pièces, juste pour monter. T'as envie de voler. C'est le truc des Goa ou le Dain là-bas. C'est de la merde. Je me suis mis là. Moi. Ouais, je te dis. Bah non, clairement, je te laisse. Hein, on fout ça. Rien à branler. Après, Doulou, il va aller là. Après, ça permet de sécu. Hein. C'est deux... toi qui es le général des armées, c'est deux troupes en plus.
Ah. Eh oui, monsieur, le pas. Ah oui. Eh oui, oui, oui. Ouais, c'est que j'ai... Ok. Ah, et ça, c'est quoi? Ça, c'est une carte. C'est pas mal aussi. Ça, c'est de la merde. Lui, on s'en bat les couilles, j'ai vraiment. Là, c'est parce que ça, c'est fort à la fin, donc tout le monde y va. T'as monté quoi et quoi du coup? Pardon. J'ai monté. Pour faire ça, il faut être. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi? Non, pour faire ça, il faut pas être là, on est d'accord. Ah non, ok, j'ai compris. Mais c'est pas grave. Okay. Donc, du coup, c'est bon, t'as fait ça. Toi, tu prends de l'eau et tu prends deux pièces. Boum, c'est résolu. Casse-toi okay. La guerre. Ok, sur les cases, donc on s'en bat les steaks. Ça, dead. Dead. Dead, dead. Bon, lui, il a une armée, littéralement. Non, on va pas l'embrouiller. Tout est bon, nous avons résolu. On récupère nos petits bonhommes. Jiraya est premier joueur. Et je deviens le premier joueur, effectivement. Yes. Pour la prochaine carte, alors 4. Pour la prochaine émission, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce petit bug de son quand ils parlent tous en même temps. Parce qu'en fait, je pense que ça vient. Ce que vous entendez de leur voix, en fait, vous les entendez via Discord. Et je pense qu'il y a sûrement un petit bail à changer sur Discord pour que ça n'arrive plus. Et notamment, on parle aussi d'un petit décalage, peut-être que ça. Alors, le décalage, c'est normal, mais je vais aussi faire en sorte de le régler. En gros, il y a forcément un petit retard sur l'image. Je vais créer un retard sur le son pour que ce soit à peu près calé. Mais. Normalement, ça vous dérange pas beaucoup, c'est un décalage de même pas une seconde sur des miniatures qui sont toutes petites. Bon, voilà. Voilà. Je sais. Ok, elle c'est trop mignon, ils s'engueulent. Mais je sais. Ah mais je trouve que c'est ma faute. Ouais. J'ai dit, t'as pas chaté. Ouais. Vous pouvez refaire le début de l'engueulade parce qu'on n'écoutait pas. Non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je te jure que si j'ai pas la carte que je veux... Ah bah, ça va être compliqué, là. On n'est plus à ce niveau-là de jeu. Que fais-je? Il faut de l'eau. Merci, les amis, dans le chat. Que fais-je? Que fais-je? Boubou. Que fais-je? Dans quelle étagère? Je sais, mon cher ami. En fait, c'est à Gigi de jouer, donc je suis en train de regarder Marie, alors qu'en fait, c'est à la Gigi dont on peut peut-être voir un peu la main. J'arrive même pas à mettre ses bonhommes dedans, tu sais. J'avoue. Il a plus que... Le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis derrière. En fait, je suis derrière vous dans tous les trucs, sauf ça. Donc, en gros, je suis obligé d'all-in sur un truc, quoi. Enfin, sauf Marie. Marie, elle est malheureusement dans la merde, un peu dans tout. C'est super drôle, ça, vraiment, drôle, de regarder tout mon adversaire et dire ça. Nous arrivons donc au moment fatidique où Xari essaye de faire croire qu'il est derrière tout le monde et où il va les baiser en aux réalité, deux derniers tours. En réalité, j'ai l'impression que là, si je devais bet sur quelqu'un, ça serait peut-être Gigi, qui a un bon petit deck et qui avance tranquillement. Xari, en fait, a beaucoup de troupes dans sa garnison. Le problème, c'est qu'en fait, on peut, depuis la garnison, en mettre que deux à chaque fois. Et donc, avoir beaucoup de troupes dans sa garnison, des fois, c'est un petit peu frustrant parce que on peut pas en mettre autant qu'on en voudrait. Donc, je sais pas comment il va les utiliser, mais c'est pas forcément fait. Non, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va faire ça. Il a plus que 3 mecs dans sa réserve. On va faire ça. Ok, Gigi, il a posé la diplomatie, il part chez les Fremen, il prend une goutte d'eau et il monte de 1. Excusez-moi, j'avais vu Marie... Oh bah, c'est pour toi que je dis ça. J'avais vu Marie à 5 points de victoire, et du coup je l'ai mis à 5, mais là je vois qu'il est retombé à 4. Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est... Je pense qu'elle était à 5 et... J'ai l'impression que quelqu'un essayait encore de te gruger. Je suis là, Marie, je suis là. C'est elle qui s'est remis à 4, donc c'est bon. Je l'ai déplacé à 4 parce que je n'en avais aucune idée. Je me dis, c'est trop loin ça. Je savais plus. Ok, à moi. Cependant, je suis incapable de te dire là comment elle a eu 5. Je crois qu'elle a gagné en fait. 1, 2, 3. Ok. Et plus les conflits qu'elle a gagnés. Elle part de base à 1. Oui, je suis pas sûr qu'elle ait gagné 2 points de victoire via les conflits. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut retracer. Oui, là actuellement, on est à 3 points de victoire gagnés à gauche. Elle a gagné un conflit, je crois que c'est bon. Et oui, c'est vrai qu'on démarre à 1. Hein, oui. Je suis. Mais je suis là pour le rappeler. Et donc, il y avait bien un conflit qui faisait gagner un point de victoire. Oui, oui, il me semble. Ok, my bad. Là, on voyait à l'autre bout de la map. Tout à fait, je crois que c'était celui-ci. Oui, tout à fait. Pardon. On a dit dans le chat. En micro, coupe quand vous nous parlez. Non, non, c'est pas ça. C'est moi. Des fois, je le mute parce que. Vas-y, mute. N'oubliez pas. Est-ce que juste vous avez pensé à faire les fuzzers à cette phase? C'est ce qu'on nous demande dans le chat. Oui, oui. Parfait. Vous êtes les meilleurs. Super. Vous êtes les boss. Mais ouais. En fait, on avait littéralement tout pris. Il y avait rien à fuzzer. Partout. C'est à qui? Je sais plus que c'est mes cartes. C'est au Xav. Zéro mémoire. C'est à moi, je vais jouer ce monsieur Stilgar. Oui.
Donc malheureusement je voulais aller là mais je me fais baiser. C'est vrai que c'est du coup, peu probable. Allez. Je réfléchis. Il peut aller dans la zone bleue ou jaune, donc en gros sur la planète Dune quoi. Bon chance à lui là. Pareil, le chat devrait vérifier que Marie a bien pris son point d'influence autour d'avant. Ouais oui, elle a pris. Je le paye qu'un parce qu'il me donne un. Attends, elle a joué où T'as joué là. T'as prépris. Hop, t'es là. Oui. Ah oui, vous avez raison, ouais. Je croyais que ouais. Marie, on t'aide tous là, donc si tu gagnes pas, on aura vraiment fait au mieux. Et je mets. C'est deux par deux, hein. Tu peux en mettre que deux, ouais. Moi, j'en mets deux. J'en mets deux et c'est tout. À vous. À vous les studios. Petit joueur quand même. On est à 4 de puissance pour Xavier pour le moment. Sinon, j'ai rien compris. Je viens de dire, on peut mettre que deux. Petit joueur, grosse merde. Alors je t'ai que pas ce... dit grosse merde. Ah, si, t'as dit grosse merde. Non, je te respecte un peu. Vas-y, grosse merde, je crois. Big shit. Big shit. Big shit. On les a perdus. Ok, je vais jouer autre mémoire. Si tu peux les mute rapidement, ça veut dire que là, c'est ça le conflit en cours. Mm-hmm. C'est le premier conflit qu'ils vont jouer de niveau 3. Et ça va être assez déterminant parce qu'au-delà des cartes intrigues, là, on va pouvoir monter de 2 sur une piste. Ça va changer pas mal de choses. Oui, tout à fait. On peut peut-être y avoir les premiers vols d'influence. Je mets une unité dans ma réserve. Je place une unité sur le board. Zoulou a joué ça. Et j'ai pioché une ou deux cartes. Je pense que j'ai pioché les deux, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5... Donc, j'en ai pioché qu'une. Et il a joué sur la partie bleue. Et chez lui. Qui va utiliser son nouveau Powers. Oh non, attends, par contre, je viens d'avoir. Ouais, j'utilise la chevalière. Chevalière qui me donne 1 grâce à mon pouvoir d'épice. Putain, mais la chevalière, tu l'as. Hein ? Je l'ai plus, hein. Moi je l'avais au début. Mais ah, voilà, je l'ai. Gigi a banni pas mal de cartes, hein, donc il la récupère plus facilement. C'est vrai, ouais, ça c'est pas fou. Ouais, mais Gérald, il a banni 3 cartes, c'est tellement fumé. Je vais me mettre ici. Pour récupérer un de flotte et je vais également récupérer un man que je vais mettre là et comme c'est la guerre je il faut mettre les oui d'ailleurs excuse-moi toi tu es à 4 toi tu es à 2 écoute j'ai envie de prendre des risques je vais en mettre deux ici et c'est déjà un bon début sur ce qui se passe. Tweet nous demande si on va mettre l'extension pour la finale, eh bien non, c'est l'ensemble de ce tournoi se jouera super. Avec le jeu de base. Se jouera avec le jeu de base. Et si Dieu le veut, eh bien il y aura une saison 2 et cette fois-ci, nous jouerons avec l'extension. Le jeu de base a l'intérêt d'être plus simple, notamment pour des gens comme ça qui n'ont jamais joué. Ouais, même si clairement ça rajoute, pour les joueurs qui aiment bien Dune... Ouais. Ce petit sel en plus de... Et ce serait intéressant parce que j'espère, justement, mon but aussi dans ce tournoi, pour ne rien vous cacher, c'est que des gens comme ceux que vous êtes en train de voir, qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de jouer à des jeux de société, mon but c'est qu'ils passent un excellent moment, qui, comme Jiria vous l'a dit tout à l'heure, disent « Oh putain, je m'y attendais pas en fait, le jeu est trop bien et, », et que peut-être ils reviennent pour la saison 2 en se disant « Bah trop bien, je vais jouer à la version upgradée ». Tout à fait. Alors que Marie vient de gagner son 6e point de victoire. Oh là là, Marie ! Peine pour la peine et je récupère une petite carte intrigue. Pas mal. Donc Xav, moi je vais jouer l'initié Bene Gesserit. Je vais aller là aussi. Je sais pas comment elle récupère sa carte. Tu rajoutes un mec de ta réserve. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là ? Non. L'eau, c'est bien. Ouais, tu squattes l'eau. Je viens de l'eau. Je viens de l'eau, mon pote. Je vais rajouter un mec. Ah, vraiment, le cerveau, il entend un mot. J'ai soif. Oh, soif. Je vais mettre deux. Et je vais piocher une carte. Il prend pas de l'eau, je meurs de soif. Vraiment, je déshydrate. À toi, Doudou. Du coup, t'en as rajouté, t'es donc à 8. Ah, le Xav qui a un plan, là. Hein. On va pas se le cacher. Ouais, j'adore les mathématiques. Donc les mathématiques. Moi, je vais jouer manipulation génétique. Comment elle a récupéré sa carte d'intrigue ? Ça m'intrigue. On va lui demander. Là ? C'est probablement la carte qu'elle a jouée, mais elle l'a enlevée. Donc en payant 5, j'ai payé, je vais piocher 1. Tiens, donne ça, t'es là-bas. Ensuite... Ah oui, t'avais pas vu, j'ai ouais. Ensuite, vu que j'ai une autre Bene Gesserit. Bene Gesserit. Ouais, elle est là. Défausser
Retrait du jeu. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, j'avais. Donc il a banni une carte, tu il a payé son épice peut-être. Ouais, il prend l'épice parce qu'il a deux cartes Bene Gesserit. Et voilà, c'est voilà. Ouais, c'est déjà un très beau tour. Je vais jouer la carte Marie. De merde. Comment Marie. T'as récupéré ton intrigue à l'instant? J'ai parce jeté que... la carte. C'était une carte, c'était l'effet d'une carte que si elle. D'accord, la merci, la c'est bon. On vous fait voilà. confiance. On voulait juste être sûr que c'était l'effet d'une carte. Faire, ouais. Je vous contacte d'Arrakis qui pue sa mère. Et du coup, bisous, je m'envole. Hein. Mais bisous, je m'envole où? C'était cette carte. C'est une bonne question. Attends, je peux aller sur du bleu. Le bleu, il y a quoi? Bah, tu sais quoi? Voilà, je vais mettre là. Bon, merci mon développeur Niro hein, qui m'a fait l'application d'affichage des cartes. Ça marche très bien. Complètement zinzin. Je prends de ma réserve pour mettre dans ma garnison ici, évidemment. Je reste comme ça pour l'instant. Et je pioche une carte intrigue. Qui pue sa mère. Sans vouloir spoiler, j'ai le démon. C'est à toi. C'est à moi. Je vous la montre, hein, le chat. Regardez. On montre la nous à nous. Hein. Attends. Peut-être que je tremble. Vas-y. C'est bon, on a vu. C'est bon ? Ouais. C'est qui a ça ? Là. Le bleu. En fait, c'est Gigi. Je me permets de poser une question. Allez là. C'est moi. Je me permets de poser une question par rapport à cette carte d'ailleurs. On va parler en encodé peut-être. Si je l'utilise, je peux réutiliser dans le même tour ? Alors, oui. D'accord. Bah, c'est pas bien, c'est pas mal alors. Ouais, c'est pas mal. C'était un troll quoi. C'est en vrai bien. Enfin, en fait, non. Non. D'accord, bah va te faire pas dans le même tour. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Oui, on a dans la même manche. Dans la même manche. Non, mais. Ok. Oui. Bon. Tu vas la jouer, tu fais son effet, non, et du coup. Ah, oui. C'est bien, du coup. Alors, c'est un gars. Ouais, non. un mec. Sachant dans que. Sachant que si tu es déjà passé dans la phase d'après, ça sert à rien. Non, dans l'au-delà. Mais ferme ta gueule, Rof. Arrête de dire des indices là. Vas-y, coupe. Fou, je fais exprès de parler en encodé. Non, mais sachant que c'est Sylaphane, en fait, tu peux. Tu codes trop bien. Non, mais je suis encodeur. S'il n'a plus d'agent, oui. Il peut jouer sa carte, récupérer un agent et puis ensuite faire la question d'agent. Qu'il posait dans le même tour, qu'il aurait pu être ce qu'il oui. voulait, c'était de poser un agent, non, je récupère. D'accord, bah, bien oui, sûr. Sauf que. Tour. Dans voilà. la même manche. Et ce que je disais, c'est que si jamais il est déjà dans sa phase de révélation, il peut récupérer un agent, ça, il ne pourra pas le rejouer. D'accord. Ce que je te dis, c'est comme tu vois, toi dans Magic, t'aimes bien jouer les éphémères au dernier moment. Mm-hmm. Tu peux en fait laisser tes agents bloquer des endroits. Mm-hmm. Pour qu'au dernier moment, tu te dises, je joue cette carte, je récupère un mec, et maintenant, je joue une carte Imperium pour jouer l'agent que je viens de récupérer. Ça me paraît possible. Ah ouais. C'est bizarre que quand tu n'as plus d'agent, tu passes pas directement en phase de révélation, mais à mon avis, c'est permissif. Dis, quoi, donc, ouais, c'est permissif, je pense, effectivement. Pardon, on remet le vocal. Vas-y. Ouf, bah, je suis content de... Ouais. Bah, je suis content d'avoir pioché maintenant et pas au tour d'après parce que ça pue, c'est mort. Mais t'as combien de cartes en main là ? Détruis ton intrigue, Xav. S'il te plaît, détruis-la, pulvérise-la. Putain, mais c'est de la merde. C'est à toi. Attends, bah non, c'est mon intrigue, mais j'ai pas joué. Ah oui, c'est vrai. Pardon, oh, j'étais manqué de respect un peu. Non, mais t'as aucun problème. Malaise entre nous. Ou rejoins deux fois la même façon. Alors voilà, non, ça il par faut contre, de non, tu peux pas jouer le. Oui, il a raison. Ça te permet aussi de jouer deux fois la même action d'affilée. Genre, tu joues un mec sur une zone A, donc en fait... tour d'après, puis je le récupère, je le remets au même endroit. Et encore une fois, au tour d'après, et pas je fais le truc, je le retire, je le refais le truc, parce que en gros, en fait, on si jamais, bien compris. Oui, mais si jamais quelqu'un prend l'action de là où était ton agent, t'es baisé. D'accord. Je crois qu'on se comprend. On se comprend. Mais juste, on n'est pas sur la même chose. C'est ça. On dit pas la même chose. Effectivement. Moi, tout à l'heure, j'ai fait que deux tours avec mes personnes. Tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre, je vais aller là et je vais prendre que deux mecs. J'ai que deux mecs à mettre. Ah ouais, j'ai... en plus ça tu peux m'en mettre la... Oui, pardon, excusez-moi. En fait, j'ai rien de mieux à faire. Ouais, alors, c'est que là... Il a combien de attends, on coup... est d'accord que là, t'en as que 4, hein. Lui, il est là. Ok, ouais. Très bien. 4. C'est Azul. J'ai aux toilettes, les gars. Ah bah dis donc. Mais je vais aller... Ouais, c'est juste un petit cep. Il vient de récupérer voilà, soit... Voilà, pour les gens qui nous regardent un peu partout en France, ne vous inquiétez pas. Jerry, ça le retour de Ben and Jerry. Je vais payer deux. Quoi, tu payes deux. Ah, tu vas là ? Ouais. Piocher ? Ok, il supprime une carte. Non, pas ici. Tu l'as détruit. Merci. Tu te caches deux, tu peux nous les montrer peut-être ? Très bien. Donc, du coup, tu avances de 1 dans ton. C'est l'intrigue, je sais plus quoi. Et toi, t'es quoi ? T'es rouge, tu montes ici, mon pote. Un J qui devient arbitre. Ouais, qui arrive bien.
est-ce que ton tour est terminé, Zoom? Ton tour est terminé. Nous passons à la phase de révélation. Ouais. Ce que je m'apprête à vous révéler risque de vous choquer. Je révèle le commando de la mort Fedaekin, qui me donne 1. Mais comme j'ai également un lien Fremen, ici, vous le voyez, oui, je gagne plus 3 en combat. 1, 2, 3. Donc oui, je monte ici. Je joue également l'argument convaincant qui me donne 2. Donc je suis à 3. 3 plus 2 là-bas, ce qui me fait 5. Pour 5. Pour acheter au Schémar, aussi appelé marché. 5. Je vais juste aller vérifier cette carte qui m'a l'air pas trop mal. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, je monte de 1, ce qui est plutôt pas mal. Je vais prendre cette carte. Il me reste 4 points à dépenser. Je vais retourner celle-ci. Elle aussi, c'est évidemment, je vais me faire enculer. Celle que Marie n'a pas utilisée tout à l'heure, on rappelle. Écoutez, je vais quand même prendre ça. Ouais, je suis un peu joueur. Le recruteur d'Arrakis. Donc il me reste 2 à dépenser. Et au revoir. C'est fini pour moi, pour ce tour. Eh bien, c'est à moi. Donc, on va faire ça. Ça, j'en ai pas besoin de toute façon. Et du coup, j'ai 2. Donc, ce qui est un peu à chier, on va pas se mentir. Plus 2, ça fait 4. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire les plus boutiques? J'ai que 4. En plus, j'ai pas Marie, rien. Marie, t'as plus 1, non? C'est ton pion en haut à droite. Ah, t'es là. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5. 5, my bad. Et c'est le 10e backseat ici. On t'aime fort. Non, on peut plus. De toute façon, ça change rien, mais c'est gentil quand même. Tu vas aller. 5, ouais, bah. Y a pas des points magiques qui peuvent sortir de. De ton cul. De mon... Non, on n'a pas l'info encore, mais on va le bouger. Okay, okay, okay. On va demander à Disney pour la magie. Ok, bah non, ce sera rien pour moi. Je vais pas faire les boutiques. Dommage. Non. Oui. Attends, t'as 5 Colin McKay. Non, mais Colin McKay, c'est lui. Oh non, mais. Ok, ouais, c'est bon. Non, bah, juste, un peu, mais, juste Marie, donc bon, là, on est d'accord que tu as 5. On tu n'achètes rien. Oui. Ouais. Bon, juste c'est un truc. Tu pouvais très bien dire j'achète une carte à 1. Et ensuite, ouais, ça va me révéler quelque chose qui coûte entre 2 et 4 et je l'achète derrière. Mais les gars, vous voulez pas venir jouer à sa place? C'est surtout que c'est sa première game et que elle est pas trop habituée à ce jeu deck building. Du coup, ça tombe bien. C'était que je suis là, je suis là pour l'entertainment. Toi, tu l'as fait, moi, j'ai révélé ça. Je suis désolé parce que là, moi, j'ai gros. Toi, t'as révélé, t'as fait quoi? J'ai révélé, comme j'avais une carte, j'avais joué du Fremen, ça m'a fait gagner plus 3 ici, donc je suis à 7. Et j'avais 5 points au total. Ce qui fait que j'ai acheté 2 cartes, la carte pour les sœurs Ben & Jerry's, là, et ça a révélé celle-ci. Évidemment, il me restait 4 points, je pouvais me faire foutre. Et j'ai pris une carte qu'il y avait là, qui coûtait pareil 2, qui était pas insane. C'est pareil, ça, tu l'as acheté? Non, c'est pas celle-là qu'elle a. Si. Mais non, t'as pas la sœur là, 6, qui est trop forte. Non, mais elle a aussi celle-là. Ah oui, d'accord, t'as toutes les cartes fraquées du lot, quoi. Mais elle a les deux. C'est ça. Donc, c'est à moi, là. J'ai la phase de Revelation. C'est à toi, gars. Défaussé. Ah non, attendez. Je le garde lui parce que j'ai un lien Fremen. Donc, j'ai une dague. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, donc, je peux acheter ça. Aïe, 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 Et en plus, tu donnes un point de victoire instantanément. Ouais. Je suis lui. C'est bon, ça. Ok, peut-être ensuite, j'ai un lien Fremen. Donc, je gagne 1 des 10. Ensuite, je gagne 3 dagues. Voilà la carte qu'il vient d'acheter. Et maintenant, je réfléchis. Parce qu'en gros, j'ai un truc où je peux replier jusqu'à 2 de mes troupes. Donc en gros, je pourrais faire ça pour économiser un peu. Ouais, et tu perdrais 4. Je perdrais 4, oui, non mais... Jusqu'à 2, donc je pourrais en faire qu'une. Je réfléchis, je suis en mode, est-ce que toi, t'as... C'est Harry qui a posé absolument toutes ses troupes. Ça si je perds 4, je suis où du coup? Là. Je suis à 1 de plus que toi. Non, t'es exactement égalité. Ouais, donc c'est chiant. Tu peux retirer 1. En vrai, vu toutes ces troupes, je pense que moi je prendrais pas le risque. Il y a des, ils ont des de l'intrigue. On peut très bien se permettre là. Je pense qu'il reste encore peut-être 2 tours, je dirais, 3 peut-être. Bref, c'est ce qu'il veut. Mais moi, je pense que je là pour le coup, je garderai du monde. Je trouve le joueur de poker en face de moi. Pour l'instant, tu es là. Faut que tu viennes me chercher, quoi. C'est quoi, je vais en retirer 1. Allez. C'est quoi, je te donne la possibilité de venir. Ouais. Venir me chercher.
Voilà, bah c'est tout. Il est chaud. Zul, toi, tu as déjà révélé aussi ? Non. Superbe, on y va. Alors. Un, deux, oh, il me régale, trois. Putain. Okay. C'est vraiment le meilleur animateur de France. Ouais, il est bon. 6, ouais. 4, 5. Pas animateur, parce qu'animateur, 7. C'est toi. Meilleur humoriste. Humoriste, voilà, humoriste. Humoriste. Mais t'inquiète, on est là, on est là, on est là. Il me manque un, mais non, pas du tout. Tu peux prendre cette carte. Et ça te fait un point de victoire supplémentaire, Zulu. Ouais. Qui s'envole. Oula. S'envole, wow. Il monte. Attends, quand Zulu, on arrive là, on a un point de victoire en plus. Pas du. Bah, on en sort. Ah oui, et en gros, tu prends le point de victoire. Ah, tant que tu le possèdes comme moi, tu vois, ici. Je suis baisé. Ouais. Par contre, si t'arrives là, tu peux lui voler. Ouais, ok. Mais bon, je pense que bien joué, Gigi. Là, après, j'avoue, c'est chiant de commit pour aller aussi loin. Après, vous pouvez y aller. Ouais, mais... Après l'eau c'est tellement fort que. Oui c'est pour ça. Bon c'est bon combat. Alors ouais. Attends c'est alors. Bon. Alors tout a été révélé. Maintenant passons à la phase de combat. Le Xav qui est en full revelation. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Je ne révèle rien. Ok c'est à toi ensuite. Elle ne fait rien. Ah non bon, rien. C'est à toi Xav. C'est à moi. Utilises-tu quelque chose. Zulu utilises-tu quelque chose pour remonter. Voilà. Oui. Très bien. Xavi tu peux monter donc un pion. Il se passe rien. Oui. Bon, en même temps, pas d'intrigue. Là, si Gigi ne jouait pas, il y avait peu de chances que d'autres. Ils gardent leurs intrigues pour les cartes où il y aura deux points de victoire à gagner. Et puis attention, c'est pas parce qu'ils ont des intrigues qu'ils ont forcément des trucs de combat, qui rapportent des points, etc. Ah, c'est vrai. Faut demander comment ils résolvent le truc. Ouais. Est-ce que d'abord on résout ça et ensuite on retire les troupes ou d'abord ils retirent ses troupes et après on résout la carte. À vous les studios. Quelle est la différence? Bah parce qu'en fait, là, moi j'ai plus de troupes à mettre ici. Je me suis. Ouais. En gros, est-ce que. Je dois mes troupes meurent et ensuite je fais l'effet et donc du coup je peux récupérer, aller là et récupérer deux troupes. Ou alors est-ce que je fais pas ça, enfin où est-ce que les troupes d'accord. meurent d'accord. Okay. Alors, le problème c'est que tu n'as plus de troupes, c'est ça le truc. Est-ce que les troupes meurent je vérifie, non, je vérifie. Est-ce que les troupes meurent avant de récupérer les récompenses. C'est comment ça la question. Eh bien nous regardons. Eh bien une fois toutes les récompenses attribuées, chaque joueur prend ses troupes du conflit et les place dans sa réserve. Donc je vais pas aller là. Très bien, merci. Superbe, des réponses qui sont apportées très vite ici par notre arbitre. On n'est pas aux cartes, tu peux aller là, en bonne éducation. Celle-ci pour monter et reprendre un autre point de victoire. Non, tu sais quoi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Il a jamais joué comme ça. Point de victoire pour Xav qui est. C'est le jaune. Jaune. Et ça meurt et je récupère quand même une petite carte ici. Ouais. Ensuite, c'est à moi, je récupère une carte intrigue. Ça me fait mal de voir Gigi à 4 points de victoire. Et 3 épices. Voilà. Mais par contre, en fait, la deuxième place est tellement worse. Et je récupère 3. Et la troisième place aussi est tellement worse. Et oui, en fait, ce que je vais faire, c'est que. Il y a une limite de soldats, parce que vous ne pouvez en avoir que 12. Pas oui, plus. Tout à fait. Et fin du combat, mesdames et messieurs. Fin du buzz. Et maintenant, nous retirons nos slips. Oui, pardon. Phase de phaser. Ok, et nous retirons nos slips. Et on. C'est chez toi. Et ensuite, c'est bon. Et ça. The Combat. C'est le seul truc qui m'intéresse. Ah, enfin! Les points de victoire, ils sont là! Deux points de victoire et un fagnon. Bah, le fagnon, frérot. Fagnon, sont pas les couilles. C'est où? C'est sur qui? C'est moi qui commence. Je crois. C'est sur. Oui, c'est toi. C'est sur Narakin. Donc, c'est. Ça remplace. Quoi? Ouais. Merci. Bah, tu remplaces. Ça point. Remplacera ici. Mais alors, nous allons donc utiliser le bonus défense qui est souvent oublié. Mais on est d'accord que Zulu, là, on se rebat alors que c'est chez toi. Oui. Ouais. Eh bien, tu vas prendre un soldat de ta réserve, pas de ta garnison, mais de ta réserve, et le mettre directement dans le conflit. Non, là. Dans le conflit. Ah bien joué, mec. Pas mal, en vrai. Ah oui, il faut repiocher. Je repioche et c'est les 5 cartes qui me manquaient, donc... J'ai pas cette règle. Génial. Eh bien, ça fait partie des deux lignes qui sont pas forcément évidentes, mais... Ok, merci, mec. Et t'as appuyé sur le et du coup, c'est Marie, première joueuse. C'est moi. Première joueuse, ouais. Bien joué, Marie, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, on va découvrir ça, mais c'est vrai que cette règle, je l'avais pas. T'as craqué, toi. Lorsqu'une carte conflit est révélée pour un emplacement que vous contrôlez déjà, vous recevez un bonus défensif. Vous pouvez déployer une troupe de réserve en conflit. On n'a jamais fait ça. Eh bien, merci d'avoir relu. En fait, on l'a une fois. Ouais, et puis après. On l'a fait, et j'étais en mode putain, mais ça, je le savais pas, et maintenant, c'est à vie. Ouais, bah, bien joué, mec. Bien joué. On y utilise chevaucheur de verre. Oui. Qui me permet de récupérer deux épices. Bip bip bip. Merci. Deux épices. Et ensuite, je vais mettre le petit boule de mon perso. Exactement. C'est pas grave. Non, mais vas-y, il y a pas de changer. Non, je vais. Tu veux là?
Et prends ton temps, hein, parce que là, c'est les tours clutch, donc... Ouais, bah, le clutch, il va... Non, mais je veux dire, c'est les 3-4 derniers tours, donc bon. Non, je vais faire... Je vais le mettre ici, plutôt. Donc, toi, bouffe ta pièce. Okay. Salut. Pourquoi ? Bah, parce qu'elle est là. Yes ! Bamboule. Elle a bien pris la pièce de la réserve. Que je vais mettre là, et que je vais mettre avec deux autres man, parce que j'ai que le droit d'en mettre deux autres. Et je vais piocher une carte, mais pour ça, il faut que je mélange mon... ma défausse et puis c'est tout donc unless non bah c'est pas tout du coup oh je suis trop con sa mère là et refait non, on n'a pas joué ça. non en fait on n'a pas vous joué êtes vulgaire demoiselle Zulu il a rejoué 4 fois donc refait si t'as t'es trompé qu'est-ce qui se passe Marie dis-nous non mais en fait c'est trop tard maintenant j'ai pioché et tout donc J'ai pioché, c'est pas grave. Le game state est tiré. Non, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Par contre, j'ai le droit d'utiliser une carte intrigue du coup. Oui. J'utilise une carte intrigue, pardon, je la mets là. Et du coup, je paye 4 et puis. Oh wow. Et je m'achète un petit point de victoire avec quoi, on se met bien là. Pas mal. Pas mal, c'est pas mal cette carte intrigue. Du coup, c'était ok de sa part de jouer le truc pour deux quoi. Mais c'est vrai que les conflits sont intéressants. Zary est en full réflexe, la réflexion hein, est totale ici, il ne sait pas encore ce qu'il va jouer, il ne sait pas encore où il va se placer. Quand on arrive dans la zone là, hein. Vraiment, ça ne rapporte rien. Je pense qu'il reste deux tours. Donc, le chat est pour Marie. Ça me rapporte le jeton, mais si là par exemple je vais là, maintenant ça ne sert à rien. Non, ça te sert à rien. Ça va donner de l'eau. Ça donne de l'eau. Oui, de l'eau, mais ça ne me donne pas de l'eau. Non, ça ne donne pas. Ah non, bah non. Seulement si faut que tu me dépasses, faut que tu arrives là, et là tu récupères. Ça va être trop dur de te dépasser. Il faut de l'eau. Les meilleurs bon, privés. Bon. Je réfléchis. Vas-y. Hein. Effectivement, Marie s'envole. Elle a un peu de monde dans le combat. D'ailleurs, je l'ai pas. Attends, ça c'est le combat actuel, ça que j'ai pas. Eh bah dis donc. Oui, parce qu'elle a gagné un mec et elle en a rajouté deux. Ah, mais j'ai à elle. Non, mais elle est solide. Après, attention, hein. Elle est solide, mais elle n'est pas seule. Bah, surtout que Xari va pas vraiment se laisser faire sur les combats, je pense. Hein. Ouais. Je pense que le play de Xari, c'est gagner tous les combats. Et de rattraper son retard. Ouais, Xari prend le rien. Mais en plus, c'est. Bah, apparemment. Après, ouais, d'accord, ok. Non, mais. Non, mais de toute façon, il y a Xari qui. Xari joue full la guerre là. Hein. Ah oui, clairement. Il n'a pas d'autre option. Alors, je te feed. Hein, Et tu vois, en fait, on pensait que Gigi était bien parti, mais en vrai, au niveau de la guerre, il est pas terrible. Il a qu'un gars. Alors après, il a des bonnes cartes dans son deck, donc peut-être qu'il va pouvoir faire des choses, mais c'est difficile de voir. Il est beaucoup monté sur les trucs bleus. Il est monté un peu sur le violet, et en fait, sur la guilde spatiale et l'Empire, il est tout en bas. C'est, en vrai, j'avoue que je le vois pas gagner. On verra, après attention. Plus Marie ou Xari. On rappelle aussi qu'il y a des cartes intrigues qui marchent sur la fin de la partie, qui peuvent parfois permettre de gagner 2 points de victoire d'un coup, donc il peut vraiment se passer des choses à la fin de cette partie. Allô, là-haut ? Oui, pardon, on vous écoute, pardon. Tu vois, ça, c'est Marie, tu parles là. Ça, c'est pas obligatoire. Alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu la question, on était en train de parler aux gens. Qu'est-ce qui est pas obligatoire, Gigi? Qu'est-ce qui est pas obligatoire, Gigi? Je vais faire ça et. Attends, dès que vous aurez du temps, vous me répondez. Ah, ok. Attendez, stop, on est en train de parler. On parlait avec le chat. Est-ce que tu peux nous remontrer ta carte, s'il te plaît, Gigi? D'accord, mais je l'ai pas montré longtemps en plus. Ok, c'est bon, vas-y, tu peux l'enlever, on va la lire de notre côté. Mais ça, c'est pas obligatoire, c'est juste que je veux savoir, c'est tout. Il faut de l'eau. Parce que ça change mon play, quoi. Attends, mon meilleur pote. Alors. Ah, attends. Non. T'es allé où, toi? Pardon. Je suis là, mais en fait, je vais peut-être mettre. Ouais, oui, bah, c'est ce pas que obligatoire. J'allais te dire, ouais. Qu'est-ce qui est obligatoire? J'en suis sûr. Que deux. Mais je peux pas avoir une puce. Ah oui. Oui, c'est pas obligatoire. Merci. Tu n'es pas obligé de faire la deuxième ligne. Merci. Merci beaucoup. Je vais jouer le banquier de la guilde. Encore? Oh oui. Alors je vais préciser. Et donc payer. J'avoue que ça m'intrigue. Cette carte en fait a eu un errata. Ah. Voilà. Ok. Donc en fait de base, c'est écrit vous passez votre tour et donc ça veut dire qu'en gros tu décales ton tour, tu passes et puis tu rejoueras après. Et en fait il y a un errata qui dit vous pouvez passer votre tour. Ok. Donc en fait. Parce qu'en gros c'est plutôt un avantage de décaler, mais tu n'es pas obligé de le faire. D'accord, ça marche très bien. Je mets ici. J'en mets un sixième. En plat, je passe ici, je prends un point de victoire. Oh putain, Zulu, il arrive en force puisqu'il a pris évidemment
cette zone qui est primordiale pour les fights, le long courrier. Et il a gagné du coup 5 soldats, il en a peut-être même rajouté. Non, il en a juste mis 5. Il prend la coupe, il a gagné le tout de suite. Et que je vais non, rien. C'est bon, c'est à moi. Donc là, 2, 4, nice. 7, attendez, du 14. Coup, j'ai rajouté 6 du coup. Ça fait 12 et 14. Ouais. Ah, il est chaud. Allez, 14 en puissance militaire, ça fait le taf. Ouais, je vais jouer cette carte. Oui, monsieur Lannoy, vous rajoutez, vous pouvez. Je peux piocher une carte que je vais faire. Évidemment. Évidemment. Ok. Et j'ai ensuite, juste je pas peux ensuite en passer image. Mon tour ou pas. Mais non, j'ai absolument pas passé mon tour. Je crois pas que débile. En tout cas, pas à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le test d'humanité qui fait que chaque adversaire choisit ou défausse une carte ou il perd une troupe déployée. Faites votre choix. Marie, tu perds une troupe déployée ou tu défausses une carte? Je vais totalement défausser une carte. Je défausse une carte. Ça défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Ça, ça fait chier. Superbe. Je vais... Comme je disais tout à l'heure, les cartes qui touchent tous les joueurs à 4, c'est un bonheur. Moi, ensuite, je me place ici. Je monte, je paye 2 d'épices. Qui me permet de piocher 2 cartes et du coup une ici et je dois remélanger pour pouvoir piocher à nouveau. Voilà. Donc je pioche my cards. Exact. Très bien. Donc ce que je viens de faire. Et j'ai défaussé ou j'ai pas défaussé? J'ai jeté une carte ou pas? Je sais pas. Est-ce que j'ai jeté une carte? On va demander au chat, mais moi je crois pas t'avoir vu bannir. Non, j'ai pas jeté. On est d'accord qu'en plus je dois défausser avant de piocher. Oui, tu dois et bannir coup, avant de piocher, ouais. Oui, je dois bannir avant de piocher. Donc excusez-moi, c'était ma défausse, donc je vais bannir parmi ce qu'il y avait ici. Et je remélangerai. Puisque je vais juste bannir une petite merde. Ah, okay, ouais. Il faut de l'eau. Je l'ai eu. Ah, ouais, ça dégage. C'est pas. En vrai. Bon, tant pis. Oh, y'a non, 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 non. J'aurais banni autre chose parce que la carte que j'ai piochée était dans la défausse et j'aurais plutôt banni celle-là, mais bon, c'est pas grave, tant pis. La carte que t'as piochée était. En gros, celle que je viens de piocher en deuxième, techniquement, elle était dans la défausse. J'aurais plutôt banni celle-là, mais comme j'ai pioché, je vais pas faire le mec chiant, donc c'est pas grave. Pas tout compris, mec. Honnête. En gros, j'avais ma défausse et fallait que je repioche. On s'en fout. Mais j'aurais dû prendre dans la défausse avant et j'ai pioché la carte que je voulais bannir et j'en ai banni une autre. C'est pas grave. On s'en sort. Du coup, bah j'ai fini en fait techniquement. Et bah super. J'ai banni, j'ai pioché. Ok, à toi. J'ai monté d'un. Beaucoup de man en guerre, hein. Bah non, justement, j'en ai que 2. Oui, mais non, mais en guerre, genre. Ouais, mais je peux pas les mettre pour l'instant. Donc, Ah si, attends, pardon, j'avais oublié un truc, c'est pas ce que je pensais. Ensuite, je joue la mission urgente et je rappelle l'un de mes agents que j'en vais ici. Voilà, c'est tout, c'est ça. Alors, la mission urgente qui est une intrigue. Ouais. Non, c'est des intrigues de ouf. Qui permet de récupérer un agent. L'intrigue, elle est rincée. Hein. Non, mais j'en ai des nuls aussi. J'en ai juste eu beaucoup, mais j'en ai eu des nazes. En fait, mon premier tour de jeu, c'était de prendre une intrigue. J'ai vu l'intrigue que j'ai eue, j'ai fait, ok, j'en prends plus jamais. En fait, je devrais, mais juste. Ah, ça dépend. Il y en a qui sont vraiment nuls. Hein. Après, premier tour de jeu, prendre des intrigues, je pense que c'est très très nul. Comme... Ok, je vais jouer Orni de contrebandier. Je suis pas trop d'accord avec lui. Oui, moi non plus. bon, déjà, je vais me placer parce qu'au moins je fais les trucs dans l'ordre. Elle je a vais me deux placer. Cartes. Force, hein. Bah là. Hein. T'as pas trop le choix. Là, bah si, j'aurais pu mettre là. Je vais prendre. Mais ce serait con, mais hop, les petites épices qui vont ici. Et donc, je peux piocher 2 fois parce que j'ai 2 d'influence là-dedans. Pardon, excusez-moi. Exact. Et donc, je pioche 2 fois. Et vous n'en saurez pas plus. Bon. Marie, du coup, qui vient de piocher 2 fois, qui vient de prendre de l'épice, c'est donc la fin de son tour. C'est à Xari de jouer. Que va-t-il faire? Un écosystème. Non, il y a un endroit. C'est toute une histoire, en fait, qu'on produit ensemble. Mais ouais, c'est... C'est du jeu que j'ai oublié en faisant mes trucs. Mais tranquille, on va... s'en sortir. Combien de cartes conflit reste-t-il, s'il vous plaît? Il n'en reste 2. Il en reste 2. Il y a donc un monde où la partie se terminera à la fin de la dernière carte conflit. Ouais, ouais je pense. Ouais. Non, parce que là... Je pense que non. Je pense que la partie se termine
soit maintenant, mais il y a peu de chance, mais de très fortes chances qu'au tour d'après, ça se termine. Ok. On est presque au bout, les amis. On est presque au bout. J'ai totalement malade ce type. Il est totalement MDR. Je vais jouer la chevalière. Je vais aller là. Je vais prendre un mec là. Ouais, c'est vraiment de la merde. T'as de la flotte aussi. Tiens. Ouais, je vais mettre là. Je vais en rajouter deux. Oh là là, il y a du monde dans le. C'est la grosse guerre là. Ouh, c'est la grosse guerre. Ça me fait comme toi, moins 1, moins 2. Non, moins 3. Moins 4. Il va y arriver. Oh, joli. Pas du tout comme elle. Les maths, c'est ton truc. Hein. Pardon. Et vu que c'est ma chevalière, je peux retirer en place une carte. Je vais prendre. Oui. Je vais prendre ça. Super. Je vais prendre ça et je révèle une nouvelle carte qui. Oh putain. Oh, fais chier. Mais arrête de nous mettre des cartes nulles là. Place Zouzou, paf. Loup. Docteur Hué en un peu mieux quoi. Pour 4. Ouais, c'est 4 pièces. Je vais donc mettre 4 limites dans ma. Cadeau. J'ai payé. Aïe. Récupère des soldats qu'il peut pas mettre au fight, mais il prépare le tour d'après, je pense. Ce qui est pas idiot. Non. Pour peu qu'il arrive à. Est-ce qu'il a. Est-ce qu'il c'est a dur en la vie. Zoulou. Ah, il a 5 déjà. Il lui manquerait que 1 pour se remettre là-bas. Ça, c'est 5 ou c'est. C'est 1 à moi. C'est 5. 5. Je vais jouer. J'invoque la manipulation. Sachant génétique. Qu'au prochain tour, il joue deuxième. Hein. Qui me permet si je suis pris Xari, une carte et... Il a combien d'épices. Oh. Non, mais... Ça, c'est le plateau d'Exari. Ouais, hein. ouais. Et il joue ça en premier être... au tour prochain. Ça va être très intéressant le tour d'après. Enfin, là, déjà, ce combat-là va être sympa. Gros. Il perd 2. Et ouais. Du coup, ça me permet de choisir où c'est que je veux aller. 1000 ressources. Et je veux aller ici. Je vais payer 2 pièces et récupérer ouais, il prend le, mental, le manant. Le manant. Le manant de ses morts. Non ok. Non. Et ça me. Et je pioche également une carte. Je pioche également une carte. Pas mal. C'est à toi. Moi, donc je vais ouais, c'est en... faire. En deluxe, j'aurais bien aimé, tu vois, que les petits cubes puissent être dans des creux. Non, mais je peux pas l'appliquer. Je peux pas l'appliquer, j'ai pas d'autres cartes Bene Gesserit en jeu. Dommage. Voilà. C'était quoi cool, mais c'est comme ça. Science de cartes, le dingue, là. Tout le monde défausse de cartes. Du coup, je vais aller ici, ouais. À elle cet endroit-là. Du coup, en je vais monter d'un cran. Et je vais prendre ceci. Et une carte. Si elle prend le fight, oh, elle est déjà à 8, hein. Ouais, ouais, ouais. Si elle je gagne la guerre, mais elle a pas. Je pense pas qu'elle aura le fight. Wow, j'ai vu sa tête, les gars. J'ai vu sa tête. Nous sommes pas prêts. J'ai vu sa tête, elle a gagné. Dans ses yeux, je l'ai vu. Pas du tout. C'est exact. Alors, j'ai vu ta tête, Marie. T'as pas réussi à cacher que. Pas du tout. Ça s'appelle du bluff. Cela dit, soyons clairs que folle. Si Marie gagne cette game. C'est littéralement la personne qui a le moins d'expérience au jeu de société, le moins d'expérience en émission, parce qu'il y a des gens que ça peut stresser aussi d'être sous les caméras. Et en plus, elle a fait des plays. Et en plus, elle a fait des plays qui m'ont paru douteux. Et en fait, si elle gagne, c'est fou. Du coup, je pense que si elle gagne, c'est qu'elle aura triché quelque part. Il voilà. Qu'on ou qu'on est vraiment très nul et qu'elle a compris le jeu. En fait. Mais c'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Je lui souhaite. Ouais, je mets ça là. Et apparemment, elle a pas pris sa deuxième. Et carte. Je prends un point de victoire parce que j'ai le jeton là de merde là. Et je suis là. Hein, les gars de là-haut. Oui, les gars de là-haut. Les cartes complot, on peut les utiliser seulement pendant nos tours où on place nos agents. Ouais. Non, aussi quand tu révèles. Ouais, aussi en révélation. Aussi à la révélation. Ok, merci. Oui. Quelqu'un dit il manque une carte intrigue à Marie. Non, c'est bon. Non, je crois pas, non. À 3, hein. En fait, t'en as pioché une parce que tu t'es mis à l'emplacement et une deuxième parce que tu as monté d'un cran ton jeton. Ah oui, exact, t'es monté là. Ah putain, j'avais pas la ref de ça, ok. Y a pas de ref, c'est juste le vague du jeu. Parfait. Okay. À toi, Zoulou. On peut pas les jeter, les cartes intrigues. Non, bah tu t'en fous. Ah, ouais, mais bah, t'aurais pu en jouer une, peut-être. Non. Zoulou, c'est à toi. Voilà. Vas-y, en vrai... Elle fait bien de pas forcément. Enfin, même si on a 4 maintenant, il y a déjà quelqu'un sur la. Ouais, le truc à 4, bah peut-être en lâcher une au conflit, et puis voilà. Et Jiraya, je pense qu'honnêtement, si on gagne pas ce tour-là, il a banni 4 cartes de son jeu, donc 4 merdes, et il a que ces cartes qu'il a achetées. Mais son retard en points est beaucoup quand même. En fait, je vais vous raconter un truc qui est très con.
Et depuis tout à l'heure, je stack l'eau parce que j'étais persuadé que ça coûtait 2 dos ici. Oh, en fait, j'ai un petit. C'est vraiment pris un truc. Oh non, oh non. En fait, depuis tout à l'heure, je lisais mal. En fait, j'aurais pu faire ça 15 000 fois. Et du coup, là, j'ai changé toute ma strat. En mode, bon, bah, faut que je m'en rattrape. Ouais, mais là, j'ai juste été con, tu vois. Après, je propose qu'on revienne en arrière si c'est possible. De 16. Je vais jouer ça, je choisis un emplacement et les gens ne peuvent plus y aller. Bon, c'est un peu tard pour le jouer. Okay. Du coup, ouais, en dernier je peux un peu bloquer, je peux un peu code block Gigi quand même. Bah oui, bah vas-y. Attends, mais c'est un emplacement ou dernier. C'est une zone. Jusqu'à la prochaine. Non, jusqu'à. Jusqu'à un tour, hein, c'est juste un tour. Oui, c'est jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc là, il y aura qui sera bloqué. Bah non, qu'une fois, puisqu'après ça va revenir à moi. Moi je vais jouer 3 fois. Donc, j'en ai rien à foutre, hein, tu peux le bloquer. De base, c'était la manche. C'est un tour. C'est devenu le tour. Confirmé que c'est ça. D'accord. C'est nul à chier, c'est pendant jusqu'à la fin de la manche. C'est la fin de la manche, c'est là. Alors, c'est une carte qui a subi un errata. De base, c'était la manche. Et en fait, c'était trop fort. C'est devenu le tour. Bien donc, en gros, ça te permet de jouer cette carte, de poser ton agent quelque part et de réserver un emplacement pour ton prochain tour. Ouais, c'est vraiment la pire carte du jeu. C'est de la merde. J'ai une question importante pour les gens de là-haut. Ouais, vas-y. Regardez pas tous parce que c'est important. Ah, ça. Attends. Tu où, là ouais, c'est bon, on le voit. Ok. Est-ce que c'est que je gagne ou que je perde? On va regarder, bouge pas. Ok. Oh là là, allez. Du coup, je réfléchis, est-ce que je fais toujours ça? J'aurais pas mis un copec sur Marie. Hein. Oui. En gros, Marie, vas-y. Alors, écoute, c'est peu importe, mais il faut que ce soit fait avant la résolution. Comment ça? Eh bien, comment dire? Il faut que tu sois. On le cramer. Pendant. Bah, je peux pas tout reveal, tu vois. Ouais, mais il faut juste que tu joues cette carte avant que ça ait lieu. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, genre, on t'explique. T'as pris un mec là? Avant le combat ou avant? Ça sent vraiment le cramer. Il faut que tu le joues. Il faut que tu le joues pendant, Marie, pendant, mais avant la résolution, avant qu'on dise ok, c'est machin qui. C'est bon. Ok. Là? Ouais, j'en ai, je crois. Essaye de parler en code, hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais. Après, j'ai une bonne carte intrigue. Quelle est cette carte? C'est trop fort. Mais en fait, elle peut vraiment s'amuser parce que là, elle est en mode. C'est à moi? C'est à toi 3 fois de suite là donc. Bah non, d'abord vous aurez la révélation. Ah oui, c'est vrai, putain. Elle monte sur le bleu. La révélation de ce que je vais faire moi. Ok. Je vais jouer Missionaria Protectiva. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est incroyable. Si j'ai une autre carte Bene Gesserit en jeu, ça me permet d'avancer de 1 mon pion. Mais de toute façon, je vais utiliser ça ici. Je vais supprimer d'abord. Alors, je vais payer 2. Je vais supprimer une de mes cartes. Une de mes cartes de C. Mon... Son deck, il est... Ouais, il est trop fort. Il a eu des bonnes mains. Et du coup, je vais piocher 2 cartes. Ah ouais, tac. C'est vrai qu'on dit dans le chat que par contre, si elle a 9 points de persuasion, elle a gagné. Bah on va voir. Elle a fait défausser autres. En fait, elle a plein de moyens de gagner. Ouais, c'est... Ouais. Bon, là, elle a plus de perso, donc elle peut pas aller sur le bleu, mais... Je pense que 9, ça me paraît beaucoup, mais on va voir. Ça me descend. Je récupère. Ah, oh, putain, ils viennent de la descendre. C'est bon, il a déjà descendu, il vient de descendre. Doucement, là. Je récupère une intrigue. On lui a piqué quelque chose, ça, c'est vrai qu'on était en mode... Eh oui, on lui a repris le truc violet. En early, c'est bien, mais là, ça me fait un peu moins rêver. Effectivement, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Attends, non, mais j'ai fait une dinguerie en vrai. Il a joué ça. J'ai utilisé ça et je suis allé là, mais je peux pas du tout faire ça. Je suis un débile mental. Pourquoi? On recommence. Il n'y a pas le droit. Parce que la carte me permet pas d'aller ici en fait. Non, mais c'est parce que c'est mon tour après. Donc, la carte eau. L'eau, on refait. En rewind, elle était là. Un mélange du coup. Pas de soucis. Ça ne change rien. Il va y aller après peut-être. Je te rends, à 8. Je te rends ton truc. Oui, j'y vais après, c'est pour ça. Donc, c'est bon. Ma carte, elle est là. Ah, c'est moi, ils l'ont fait. Si j'ai une autre carte, effectivement. Je peux quand même monter. Okay. D'accord, ça c'est pas un souci. Attends. Moi je voulais aller sur le truc, mais il me l'a pris, le connard. Donc effectivement, je vais aller là. D'accord, je vais payer. J'ai l'intrigue, j'ai de l'eau, super. Comment ça, t'as l'intrigue? Bah ici, gars, je suis monté de 1. Oui, je sais. Donc je paye que 1 d'eau puisque j'ai eu la carte au lieu de 2. T'as capté. Je pioche 3 cartes. Technique le tour de Gigi là. Il y a plus assez de cartes. Ah, deck out. Comment on fait d'ailleurs? Bah rien, t'as toutes les cartes. Ouais, si jamais tu peux pas mélanger de dés. Donc là, t'as plus rien dans ta défausse ? Son deck dans sa main, il a ça. Il est plébant maintenant, j'ai mais pas c'est, par contre, c'est la marque des grands joueurs de deck building. Hein, pour moi. Oui, c'est très fort parce que, notamment, c'est probablement ce qui te permettra d'acheter une épice doit couler à chaque tour. Enfin, à chaque manche.
Non, pas trop. Aucune embrouille là-dessus. Donc je me suis mis là, j'ai pioché les cartes. Par contre, attendez, attendez. Est-ce que tout à l'heure, Marie a pas fait défausser à tout le monde des cartes? Non, la dit. T'es commentateur ou quoi, ou spectateur? Elle avait pas délégué ses rites. Ah oui, c'est dommage, mais c'est pas moi qui choisis les cartes. T'aimes pas les glaces? T'aimes pas quoi? Les glaces. Excusez-moi, je pensais que c'était une bonne joueuse. C'est bon ou pas? Là, c'est plus ou moins bon. C'est fini ton tour. On se retrouve. Attends, il a encore deux. Oui, non, mais bien sûr. Mon tour est fini là. Mon tour est terminé. À toi. En fait, je peux choisir de mettre un man ici. Je ne le fais pas. Oh putain. Qu'il faut que je l'utilise, les gars. Voilà, 4 intrigues. Wow. Alors, si tu as des cartes intrigues et que tu veux les jouer, effectivement. Attends, tu as des cartes complot, c'est maintenant qu'il faut les faire. Celles que tu as montrées, c'est plus tard. Ok. Dans le conflit, okay, les cartes. Elle, elle a une dinguerie. Elle a une dinguerie. Ah, peut-être. Ah, on les soldats de la réserve de Zari les met dans votre champ. Nous aide pas. Safe parce que j'ai vu de la flemme. En vrai, c'est légal le combat. Donc là, j'ai rien. Oui. Là, c'est très beau jeu. Connaissance. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, elle était loin des 9. Elle était loin des 9, ouais. Vraiment, il y a des trucs à acheter. Bon, je crois que je vais rien acheter. Ah si, non, t'as dit que je pouvais. Ouais, non, 4 ça au 8ème tour, ça. Deuxième manche, ça fait mal. Non, je vais rien acheter. Je pense qu'elle a trop de cartes de merde, Marie. Bah non. Elle va être ralentie là sur la fin. Et puis voilà. Toi, Xari, tu révèles le Xav. C'est une. Shani. 2. 4. Je vais jouer ça. Je gagne 1. Donc je passe à 5 et je peux placer les cartes, donc vous faites l'acquisition au-dessus de votre deck, donc j'achète ça pour 5 puisque il vaut 1 de moins avec ça et je le mets ici. D'accord. Je pocherai au prochain au-dessus de votre deck, donc je le fasse cacher. Je crois que c'est ça qu'il a joué. Okay. Gagner 1 lors de votre tour de révélation. Si après tu placer des cartes. OK. J'ai forcément la piocher et après je mélangerai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est eh bien moi je révèle. Papi. J'ai juste une dague qui me permet de... Marie, tu aurais oublié un pouvoir de carte révélation. C'était celle-là, ouais, mais en fait, je voulais pas le faire. Tu veux pas le faire? Bah non, parce que ça fait 3 et 3, 6, et non, ça fait 6 et 6, 12, et ça me suffit pas, donc... Okay. Tu peux nous dire ce que c'était? Parce que j'en ai pas compris, là. C'est juste, elle peut mettre 3 de ces mecs, là, si elle veut. Déployer okay. Ah, d'accord. Effectivement, c'est optionnel. Eh bien, tu fais bien ce que tu veux, Marie, y a pas de problème. On préfère juste vous dire ça quand on voit dans le chat, même si parfois non, ça aide pas, comme ça on sait jamais. Vu, mais... C'est pour ça que j'ai hésité. Je peux le faire, techniquement. Je peux pas faire ça, Zulu me fait peur. Tu peux le faire qu'à ton tour ou tu peux le faire pendant tous les phases de parlotte? Parce que t'as beaucoup de mal. Si moche que ça. T'as beaucoup de mal. T'as des intrigues, je ne sais pas. Mais non, Zulu, il a pas joué. Si, c'est bon. Personne n'achète rien, c'est de la merde. Ah, mais après, attendez, à chaque tour, en fait, c'est un peu des enchères. On a le droit de remettre des trucs dans le conflit et tout. Non, là, c'est fini. T'as plus rien. Là, c'est... À part si t'as des intrigues, évidemment. À part si t'as des intrigues. Et... Ah, oui, d'accord, ok. T'as joué au jeu depuis le début, là ou... C'est à qui? Quand est-ce que je peux jouer? Mais vas-y. Vas-y, t'inquiète. C'est à toi. C'est à moi? Ouais. C'est à moi. Je vais jouer diplomatie. Diplomatie, je vais venir ici. On te dira, Marie, quand il faut la jouer. Je vais payer un dos. Maintenant, tu es indétrônable maintenant. Et je vais. Parce que tu es là. Oui, pardon. Ouais, tu es indétrônable. Je vais me mettre là. Est-ce que ça vaut le coup que je vienne chercher ce bousin ou pas? C'est ça la question. Est-ce que je les mets là ou est-ce que je les mets là? Que Marie, potentiellement. Après, Exulu est très très bon. Attendez. Je voulais que le troisième. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, mais juste vu que j'ai posé ça à l'arrivée, je suis pas censé gagner un. Si. Ok. Ouais, bah dommage. Mais si tu veux mettre des troupes, fais-le. Hein. Ah non, c'est si, non, mais fais-le. Mais ça change rien. En fait, on fait tous des replays. Là. Fais-le si tu veux le faire. Ok, bon, bah je le fais alors. Ah oui, je suis en mode. Tu rajoutes 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas ce qui va se passer. Oula, les intrigues qui vont fuser du côté de Marai. Alors, c'était quoi la carte intrigue que t'as joué? Excusez-nous, mais on est en train de gérer autre chose en même temps. J'ai pas joué de carte intrigue. Elle a juste fait l'effet de. C'est juste. D'accord, en fait, le truc. J'avais oublié que j'avais la dague et que du coup ça m'en rajoutait un, même si j'avais les manes là, mais sauf que j'en avais déjà trois là. D'accord, donc j'ai alors. Donc juste là, on est d'accord que la piste intrigue, elle a été. La piste de combat, elle a été mise à jour, c'est ça? Oui. Les bonnes? Oui. Ok. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de cartes intrigues vous avez chacun, s'il vous plaît? Moi j'en ai trois. J'en ai qu'une, moi j'en ai qu'une. Pardon. Moi j'en ai une.
Donc, une pour Xari, Jiraya, 4 pour Marie, Zulu, combien? Moi, j'ai une question. D'accord. J'ai une question, si je suis obligé de jouer une carte qui me fait aller sur du bleu et qu'il n'y a plus de bleu, qu'est-ce que je fais? Rien. Eh bien, tu ne peux pas jouer la carte et du coup... Pas la jouer. Et, oui, et du coup, tu peux la garder dans ta phase de révélation. Donc, je vais mettre à jour les points. Gros, t'as joué... Techniquement, t'as joué 5 fois dans ce tour. Mais je sais, c'était mon but. Ouais, mais bon, du coup, c'est normal que ce soit bloqué un peu, quoi. En fait, moi, c'est ce que... Enfin, je me suis fait la même remarque que Gigi, parce qu'il y a des tours où j'ai joué à 4. Tu et en fait, au début, tu dis, oh, je vais pouvoir jouer 4 fois ce tour. Ouais, mais non. En fait, tu te rends compte que déjà, t'es limité par tes cartes, que te donnent tes cartes. Mais ensuite, les gens aussi. Mais c'est en ça que c'est assez frappant. C'est pas le pouvoir de. Ouais, moi, j'ai toujours cette case-là qui est forte. Ouais, ça, c'est je me mets là en dernier. Là, c'est soit je prends un risque, soit, vas-y, je vais pas prendre le risque. Tant pis, je vais jouer ça. Pourquoi Gigi a des points là? En deuxième carte, donc j'ai pris ça, on est d'accord. Maintenant. On est d'accord que rien ne m'empêche d'aller ici, même si je peux plus rien piocher. Moi, je vois ça. Ah, oui. Techniquement, non, pour aller là, j'ai juste à payer 2, mais je peux pas piocher, quoi. Je peux juste supprimer une carte et pas piocher. Faut que je demande. Je demande aux arbitres. En fait, là, pour le coup, si jamais tu ne peux pas piocher, c'est, enfin, entre guillemets, c'est pas grave. C'est, tu veux piocher, il n'y a rien dans ta... Mais je peux y aller, quoi. Tu peux y aller. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Gigi a 4 de puissance militaire? Je crois que c'était un move où il est revenu, non? Oui, je suis revenu, pardon, excuse-moi. Okay, pas de problème. Ils étaient là au début, c'est pour ça. Pas de soucis. Bon, du coup, je joue la sœur Bene Gesserit. Je me mets là. Je supprime une carte de ses morts. Ça, ça pue bien la merde. Du coup, je ne pioche rien. Il m'a pris 2, donc c'est bon. Et je monte là. Par contre, du coup, je récupère cette fois-ci le point. Et là, j'en sécure quand même la victoire. Voilà, attends, vas-y. Reviens. C'est juste pour ça en fait que je réfléchis depuis tout à l'heure, parce que si elle gagne, quand elle était là, je t'en vois d'ok, là, du coup, elle a baissé. Donc, dommage. Donc voilà, et du coup, je passe à la révélation. Excusez-moi, j'ai mis 15 ans, 1 point, 2 points, 3 points. Donc là, ils sont là, 3 points. C'est, on arrive à des tours qui sont un peu plus longs, un peu plus complexes. Donc forcément, c'est un peu le bordel dans la tête des joueurs aussi. Mais voilà, ça a commencé à se décanter. Mais c'est vrai que quand on arrive en général dans les 3 derniers tours, c'est le moment où, dans un seul et même tour, on peut faire pas mal de choses et ça peut commencer à être un peu complexe. Mais on est presque au bout. Je sais pas si je le fais, c'est pas très intéressant, vous êtes tous très très bons. Question pour les gens de là-haut. Un petit point de victoire. Oh, oui, la fille d'en bas, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Les cartes d'intrigue, il y en a plusieurs qui existent de la même. Les mêmes en fait, est-ce qu'il y a des cartes identiques? Oui. C'est pas impossible. Oui. Mais en général, maximum 2 exemplaires, je crois. Toi, t'as pas mis trop de cartes, t'as eu trop de chance dans les. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes. Hein. Bah oui, c'est toi, t'as la meilleure, t'as carrément le meilleur jeu. Donc, si on gagne pas dans le tour d'après ou ce tour-là. Ah, j'ai que 12 cartes. J'ai que 12 cartes et c'est normalement que des bangers. Donc... Ah ouais. En fait, t'as eu de la chance parce que t'as jamais eu de main bloquante. Ah, j'ai okay. Et surtout, à chaque fois, t'as pu bannir avec le truc. Non, pardon, si t'as déjà joué une carte béné machin. Et surtout, globalement, j'ai pu aller là où je voulais. C'est aussi ça qui est. C'est ta Marie de jouer. Bah là, c'est le combat. Là. Alors là, du coup, c'est terminé pour moi. C'est le combat. Alors, tu peux activer. Tout le monde a fait sa révélation. On va se mettre sur la zone de combat et on va se préparer éventuellement au reveal de cartes intrigues. Ouais, alors, je répète comment ça va se passer. Qui était le premier joueur? C'est Marie qui commente avec son Marie. Voilà, Marie, je t'ai expliqué un truc avant que tu joues quoi que ce soit. C'est que tu peux très bien ne rien jouer, d'accord. Et si Xari ou Zulu joue quelque chose, alors tu pourras jouer ta carte. Mais tu décides de ne rien jouer et que les deux autres ne jouent rien, alors vous avez passé consécutivement et du coup tu ne peux pas rejouer de carte. Tu as compris? Donc soit tu prends le risque, tu as le droit d'en jouer autant que tu veux, mais l'une après l'autre. Donc tu vas d'abord en jouer une, puis ce sera à eux, puis après tu pourras rejouer. Et la carte que tu nous as montrée tout à l'heure, tu as le droit de la jouer à la toute fin. Non. Ok. Wow, ça a l'air trop fort ce que tu as eu. Donc là, j'en joue une, ensuite on fait le tour, je peux jouer la deuxième et fin du buzz. Ouais, tu peux faire ça. Oh, et je rentre chez moi. Non, mais fin du buzz. De la fin. D'accord, ok. J'ai vu tes jeux quand t'as tiré la carte, Marie, ne l'oublie jamais. Ok, donc je vais jouer la carte intrigue maître tacticien. Ok, vas-y. Et je vais rajouter du coup 3 d'attaque. Alors, est-ce que. On voit rien là. Est-ce que tu peux mettre la carte, s'il te plaît, au niveau du conflit? Au niveau du conflit. Comme ça, voilà, on la voit, comme ça, c'est parfait. Ok, donc là, du coup, ça veut dire qu'il y a 3, tu rajoutes 3, t'es la meilleure. Là, du coup, maintenant, ça va être 3. À Xari de décider s'il bouge ou pas. Xari. Ah, mais Zulu, il fait semblant, mais je sais, il fait un verre de... Moi, je fais rien.
Xavier fait rien, il passe. Est-ce que tu peux y aller? Et Zulu, Zulu. Oh, mais Marie, je sais que t'as une carte derrière, mais bon, on va quand même essayer de t'opposer un petit peu de résistance. Je vais jouer armée privée, je fais appel à des mercenaires. Mets-la au niveau du conflit. Pose-la. Pose-la au niveau du conflit, s'il te plaît, qu'on puisse voir ce qui se passe. Je vais rajouter 5. Que dis-tu, Marie? Pose-la au niveau du conflit, s'il te plaît, qu'on puisse voir ce qui se passe. Je vous rappelle qu'on a une émission. Merci, vous êtes les meilleurs. Super. Excuse-moi, on pose toujours là depuis le début. À moi, du coup? Ouais. Moi, je passe. Ok. De toute façon, toi, t'es pas dans le conflit. Donc oui, mais je pourrais rajouter des trucs. Enfin, ouais. Je pourrais techniquement on les pose là. Mais bon. Du coup, je vais faire ça, incident de mise en scène, ce qui fait que si je perds 3 troupes dans le conflit, eh ben, je gagne quand même un point de victoire. Ok. Donc là, c'est pas si tu perds, c'est tu les retires tout de suite. Oui. Ah, tu les retires tout de suite. Ah ok, je pensais que c'était... Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas. Ah, c'est pour ça. Du coup, elle revient avec moi, quoi. Voilà. Et tu es égalité. Et tu gagnes un point de victoire. Mais par contre, Zulu, il est... C'est à toi, Xavier. Rien. Attends. On souhaite-tu passer au-dessus? Parce que si vous ne faites rien, tous les deux, vous allez avoir une carte intrigue et deux pièces. Ça, je m'en fous. C'est plutôt Zulu qui gagne. Comment il gagne au prochain tour? Il va là, il a gagné. Ouais, tout le monde gagne au prochain tour, quoi. Ouais. Enfin, Marie et Zulu gagnent au prochain tour. Est-ce qu'on peut bloquer? Attends, les deux? Comment ça? Zulu, il gagne pas ici. Hein. Ah, mais si, frère. Là, non? Il faut qu'il fasse deux, là. Comment tu veux qu'il aille faire deux? Juste à le deny, hein. Non mais en vrai il faut qu'il fasse 2 points, ouais. Donc il peut pas gagner d'un coup. Là par contre c'est autre chose. Ici il met le point, ouais, mais et puis il gagne même pas de toute façon. Il sera là, ouais, il sera là. Et il fera 9. Donc il reste encore de la marge. Et là je gagne pas de points. Non. Et tu, quand tu passes ici tu gagnes une intrigue. Tu dois faire tu gagnes rien. Effectivement, okay. En fait j'avais pas ici, il reste que celui-là. Tu as raison. Mais bon. J'ai tort et Rof a raison. Bah vas-y non, j'ai rien à faire. Kipper ça. Ok Zulu, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Bah non, ça sert à rien. Bah je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la surenchère. Non, les cartes sont détruites, tu remportes le point. Fin. Du coup, tu gardes 2 points de victoire pour la... Techniquement, Marie pourrait rajouter un truc. Hein. Techniquement. Oui, mais techniquement, pas dans mon... Si. Bah c'est ce qu'elle a rajouté, est-ce que tu rajoutes encore quelque chose? Je veux rajouter. Donc t'as pas dit qu'on allait se frapper. 2. Donc du coup, est-ce qu'il a le pagnon, ton pagnon reste le tien, puisque c'était celui-là. T'as pris tes 2 points de victoire, tous tes soldats morts en combat se cassent. Effectivement, c'est pareil pour vous. C'est pareil pour là. Le deuxième, en fait, vous êtes tous les deux à égalité, donc vous prenez tous les deux 2 points. Tiens, Marie, ouais, c'est good. Et une intrigue chacun. Tiens, je t'en donne une. Merci. Hop, et tiens, je t'en donne une. Et comme ça, on est. Il est pas les maîtres du jeu. Quoi. Ouais, parce que bon, les gars. Maintenant, les faiseurs. Les faiseurs, il y en a qu'un. Bon, en tout cas, on était un petit peu aussi. On regardait un peu les règles, etc. pour voir qui est. Enfin, pour que on vraiment être sûr que la game soit clean. En tout cas, GG à Zulu qui a remporté le conflit haut la main. Marie qui avait sa carte, donc. Qui lui a permis de gagner, quoi qu'il arrive, un point de victoire. Donc elle est vraiment plutôt bien partie dans ce combat. Mais vraiment, je pense que là, tout va se jouer à ce tour-là. Et ce sera, le dernier. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Premier joueur. C'est Xavier qui a le stack de mobs aussi. Ouais. Ouais, mais ça va très très vite, hein, le stack de mobs. Je vous invite à reset vos points militaires. Exactement. Ouais. Bien vu, j'ai quasi tout fait. Désolé, Max. Donc moi je pioche ça. Ouh. Non attends, il faut... Ah il faut piocher 5 cartes, effectivement. Alors non, Athènes... C'est bien joli. Mais au bout d'un moment, on n'a pas tous des decks de fou malade. Hein. Oui. C'est quoi la carte qu'il avait? Il a joué? C'est pas ce que tu veux, ça? Donc 5... Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ok. Ok, je vois ce que tu veux. Et c'était perdre 3 unités, hein, c'était pas les remettre dans la garnison. Donc, elle les a effectivement perdues. Autant pour moi. Alors, je vous montre mes cartes. Et là, ça va du coup pas être si évident pour Marie, parce qu'elle a plus rien à foutre en guerre. Et le problème, c'est que... elle a de la dingue. En fait, elle a déjà pris ses 4 points flat à gauche. Et ça va être difficile, tu vois. Jiraya irrattrapable sur Fremen. Ouais. Peut-être qu'éventuellement elle peut gagner 2 pour le rattraper à gauche. Elle peut quand même récupérer. Chacun peut récupérer le point là en haut. Après, attention, elle a aussi d'autres cartes intrigues. Donc peut-être qu'elle a des choses qui peuvent lui permettre de. Ah, là, franchement, c'est très 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 serré. C'est très serré. Je rajoute 1 et du coup je gagne 1 d'eau. Tiens. Bah, c'est bien de l'eau. Voilà. Okay, oui, mais j'aurais pu faire un genre. J'avais 2 de complot. Enfin bref. Par contre, il va falloir que je réfléchisse un peu là pour savoir ce que je fais. Eh ben non, c'est à Zari, je dis de la merde. Qui est donc le premier joueur de cette 9e manche et avant-dernière. De toute façon, je crois que je suis obligé de faire ça. Hein. Je pense dernière.
Oui. Je crois que je vais avant-dernière, je vais maximum. Essayer d'aller bloquer les gens là-bas parce que sinon, ça va être chiant. Ah oui, ah, ouais. Bien joué, le match. Évidemment, il avait tout prévu, on l'avait call. Bah oui, c'est lourd. Normalement, c'est le move de l'année. Ah, t'avais appuyé. C'est pas le move de l'année, parce que en vrai, t'es obligé. Excusez-moi, vous vous foutez de ma gueule ou pas? Oui. D'accord. Tu gagnes 2 dos aussi également. Mais ça prouve bien tu les as pris, que ah non, avoir trop de soldats dans sa garnison, c'est pas très utile parce que là, du coup, il perd. Il avait combien? Il en avait plein. Ouais, ouais, il a quand même pu tout mettre. Il a quand même non, c'est Azuma. Oui, c'est à toi, je disais. Mais je pense qu'il a eu des man. Là, il devait en mettre 5. Je sais pas s'il en avait. Tu vois, s'il en a pas gâché, entre guillemets. Non, je viens de compter, non. Tout pile. Ah bon? Bah parfait. Là, il en a mis combien? Il en a mis 7, on est d'accord? Il en a mis 7. 5 plus 2 qu'il a rajouté de sa garnison, il est bien. T'es incontestable, du coup. C'est ce que je demandais, ouais. Oui, t'es incontestable. À partir si on te fait descendre. Ouais, t'es incontestable. Tu es incontestable. Tu es inévitable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Je. On est bien chez Xari ici qui peut-être peut remonter. On rappelle 2 points de victoire à gagner ici. Alors, je vais jouer autre mémoire. Je vais piocher 1. Toi, ouais. Il fallait que tu gagnes là. Ah, c'est pour ça. J'ai c'est essayé. Dur, c'était dur. Il n'y avait pas un fanion à la. Je crois que c'est Zulu qui l'a remporté, donc du coup, il était déjà sur son tour. Là, c'est là. Il me semble que c'était ça le call. 1 okay. Ici. Tu gagnes 1. Pioche 1. Il y a un truc que par contre j'espère qu'ils ont bien fait. Je pense que si je leur demande, ils vont m'engueuler. C'est est-ce qu'ils sont bien répartis les deux qui ont été en dernier, le troisième joueur et pas le deuxième. Est-ce que le chat vous pouvez me répondre parce que j'ai peur. Ah, j'ai envie de dire tant pis. Hein. J'ai peur que si je leur parle, ils hurlent. Ils me disrespectent. Est-ce qu'ils ont bien pris? Est-ce qu'ils se sont bien partagés le troisième gain et pas le deuxième? Oui, c'est bon. Ok, j'ai bien. Ouh là là. Super, super, oh, super. J'ai bien fait de vous demander à vous. Je me serais pris un tollé. Ah, tu te serais fait insulter. Ah ouais, clairement. Mais bon, vous le voyez pas forcément, mais on est à chaque fois en train de gérer évidemment. Aussi on gère beaucoup de choses entre. Ouais. Et donc on n'entend pas forcément. La réelle et... pour vous, la réelle du jeu, l'affichage des cartes, le commentaire et tout. Ça fait beaucoup à gérer pour deux personnes. On transpire un peu, mais ça a l'air de bien se passer. Et d'ailleurs, et on est content que vous appréciez. On peut le dire. Il y a sûrement un ou deux trucs qui nous ont échappé en termes de partie. Vous pouvez le dire en commentaire si vous voulez, mais en tout cas, c'est pas tant pis. À partir du moment où comment dire, les erreurs sont humaines, on essaie d'être tous à peu près au taquet là-dessus, mais c'est pas impossible qu'on ait fait fuiter quelques erreurs. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir vos commentaires sur éventuellement comment améliorer les choses ou si vous avez juste trouvé ça super. Bah, n'hésitez pas et la Gige qui bannit encore une carte. Hein. Hop, et je vais piocher 2. Il la jette comme ça. C'est quoi que t'as peu... ah. C'est les cartes du début. Hein. Mais là, la Gige qui a banni 16 cartes. Non, j'en ai... bah, il m'en reste une. exactement. Et du coup, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Du coup, si commentateur, on l'a, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup. On a rien du tout. Quoi. C'est vraiment la vie du game. C'est bien, non, c'est pas ça. On est là, mais on préfère ne pas vous gâcher le gameplay. Au revoir. Et bah voilà. Mais c'était l'autre. C'est pas ça. Je me suis couré. Bonjour. En vrai, c'est parce que ce que je voulais faire, ça rentre pas dans les cases. Il faut que tu te dises que personne n'a gagné à ce tour, ouais, et que sais, du coup ouais. Tu gagneras la prochaine guerre qui te rapportera 2 points de victoire. Il faut que tu consolides ton armée maintenant. Ouais, bah pour ça, il me faudrait des trucs pour consolider mon armée, mais en soi. Willing Coussin, on peut bannir des cartes de sa défausse. Bah. Oula, ah non, tu peux pas. Oui, ça dépend des jeux, mais là c'est le cas. Et le truc, c'est que très souvent, Gilles n'a plus de cartes dans sa défausse parce qu'il a pioché toutes ses cartes. Ou... voilà, il a refait un tour de deck. Et ben le chat a l'air de dire qu'il préfère quand il y a que la cam commentateur. Ouais, bah, beaucoup plus beau, regarde. Ok, je vais faire ça. Je vais ramener mon cucu là. Je dépense 4 du coup. 1, 2, 3, 4. Toute ma tunasse qui part là-dedans. Et je recrute les 4 troupes qui vont dans ma garnison. Xari qui va encore gagner un point de victoire s'il se met sur la deuxième carte de la zone spatiale. Faut qu'il en ait la possibilité, mais s'il le peut, c'est régalade. Ok. Est-ce qu'il a vu le play? Je me demande à Xari s'il est bien monté sur la piste rouge, le chat n'est pas sûr. Ah. Je vais... On va attendre que le chat s'auto-réponde. Ouais, en même temps, sur la piste rouge... Je vais faire la chevalière, je vais payer 2 dos. Je vais aller là. Un bruit de merde, qu'ils étaient tous à égalité sur la... je vais aller là, je récupère 4 épices. Oui. Je vais, pour votre plus grand bonheur, enlever une carte de merde. Ah, on ne sait pas, d'accord. Xari, le chat a une interrogation pour toi. Est-ce que tu es sûr que tu es bien monté sur la piste rouge quand tu as pris cette case? Ah, quand t'es allé là? Oui. Ouais. Oui, il est monté d'un. Oui, j'étais à 2. Il était à 2. Super, merci. Parfait.
Vraiment, le chat était en sur. Choisissez, vous voulez quelle carte qui dégage. Non, oui, celle-là, il n'en peut plus de mettre. Personne l'a voulu. Maître Moyard, là, il nous casse les couilles. Moyard. Oh. Quand t'es insane que ce soit le même. Retourne sur, leur, sur ce qu'ils ont révélé là, du coup. Non, c'est bon, je rage quitte. Bah, c'est une sœur. Ah, la fameuse sœur. La fameuse sœur. Ah, par contre, celle-là, je peux l'avoir pour Théo. Ah, pas mal. Trop bien. Théo, bah. Bah non. Non. C'est de la merde. Du coup, t'as fait quoi? Ah, bah non, t'as fait tout. Tu mets des. Oui, t'as mis des troupes. Que c'est là. Tu peux mettre. Tu peux rajouter. Vers Zulu et Xari petit à petit de la caméra. Oui. Effectivement, ils font. C'est vrai que c'est une bonne question. Ton quin avec l'hexagone. Je me suis permis. J'étais peut-être trop lancé dans ton interrogation. Mais... En fait, si Zulu gagne, il a gagné. Oh, ça, c'est bien vu ça. Zulu gagne. Merci gagne, pour cette gagné. Info. Marie gagne la guerre, elle a gagné, mais Marie, elle pourra pas ce tour-là. Donc c'est à cause. Oh, elle a des intrigues. Hein. Oui, mais même elle pourra pas gagner. Oh, il est inquiet, Zulu, il est inquiet. Il pourra pas gagner. Après, il tremble. Il peut en mettre que 2 et 2, donc il peut en mettre que 4 en plus. Ça, c'est. Ah, les calculs sont là. Je suis déjà devant lui. Et Fizolov. Mathémagine. Je suis déjà devant lui, donc non, je vais pas le faire. Je vais garder mes troupes pour la dernière. Le dernier et il n'y va pas. Ouais, il en a beaucoup, beaucoup. Alors, aussi. Et il a repris des épices. Je vais jouer. Pour qu'au tour d'après, peut-être, il y retourne. Pas mal. Je vais donc enlever les joueurs en dernier. De ma défausse. Trop bien, manipulation, je ne sais pas. Les épices peuvent servir aussi parce qu'on rappelle dans ce jeu, s'il y a égalité à la fin, en point de victoire, eh bien, c'est celui qui a le plus d'épices. On commence par, en fait, on va regarder les ressources, mais on commence par les épices. Celui qui a le plus d'épices aura gagné. Ensuite, je vais aller me mettre ici, en payant 2. Ouais. Et je vais donc piocher. Enfin, je vais donc récupérer ça. Piocher 2. Piocher 1. Piocher 2. Well played. Bon move. Ok. C'est fini? Toi. J'avoue ne pas avoir vu comment il a pioché 2, c'est pas grave. Ça faisait une carte peut-être. Ouais, il a dû faire les films. Des fois, ils ont tendance un peu à oublier que des gens les regardent. Quelqu'un dit techniquement il n'y a que 9 troupes disponibles par joueur. Non, il y en a 12. Chier. Je sais plus ce que j'ai dans mon deck. En tout, il y a 16. Il y a 16 petits carrés. Il y en a un pour chaque piste d'influence à gauche. Et il en reste 12. C'est ça. Et du coup. Il aurait fallu utiliser les jetons premium, mais c'est ce qu'on fait. Les gars, j'hésite. Hésitation est de mise. Ah, il se renseigne sur internet pour savoir quel est le meilleur play. En first. Je vais jouer Missionara Protective, qui me permet, si j'ai une autre carte Bene Gesserit en jeu, de prendre un sur un des trucs comme ça. Force, hein. Je vais prendre ici. Coup, et c'est un point de victoire. Oh, il est dans la course. Plus la game avance, et plus c'est Gigi qui peut gagner parce qu'il a le meilleur. Du coup, il a... Je vais mettre là, je vais prendre un man. À l'inverse de Marie qui est partie très vite, très haut, mais qui peut... Mais donc, disons, et je prends également une carte Intrigue. Clair que j'ai rien de meilleur deck ça, on va pas lui enlever ça. On va pas lui enlever. Plus. On peut pas l'aider plus, il le sait qu'il va devoir en mettre 3. De quoi, mais... Sur quoi, où ça? Ah là, il a récupéré un mec. Et il allait où? Je vais. Ah, je l'ai pas. Et il a récupéré un mec, il peut en mettre jusqu'à 2 de plus, donc il peut en mettre 3. Ah, c'est bon, il a pas oublié, J'étais en mode, là, s'il met rien. En vrai, jouer la 3ème place, ça te coûte 1, tu récupères 3, c'est ce que je me dis aussi, quoi, mais. Ok, après. Ça peut être bien de dire je garde pour le coup d'après parce que là vraiment ils sont bien devant quoi. Mais en mettre un, en mettre un, souvent c'est worse. Même au tour d'après, s'il récupère le truc à 5, il lui en restera 2. S'il récupère le jeton, il sera là. S'il récupère ici, il sera là. On va récupérer un. Je crois que c'est bien pour que le tour d'après, t'en aies au moins 2 déjà dans ta garnison. Mais tant que t'en as au moins 2. Ah, c'est tendu. Ouais. J'hésite, je suis en hésitation. Bien qu'on fasse pour la prochaine fois, peut-être prévoir des petits sondages dans le chat à début, mi, fin de partie pour voir un petit peu quels sont les. Ah, bah en fait, j'ai oublié, mais ça, on va le faire dès le début. D'ailleurs, on peut le faire maintenant. Eh bah voilà, je me dis. Regarde. Non, non, me dis pas que t'avais prévu quelque chose. Non, mais prédiction. Je fais juste une putain de prédiction. D'accord. Voilà. Quand je vois l'ancienne prédiction, ça me dégoûte. Qui va gagner? Ruffalo 5%. Je sais pas sur quel deck c'était, mais non, les gens ne la voient sur pas. Quel jeu c'était, mais.
On est en train de gérer ça. On est en train de gérer un truc. Je vais mettre le son du leur son pour le moment. Espoir. Voilà. Et puis je pense que je vais me faire voir parce que. Ok, je cool. Fais ma vie. Ah, fais ta vie, ta vie. Ouais. Fais ta vie, j'essaie de voir un ça petit peu ce qu'il en est. C'est à Marie de jouer. Est-ce que Marie va est toujours. Alors, attendez, parce que Zulu. Ouais, c'est ça. Zulu est un 8. Ouais, c'est bon, je suis bon au niveau des scores. Bon. Zari a l'air derrière, mais. Et on va sous la dep, comme il aime dire. Bon, bah, du coup, je vais utiliser cette carte-là. Du coup, je vais me positionner ici. Et c'est une carte qui donc, permet qui de. Est... Oh, ça te monte là, GG, hein, par contre. Vous avez combien de cartes intrigues? J'en ai deux. Une. Juste un simple contrôle de routine. Et je peux tège une de mes cartes. Attends, on a dit que c'était une de ma main, forcément ou Non, de ton, ta défausse aussi. De tout ça. Ou de ton jeu que tu as posé, par exemple. Qui était juste avant, par exemple. Ouais, quoi, ouais, ouais. Ça dégage, ça. C'est apparemment un peu d'énervement sur cette carte. Je peux plus voir que ça dans mon putain de truc. On va bientôt vous faire voter. Ok, et du coup, c'est tout, de toute façon. Bah, oui. Et bah voilà. Je pense qu'on peut plus faire des miracles à ce niveau-là. Là, allez. C'est mort, là, c'est foutu. Il y a une prédiction qui est partie. Vous pouvez y aller. Qui va gagner la partie? Marie, Xari, Zulu ou Jiraya? Bon, c'est vrai qu'on est un peu avancé dans la partie, mais non, mais c'est bien. C'est bien de voir ça maintenant parce que on connaît pas nous leur carte intrigue, hein, peut-être des fameuses cartes intrigues de fin de partie qui permettent de vraiment faire du gros clutch. Ouais. Mais là, même en niveau de la game, c'est intéressant. Bon, bah, je vais faire de la merde, mais je vais juste utiliser ça et je vais aller là avec J pour juste prendre une carte. Wow, bon. C'est allé très très vite. J'ai juste pris une carte intrigue pour le moment. Ouais. Ouais, il est vite. Sachant que bah, je peux pas déployer de troupes, j'ai toutes les troupes là. Enfin, c'est le move nul, mais bon. C'est la guerre. La guerre. Il peut en déployer deux de plus, par contre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais je suis dernier, là. Xari, tu peux pas amener de nouvelles troupes de ta réserve. Par contre, tu peux en déployer deux de plus de ta garnison, puisque tu as joué... On est d'accord que tu as joué sur la zone bleue, là, non? Ouais, ouais. Ça va aller, je garde un peu pour tout à l'heure, quoi. Pas de problème, je voulais juste être sûr que tu savais que t'avais le droit. Je vais jouer ma chevalière. Je vais donc gagner une pièce d'or, parce que c'est mon pouvoir, s'il vous plaît. Pièce d'or. Un Solari. Je vais me placer ici. Ouais. Je vais placer 2. Je vais piocher 3 en mon deck. Oh là 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 là! Il y a 4 cartes dedans. Est-ce que quelqu'un veut. Qui est à gauche. Non, on s'en fout. Parce qu'il y a pas beaucoup de cartes. Je te fais confiance. Oh, Yu-Gi-Oh! Le man, c'est sa main. 2. Tellement de pioches. Moi, j'ai 5 cartes à chaque fois. Je suis une énorme merde. Moi, je suis dans l'early game là. Putain, j'étais devant. Avec Zari, t'es en retard. Hein. Ouais, toi, t'étais. T'as mis un petit coup de collier, t'es arrivé là et t'as fait peur à tout le monde. T'as fumé. Ouais, c'est ça. Mais Xari. C'est ta qui. Pardon, j'ai pas. Je le sens bien avoir des cartes intrigues qui disent à la fin de la partie, nanana nanana. Je vais regarder comment ça se joue, mais je crois que c'est dans l'ordre. Génétique en mode attaque. Qui me permet d'aller sur bien des endroits, mes chers amis. Mais babiloubibab, je vais. Qu'est-ce que tu fais lui? J'ai rajouté 2. Pas d'embrouille, ok, excuse-moi. Non, mais t'avais déjà. Moi, t'es à 12, t'es à 8, gros. Ça a déjà été rajouté? Non, mais oui, c'est moi qui t'ai rajouté. Je fais juste 4x2 et c'est normalement quick math. T'es un mec des maths, toi, non? Non, mais. attends, je vais où déjà? Est-ce que je vais sur du vert? Est-ce que je vais sur du bleu? Bon, on est là, on se pose la question. Gigi a banni tellement de cartes. Il a banni quasiment tout son deck de base qui est vraiment très fort. Vraiment, hein, s'il y avait genre. Si c'était le premier arrivé à 15 qui bah, clairement, j'étais pour Gigi. Mais là, la question c'est est-ce que quelqu'un va réussir à dépasser avant qu'il ait le temps de faire d'autres tours? Une partie, si je supprime carte. Et je vais bien sûr supprimer cette merde qui fait que je. Ça dépend, moi je dirais à peu près une demi-heure par joueur. Ouais. Mais ça dépend. Là, comme c'était leur première partie quasiment à tous. Ouais. Peut-être qu'ils ont mis un peu plus de temps à réfléchir. Donc là, ça dure un peu plus longtemps, clairement. Je pense qu'on est là, on est plus à 45 minutes par joueur. Mais. Là, on va être à 3 heures de game, alors qu'en vrai, c'est plutôt 2 heures une fois que vous avez un peu l'habitude. C'est ça. Je vais jouer l'administrateur de la guilde. Et je vais mettre mon boule juste ici. Du coup, je vais avancer de 1 ici. Oh. La prédiction met Marie à 13%. Attends, vas-y. Tu vas. Ah, tu votes. Je peux pas voter sur ma propre prochaine. Je peux pas voter sur ta propre prochaine, bon vas-y. On vient juste pour le... Il reste 1 minute 30 là, mais grosso modo c'est Xari qui est vraiment en tête avec ouais, presque 70% devant. Des voix. Gigi 8% seulement, Zulu 11 et Marie 12. Peut-être que... Ok, on va voir. Hein.
On va voir. Mais pourtant, c'est le dernier sur la piste. Ouais, c'est le dernier sur la piste. C'est intéressant. Ouais, une épice a coulé plus. Non, moi, je peux pas gagner là. Je te le dis en tout. Zoulou peut gagner. Zoulou peut, oui. Ouais, c'est un peu chiant. À moi ? Bah oui, hein. Bah oui. Bah moi, je révèle Insane. Donc j'ai 1 et 4 de guerre là. Puisque j'ai 2 d'influence. Voilà, il a 4 de plus. Difficile à rattraper, Xari, sur ce coup là. Zoulou, en révélation. Ah non, t'es pas en révélation, il te reste un tour, toi. Ah attends, oui. Avec 1, est-ce que j'achète un truc ? Sachant qu'il reste plus qu'un tour, excusez-moi. Débloquer juste le truc. Pour... Ah, mais je mettrais pas acheter que ça, de toute façon. Donc. Ah, mais oui, mais c'est juste pour révéler. Ah, ouais, d'accord. Mais je mettrais bien quelqu'un, techniquement, peut-être. Oui, donc. Fais. Je sais pas le faire. Sois en harmonie avec toi-même. Zoulou. Qu'est-ce que tu joues, mon Zoul ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Zoul, il croit l'âme des cartes, ça c'est quand même son. Ça peut être réveillé, parce que là, il reste 2 tours, enfin, il reste 1 tour et demi. Ouais, mais. C'est loose que ça arrive de façon. Oui, moi je pense que j'ai perdu. Malheureusement, je me suis fait un peu douiller. Et la prédiction qui donne pourtant Xari largement gagnant. Ouais, évidemment. Enfin, la prédiction, si vous l'avez fait au début de la game, peut-être, oui. Parce que on l'a fait il y a 5 minutes. Ah. Et bah, ils sont ma boule. Ma boule. Non, ouais. Ouais, je dis, le seul moyen que je gagne, c'est que je remporte 2 fois la guerre. Et encore, il faut que là, il y ait 2 points derrière. Je sais pas s'il y a 2 points de victoire à chaque fois. Je vais jouer diplomatie. Nous en reparlerons. On verra. Nous en reparlerons. On verra dans 20 minutes quand il va gagner. C'est ça. Et tu prends ta goutte. Prends tes gouttes. Après, il y a Régalia et Kaolin. Hein. Ah ouais ? Il a mis 250 000. Ah, c'est en pourcentage. C'est en pourcentage du nombre. C'est la valeur qui a été. Ah, c'est la valeur, d'accord. En fait, c'est juste que voilà, les mecs qui regardent Xari me regardent plus. Et je crois avoir vu que voilà, j'ai mis un 0 en trop. Donc en fait, peut-être que ça vient de là. Ah, t'arrêtes pas. Donc j'ai 1 plus 2, j'ai 3. J'en ai rien à foutre. Et bah, surtout toi. Tout simplement. Et. Du coup, il achète rien. J'en ai rien à foutre. Ok. Allez, Marie. Pas toi, Marie. Eh bien, je vais pas vous mentir. J'ai ceci et ceci qui étaient à l'image de ma main. La folie. Eh oui, quand on ne bannit rien. Peut-être. Ouais. Rien acheté. Okay. Ah oui, moi aussi j'avais 3. Hein ? Ah, j'ai 3. Et oui, bah, n'oubliez pas que vous avez un siège au conseil. Oui, alors que c'est le premier move que j'ai fait, quoi. Ah, c'est vrai. Est-ce que. Non, mais je m'en. Ça reste. Ah. Non, de toute façon, tu le piocheras pas. C'est pas se mentir. Ce stade du jeu, 3. Parce que nous en partons en. Non, tu t'es en révélation. Revelation. Revelation. Est-ce que t'as les 9 points ? Je pense que oui, là, vu que t'as tout ton deck. Alors. Bon, j'ai ça, je gagne 1 déjà. Ok. Ouais. Effectivement. En fait, là, le truc qui peut et être clutch, par et contre, il est premier joueur. Ça, je gagne 1. Si, ouais. si t'as une intrigue, en mode comme Marie avait, gagne 1 d'un de 2 points de victoire, ça c'est. J'aimerais bien. Donc j'ai 1, 3, ouais. 4, ouais. 5, 6. Ouais. On rappelle qu'il a de base 2 de plus. 7, 8. Ouais. Non, allez, mais allez, allez. 8 encore une fois. C'est con. Non, Zoulou. T'as 8, Zoulou. Non, t'as plus. De toute façon, tu dois tout révéler, gros. Hein. Oui, je sais pas, je réfléchis. Mais tu dois révéler. Mais tu dois révéler. Tu dois révéler déjà. Il n'y a pas de tu réfléchis. 9, 10. Ah, il y a un ou. Il y a un ou. Ah, d'accord. Y a d'accord. Un ou, mais, ouais, je sais qu'il y a un. De toute façon, tu dois quand même révéler. Prends le point de vue. T'arrives là. Bon, si on met. De toute façon, ça, de je base. Je te rajoute les 4. Si on... Non, les 2. 2, 2, 2. Les 2. 2, 2, 2. Alors attends, donc du coup, c'est-à-dire que Zoulou a de base. Soit il a 10 de. De persuasion. Soit il a 8. Donc en gros, c'est soit il prend les pistes doit couler, soit il prend les deux de la puissance. Et il décide de prendre de la puissance. C'est chaud, je pense. Après, je connais pas ces cartes. Je laisse voir. Superbe. Je pense qu'il essaye de gagner à ce tour-là. J'imagine que toi aussi. Ah bah, j'ai pas de troupes. J'ai rien. De toute façon, c'est à moi de commencer. Donc bah, moi, je ne fais rien, je gagne. Tu ne fais rien. Zoulou utilise peut-être une carte armée privée. Oh, aïe 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 aïe. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 21. On rejoue. Fin de game. La grave erreur de Zoulou qui ne pourra pas acheter ça au premier tour, dommage. Attends, ça veut dire que Xari il est en mode j'ai pas gagné. Xari a l'air. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4. Alors Zoulou peut-être. Alors Zoulou peut-être. Il a une autre carte. Il a plus de carte. Non. Non. Aïe 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 aïe. Nous résolvons. Oh non. Oh là là. Quelle erreur de Zoulou. Il fallait prendre le point de victoire. Mais oui. Sous le bassin impérial. Après. Que tu peux mettre. Après, il a une carte qui lui fait gagner 5. Je peux aussi comprendre qu'il veuille aller au bout, mais oui. Enfin, il y a beaucoup de c'est cartes intrigues. Ouais. Évidemment. Et moi, je récupère 3. Je vous en prie, je vous en supplie.
Exarik est à 8, du coup. Pour 8. Oui. Regardez bien qu'il me restait une carte. C'était cette carte qui allait tout faire. Ah, il lui restait la carte. C'était une. Je piochais 3, j'avais 4 cartes dans mon deck. Malheureusement. Aïe aïe. Bon, tu t'es fait douiller. Le jeton du premier joueur va pas être. C'était beaucoup trop. On doit mettre les petits. J'étais confiant, j'étais en mode. Et vous le petit, il voulait faire les deux. Je dis ma seule stratégie de gagner, donc de gagner la bataille. Donc sur mon cher ami. Par contre, ce tour-là, ça va être plus dur. Tiens. Et du coup. Tout ça, ça va à la morgue. Vraiment très très chaud, hein. Alors, c'est littéralement ça. C'est très chaud, mais là, Zulu, il est premier joueur. Mm-hmm. Il a 6 d'épices. Et il peut aller directement. S'il a le truc rouge, s'il a oui, le logo rouge, il faut qu'il ait la possibilité d'aller là-bas. Après, je crois qu'il a pas un mauvais jeu non plus. Hein. Il me semble qu'il a banni une carte ou deux. Là, pardon, on va voir. Celle-là d'abord. Là, bah, est-ce qu'on peut pas regarder sa carte, sa main, Zulu. Et on est dessus, regarde. La dernière carte conflict. Zulu, monte ta main. Monte-nous bien ta main parce que on sait que c'est intéressant. Deux points de victoire. Et moi j'ai pioché 5. 4, 5, c'est littéralement les 5 dernières cartes de mon deck. On a vu ce qui nous intéressait. On a connu mieux. Pas se mentir. Merci Zulu. Bon. Zulu serait à 5 d'épices a priori. Non! Donc ah, parce qu'il a dépensé 2! Eh ouais. Attends. Aïe, ça se joue à tellement peu de choses! Mais non, pas du tout, il a 12 000 d'épices, gros. Ah bah. Il vient d'en gagner 5 avec le conflit. Ah ouais, tout va bien. Il a envoyé des cartes, genre. C'est nul, comme ça je fais. De toute façon, je te le dis, il va me mettre une conscience, c'est de la merde. Il en avait 6 avant, et il vient d'en gagner 5. Il est au bout du monde. Merci pour le sub tome double. Est-ce que le tour 1 c'est pas juste qui fait ça hein. Ça me paraît c'est toi qui évident que c'est le bon move. Hein. Je crois qu'il a. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Eh ben super, la même carte que d'habitude. Ah, il a dit. Je pense qu'il a dit. Attention. Oui. Et Dodo. Tu es un grand joueur Harry. Pour mettre 5. 5 bons hommes. Allez, directement je le passe à 10. Ah oui, j'avais pas. Et alors, c'est ça qui est intéressant avec l'extension du jeu, mais ça, vous le découvrirez peut-être plus tard. Oui, il y a ça aussi. C'est que la version de base du jeu est, entre guillemets, binaire. J'y dans joue. Le sens où c'est vrai qu'à la fin de la partie... J'y joue, effectivement. Cette case... Cette case, précisément, est un petit peu clutch, quoi. C'est vraiment une case très importante pour remporter les batailles. Là où, dans l'extension... C'est pas du tout aussi simple. Il y a pas mal d'autres choses. Ils ont pas. Pareil, les Solari que tu gagnes, au départ, c'est très important, notamment pour récupérer ton agent en plus, plus les deux points de persuasion, là. Mais à la fin, ça sert pas à grand-chose. Alors que là, ça peut vraiment faire pas mal. Et la carte intéressante de Gigi qui va permettre de faire bannir des cartes. Oh, les petits doivent couler. Cette carte. Reconnaissance. Superbe. Allez, Marie, on défausse. C'est j'imagine que ça t'a fait mal au cœur. Je me déplace et j'arrive ici. Ici, je paye 2. Je paye 2 pour tout simplement détruire une de mes cartes. Putain, mais ça, gros. C'est et je détruis évidemment l'épice doit couler, rien à foutre. Comme je la détruis, je pioche 2 cartes. Ce plan est pas mal aussi des fois pour avoir une bonne vie ensemble. Mais j'ai plus rien. Je remélange. Ça aide à voir les ressources. Il y a les bons gars, il y a les mauvais gars. Ok. De toute façon, après, tu fais rien d'autre. Qu'est-ce que t'en sais que je fais rien d'autre? Bah, c'est fini, ton tour. Là, je monte 2-1. Je monte 2-1, je récupère ici le télescope. Ok, à moi? Ouais. Ok. J'utilise diplomatie pour pouvoir me déplacer où bon me semble. Et je vais d'ailleurs me mettre ici. Oui. Oh. Parce que du coup, je vais aller grabber le petit truc là. Oui, oui. Là. Et tu gagnes aussi. On gagne 3 pièces. Ouais, super. Et donc, ça part à 9 pour Marie. On est tous à 8 points. Qui est vénère. C'est tout? Attends, mais t'as monté quel pion là? Quelle couleur? Non, t'as pas monté. Il a pas dis monté donc, Zari. Il me semble que tu as monté Gigi et pas Marie. Ouais, j'ai pas touché les pions. Dans le doute, ce sera toi quand même. C'est moi. Je touche pas les pions. Mais ça suffit. Ok. 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 Faut voir l'œil. Ah bah. Y'a pas un bail. Oui, de toute façon. Mais on la lui faisait pas. On la lui faisait pas à Marie. Elle était en mode hop, il me semble que j'étais... Faut que je les éloigne. Et bah de toute façon c'est tout, je... Non, pas... Allez, moi c'est je vais jouer la dague et je vais récupérer ça pour me donner un... Un tour attends, en plus, j'affiche quand même, parce que c'est pas trop con. Non, ça me donne un petit tour en plus que je pourrais faire plus tard après. Il prend le manta. Et c'est à Zulu. Oui, c'est intéressant.
Ah, et ça peut tout changer. Oh, c'est vraiment le dernier tour de toute façon. Hein, parce que t'arrives au bout de toute façon, ce sera le dernier tour. C'est vraiment parfait. À toi, Zou. Ça m'est rarement arrivé d'aller. C'est rare, hein, souvent c'est avant ouais, qu'on arrive à choper. Donc dites-vous aussi dans le chat que cette partie est particulièrement longue. Souvent, Super on va Z pas aussi loin, qui ouais. va lancer. Super Z qui a déjà 10 dans la guerre. C'est très serré en la même temps. La guerre. Les faiseurs. Pareil, elle est bien, mais je suis pas du tout sûr qu'elle gagne. En fait, là, ouais, c'est celui les qui va gagner la guerre. Dans 2 heures. Miam, miam. Plaisir, ça. On doit couper des cartons, nous. Ouais. Oh bah, c'est mort. Gérard qui s'entraîne avec si. Enfin, t'as pas ouais, un coach, quoi. Ouais, bah là, c'est un gros coach. Évidemment, hein. Ma femme qui demande si je rentre pour manger. Alors. Ouais, les amis, on était justement en train d'expliquer aux gens qui demandaient combien de temps le jeu dure. En fait, en général, c'est plutôt des parties de 2 heures quand on connaît, 3 quand on connaît pas. Mais là, il se trouve que la partie est particulièrement serrée et c'est rare qu'on aille au bout des cartes conflit. Donc, bah, pas ouais. de chance. On est ah sur bah, une game particulièrement longue. C'est stylé, c'est que c'est une belle game, quoi. C'est stylé. C'est bah, vrai c'est... que je leur avais dit bah, ça prendra 3 heures. Pour le plaisir, quoi. J'ai menti. j'ai menti. Mec, oh, qui pète un câble. Bon, Zoulou, par contre, s'il te plaît, réfléchis à ton tour. Pour ouais, par contre, faut y aller. On dirait Rof. Ouais, c'est le tranquille. Oh Donc, où ça va le perdu? Tu as joué, comment ça s'appelle, la mutation génétique. Encore? Vous avez combien? J'en avais 8. Une. Moi, à votre place, ça fait 3 manches que j'aurais déjà gagné. Hein. C'est à 3 plus. C'est plus, moins un coup 4 à 4. T'as 4. Dommage. Bon, je. On en reste dessus. Ok, j'ai rien. T'as payé tes deux dos? Attention, parce qu'en cas d'égalité, je te rappelle, l'eau compte en quatrième. Enfin bref. J'ai rien, le cochon. Le coco. Tu vas y a de coco. C'est à lui. De cochon. Tu vas la mutation génétique. La mutation génétique aussi qui est tentée. Non. Tu gourmes. Change d'avis. Faire la diplomatie, pardon. Ah. Diplomatie, je vais aller là. Oui. On part sur le bleu alors qu'il ne peut pas monter plus haut. C'est bizarre de faire ça, mon Gige, mais vas-y. Après, il peut avoir rien d'autre. Et j'ai payé. J'ai. Il veut juste mettre des mecs à la guerre. J'ai payé ma dette. J'ai payé ma dette à la société. J'ai l'impression que c'est pas mal. Je vais mettre juste les points. Je suis à 8. Super. C'est à Marie de jouer. Marie, qui on le rappelle, est à 9 points okay, de victoire, si proche. Je tiens à dire quelque chose, parce qu'au niveau de l'explication, je crois qu'on n'était pas très clair tout à l'heure. En fait, quand on va regarder à la fin de cette manche, si jamais il y a 10 points ou plus, bon, en même temps, c'est la dernière. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple Marie arrive à 10 et qu'elle redescend, de toute façon, enfin, en gros, si jamais il y avait des conflits en plus, on aurait quand même continué à jouer. Oui. On regarde, voilà. Mais là, de toute façon, c'est le dernier conflit, donc donnez tout. Oui, bah on va essayer. Hein. C'est compliqué pour la Gige parce qu'en fait, même s'il gagne le conflit, okay, il arrive pas à je vais jouer la chevalière, une fois que je l'ai en main. Ah. Je vais me poser là. Après, tu peux piocher une carte déjà. Il peut gagner la game. J'ai deux cartes du coup. Donc, ce qui est particulier avec Gigi, c'est que regarde, il est à fond sur deux pistes à gauche. Ouais. Et du coup, il est, tu vois, tout en bas sur la. Généralement, c'est vrai que c'est quand même 4 points que tu arrives à récupérer. Bon. Mais cela dit. Tu vois là, il peut. Imagine, il gagne le conflit. Imagine. Il est à 9. Ouais. Les autres gagnent pas, donc ils montent pas non plus. Ouais. Et en fait, comme de toute façon c'est la fin de la game, eh bien, il sera donc à égalité à 9 avec Marie. Et on regardera du coup les épices. Mais je crois pas qu'il ait beaucoup d'épices. Quand j'ai vu son plateau tout à l'heure, il me semblait pas avoir. Regardons un peu les épices. D'accord, pardon. Je voyais pas cette case. En fait, quand t'es sur le grand plan, on voit pas la case. Il y en a beaucoup plus que Marie. Je sais 4 cartes. Parce que bien joué. Donc si Jiraya gagne ce conflit, il peut gagner la game. Bon, après, modulo, les achats d'épices doivent couler. Modulo, les intrigues de fin de partie qui donnent des points de victoire. Voilà, tout peut changer. Il y a encore beaucoup de suspense. Mais là, c'est clair qu'à la place de l'un d'eux, si toi, tu comptes dans ta main que t'as 9, bah, je pense que tu ferais pas un tour à Jean. T'arrêtes maintenant, tu prends ton point. Et là, c'est vrai que le... C'est peut-être plus intéressant de récupérer un point de victoire gratos plutôt que d'aller je sais pas où. Et là, Marie n'a pas mis de soldat. Alors qu'effectivement, elle a posé son truc là-bas. Est-ce qu'on lui dit ou pas? Bah, c'est le dernier tour. Ouais. Marie Beko. Oui. Tu n'as pas mis de soldat dans la bataille? Si. Ah non, pas dans la bataille, non. Mais parce qu'en fait, c'est le tout dernier tour du monde. Oui. Donc je pense que tu mets pas tes soldats maintenant. Oui, mais j'ai peut-être d'autres moyens pour le faire. T'as peut-être d'autres moyens pour le faire. Fais ta vie, meuf. Fais ta vie.
Voilà, merci les gars. C'était incroyable en tout cas, hein. C'est du jamais vu. Il n'y a pas un tour où il y a pas. Marie, il faudrait peut-être faire ça. C'est justement, c'est insupportable parce que du coup, ça me donne des infos sur mes autres cartes en fait. J'ai même pas de LED. Ok, on t'aide. Excusez-nous. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Ça, ah bah non. Ah non, finalement, je vais mettre ça. Oui, pendant ce temps-là, on regardait une règle parce que vous. Bon, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous avez raison, nous avons trop aidé. À partir de maintenant, nous ne dirons plus rien. Et vous n'avez pas aidé ! À partir de maintenant, c'est fini. C'est vous n'avez pas aidé. C'est-à-dire vous donnez des infos, vous donnez des infos qui ne servent à rien. Oh ! Alors, les amis, sur un autre ton, depuis le début du jeu, je peux vous dire qu'on a changé beaucoup de choses. Mais peu importe. Bonne on chance. S'en fout, en fait. Nous, on joue de notre côté. Bon, par contre, Zoulou frère, s'il te plaît, j'ai envie de remplir. Il a le seum parce que du coup, il gagne pas à cause de nous. Oui, voilà, on voit évidemment l'homme énervé, mais bon, un petit peu de sel sur le Xav, ça fait pas de mal. Toujours délicat. Hein, que... En fait, ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, on veut pas spécialement l'aider. C'est ça, c'est mais plus... elle fait des trucs très bizarres. Et en fait, on est plus. Est-ce que t'es sûr que. Tu n'as pas oublié que tu pouvais faire ça. Ouais, ça. À aucun moment, on lui a dit joue ça à la place de ça. On était surtout sur le côté attention, tu peux faire ça paraît bien. Elle a raison sur le fait que ça donne des infos, c'est compliqué. Non, mais clairement, mais on le saura pour les prochaines fois. Non, Zoulou n'est pas mute, c'est nous qui l'avons mute. Oui, mais je crois que tout quand il a parlé, on n'entendait pas beaucoup. S'il reparle, on lui dira. C'est vrai que c'est. Ça, Gigi, hein. Assez difficile de trouver le juste milieu entre le backseat et le rappel de règles. Mais je sens qu'ils sont saoulés. Je pense qu'effectivement, on a fait un petit peu trop. Il me semblait que c'était plutôt dans le bon... Après, je peux comprendre aussi de leur part que ce soit un petit peu... Bah oui, mais en gros, on voudrait jouer un peu tranquille. Mais ok, d'accord, on le fera pour les prochaines fois. Après, ça dépend aussi des joueurs. Il y a des joueurs qui sont en mode... Ah mais non, rappelle-moi ce que j'ai, parce que... Encore une fois, on le rappelle, c'est la première partie de Marie. Effectivement. Toulouse, tu es mute. On sent que ça travaille. Il y a un silence. De quoi ? De plomb. De plump. C'est quoi ça ? Parce que j'ai pas l'impression que c'est un télescope en fait. Non mais regarde pas. Regarde pas quoi ? Regarde pas, gros. Si vous possédez ceci. C'est quoi du coup ? Ah, je sais pas. C'est un lanceur spatial. En gros, les vaisseaux vont dedans et ça les propulse à travers la galaxie. Arrête! Attends, ça... Ah, mais non, j'ai pas celle-là. Je dis ça, j'en sais rien. Je pense, ça ressemble au truc de Mass Effect. Ouais, un petit peu. Powers, but it's okay. I will try, comme on dit dans le milieu. J'ai pas trop de. J'ai pas 50 000 solus, hein, on va pas se mentir. Et non, on va pas jouer ça. Du coup, on va jouer ça. On va jouer ça, j'ai pas le choix. Là, ça me donne chevalière. Un de Seymour. Du coup. Sur l'égalité, Jiraya, je pense à gagner aux épices. Ouais, c'est les épices hein, qui départagent. Ah, c'est vrai, putain. On est d'accord. Ouais, je rappelle, si égalité, c'est d'abord les épices, puis les Solari, puis l'eau, puis les troupes en garnison. Ok. Oh, bah, de toute façon. En vrai, ça la donne autant pour moins cher. Donc. Allez, il y va. Deux. Il prend ses épices, il est très riche en épices. Et s'il prend autant d'épices, c'est peut-être parce qu'il se dit qu'effectivement il peut gagner. 6, 12, t'as 12. Et toi, t'as 10. Ouais, okay. Est-ce que tu arrives à voir le conflit ? Et voilà. À toi, Marie. Ouais, je vais jouer ça, j'ai toujours pas de cartes. Taille pour Carthage. Donc ça sert à rien. Ok, tu peux dézoom. Oh, d'accord que Carthage, c'est. Une carte. Intrigue. À gauche, hein. Bah, il y avait personne dessus. Hein. Je peux te le montrer. Ouais. J'ai le droit d'utiliser maintenant ou pas la carte ? Bah, si j'avais juste peur que tu sais, il n'y a pas eu le bonus défensif. On rappelle le petit bonus défensif de tout à l'heure. Si jamais c'était, eh bien, par exemple, en bas, là, il aurait peut-être fallu mettre une troupe. Bref. De défausse avec votre deck, puis complot. Puis piocher, pardon. Puis complot. Ouais, puis un petit complot entre. Complot, je dis. C'est marrant, pourquoi tu dis complot, Marie ? Ça m'intéresse. Attends, mais moi, je suis assez. Tu le mélanges avec ou pas ? Ça aussi, je le mélange avec ou pas ? Non, c'est que la défausse. Ça, c'est dans ton jeu. Ok. Ça, c'est en jeu. C'est de... Ah oui, mais je suis. Bon, bah. Je pensais que j'étais. Genre, je tryhardais la guerre, mais j'ai pas gagné en fait. Et de toute façon, ce sera à toi après. Ouais, j'avoue, j'ai pas été. Oui, mais non, parce que si tu gagnes la guerre, t'es à 9, et vu que t'as plus d'épices, t'as gagné. Sur la guerre, on est où là ? Si personne n'arrive, ouais, d'accord. Okay. Bref, à moi, je vais jouer. Reconnaissance. Et je vais aller.
T'as bloqué ça hein? Ouais. Je vais aller là. Je vais aller là, je vais mettre un. Tu peux le faire autant de fois que tu veux ce pouvoir? Oui. Putain, c'est trop fort. Hein. Oui. T'as 10. Et je vais prendre une. Une carte camp là-haut. Une carte. Le lecteur fou. On a parlé un petit peu en début d'émission, c'était le... c'était le pouvoir du leader de Xari. Le pouvoir, quand il me l'a demandé, j'ai dit ouais, franchement, c'est loin d'être mauvais, ouais. Surtout à 4, en fait. Ouais. Quand t'es à 2 ou 3, c'est peut-être plus facile d'avoir de la place. À 4, t'es bien content de pouvoir dire... J'ai plus 4. Aller un tour, moi j'ai encore un tour parce que j'avais le nazi, là. Non, bah super. Est-ce qu'il a payé ses deux os? Eh bien, Osef, s'il les a pas payés, les autres... Combien de 4. Les autres avaient qu'à vérifier. Ouais, et de toute façon, là, en vrai, l'eau actuellement, je pense pas que ça... Je pense pas que ça fasse grand-chose, enfin, je veux dire, à la fin, quoi. Et puis maintenant, on n'ose plus leur parler, voilà. J'ai raté un truc, mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, là, c'est reveal, c'est ça? Ouais. Ah si, j'ai le droit d'utiliser les cartes complot encore ou ouais, pas? Oui, 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 let's go. Marie, elle a tout stacké pour la fin. Elle fait. Et là, je gagne 27 points de victoire. Non, parce que je vais. De toute façon, c'est le dernier. On est d'accord, ouais, c'est oui. Fini après. Oui, Terminado, c'est le moment d'utiliser. Oui, pardon. Du coup, déployez n'importe quel nombre de troupes de votre garnison dans le conflit. Donc, elles y vont toutes. Mais bon. Je vais monter à 10. C'était ouais. Donc ça. C'était donc ça. En plus, Rof, tu vas pas me dire que tu pensais pas. En fait, à chaque fois, on se dit. Marie étant la moins expérimentée, si jamais elle oublie quelque chose, c'est dommage parce que, encore une fois, on ne dit pas tu ferais mieux de faire ça au lieu de ça, on dit juste tu pouvais faire ça. C'est vrai. Bref, l'espace plissé il me sert à rien, c'est celui que j'ai pioché. En piochant, j'ai le seum. Du coup, ça lui fait combien? 10, hein. 2, ouais. 3. Plus, elle la remet l'enregistré dans le deck. Ok. 5, 6. Mais... Ça, c'est dommage parce que là, en vrai, si t'avais eu 9, t'aurais été à 10. Quoi. Bah oui, sans doute. Tiens, j'avoue. Non, c'est que des 1. Ah, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Les 9, c'est genre. C'est, on n'y pense jamais. Genre, parce que, on a beaucoup axé sur autre chose. Et normalement, les games se gagnent avec ça. Mais ça, c'est marché. On a eu le pire marché. Il y a des marchés qui rapportent. Écoute-toi, tu passes un tour encore. Ouais, il me reste un. Il y a un monde où elle, typiquement là, elle jouait pas d'agent. Oui, bien sûr. Elle avait 9 et gagné. Tout à fait. Mais et là, franchement, pour le coup, c'est normal non plus. Parce que je lui ai rappelé plusieurs fois. On lui a rappelé plusieurs fois qu'on pouvait pas forcément. On pouvait très bien ne pas jouer tous ses agents, etc. Là, clairement, on n'avait pas à lui dire de toute façon. 1 plus 3, 4 épées plus. Plus une épée. Donc 5 épées plus 6 épées. J'ai alors, 6 il a combien 6, du 16. Coup Ensuite, lien Fremen, je gagne 1 d'épices. Bon, ça servira. Et ensuite. Je vais jouer l'intrigue que je viens de piocher. Donc, je peux payer 3 et je mets 3 renforts. Et oh bah. C'est à la révélation, je peux déployer autant de ces troupes que je souhaitais. Donc, oh. Oh là, Xav! C'est bien Xav qui remporte. C'est intéressant parce que moi, dans mon complot, j'ai eu, si vous avez un siège au conseil, vous gagnez 2. Ah, oui. Et c'est là, juste avant que je l'ai pioché. Et moi, j'avais au départage plus 2. Donc voilà. Donc là. Et sinon, j'avais. Et après, si je remportais en conflit, en gros. Et c'est fini. Si je remportais en conflit, je paye 2. T'as rien à gagner. Et je monte de 2 cases. Et j'avais je crois juste que c'est à fini. Faire hein. Ça. Ouais. Ils sont en train de finir là-dessus. 3, tu vois. Sauf que j'ai. En fait, j'ai tout axé sur le dernier tour. Ouais. Et j'ai mal compté. Je croyais que le dernier tour, ce serait moi pour first. Et en fait, c'est Zulu. Okay. Et du coup, j'étais en mode. Ok, bah là. Merde, baiser. Je pense que mon premier move d'aller piocher ici était peut-être pas le meilleur. Bah, du coup, j'avais. On fait le complot, on le confie. Mais non, t'as gagné. Parce que moi, j'avais. 7 en plus. Oh là là! Et il avait ça et ça et ça. 7 en plus, gros, je pense. Ah ouais, attends. Il fallait que je paye 2 et il fallait que j'ai un jeton comme ça. Si j'ai pas de jeton comme ça, je peux pas l'utiliser. Ah d'accord. Oui, en gros, j'ai fait exprès d'aller sur un truc que personne n'allait me récupérer ouais. Pour pouvoir jouer ça en mode à la fin. Quoi. Ah ouais, la carte est trop forte. Et du coup. Quel enfer! Moi j'avais ça en fin de partie, ça me donne plus 10 sinon. Moi j'avais, si vous avez au moins une épice machin là, le truc de. Si vous avez au moins 2, l'épice doit couler, donc au moins 2, là je gagnais ça. Mais il fallait avoir 2 trucs comme ça, c'est trop dur. Mais oui. Attends, il aurait fallu que tu ne joues pas tous tes tours agents en fait, Marie. Ouais, c'est ça en fait. Alors, c'est ouais. Ça, mais sauf que j'étais trop gritlise là-dessus. Si t'en mais as 2, t'en as 3. Pas... C'est pas bien, mais c'est vrai que je crois qu'il y a que 3 cartes dans le jeu de base de fin de partie, les intrigues de fin de partie, et elles sont. Ça. Très très forte quand même. Une ouais, fois, mais... tu peux vraiment focus là-dessus pour pouvoir clutch la game. Fin, en tout cas, bravo à Xari qui fait respecter la stat du il râle toute la game et il finit par gagner. Exactement le classique.
Ouais, bah heureusement que j'avais des combattants, quoi. Ouais, putain. Et à la fin, bravo aussi, j'ai pioché l'intrigue. Alors, je suis en mode 3 pièces, ça vous donne 3 troupes. Je suis en mode j'ai 0 pièces. Je suis en mode 3 pièces, 3 troupes. Et, 3 est-ce qu'on peut vérifier quand même, ça m'intéresse d'avoir le classement final, c'est-à-dire est-ce que là les points de victoire sont bien bons? Est-ce que Marie n'a même pas gagné un point de victoire avec son truc? Ah non. Attends, un point de victoire là-dessus, là? Allez, ta carte bleue, elle t'en donne même pas un? La carte bleue, elle fait. Si vous avez au moins deux verres, là, l'épice doit couler, tu gagnes un point de victoire. Et si tu as plus de verres que les autres, tu gagnes deux points de victoire. Ah ouais, si elle a elle en a pas plus que les autres. Okay, et, Marie, tu l'as pioché il y a pas longtemps ou tu l'as pioché au départ? Non, je l'ai pioché il y a pas longtemps. Moi j'étais là. D'accord. Parce que ça, c'était soit je remporte un conflit, je monte de 1, soit je paye 2 et genre je monte de 2. Bien, bravo à eux en tout cas. C'était très très fort. Une belle émission, je vous ai mis. Elle a un point de victoire. Et si elle a plus de verres, débriefer un petit peu et leur donner la parole. Les amis, on arrive en fin de partie. Je vais justement, on va vous laisser la parole un petit peu parce que ça nous intéresse d'entendre votre débrief. Donc, juste chacun votre tour, vous allez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis après, on vous coupera la parole et nous terminons cette émission. Je vous passe en full screen et puis on va commencer dans l'ordre inverse. De la victoire. Et donc c'est Zulu et Jiraya qui vont commencer. Zulu, on t'écoute. Moi j'ai passé une bonne game, une bonne partie. Forcément au début on se demande un petit peu où on met les pieds et en fait très vite on comprend. Franchement je peux pas avoir de regrets parce que arrivé à la fin, c'est-à-dire que le tour juste avant celui-là où j'ai fait la guerre avec Xari, j'avais plusieurs possibilités de stratégie. Soit j'essayais de battre Xari à la guerre en le surprenant avec ma carte intrigue, machin, etc. Soit je pouvais me dire que deux tours d'affilée, je pouvais acheter l'épice, doit couler, et que je pouvais potentiellement aller gratter le point supplémentaire pour aller en faire trois. Mais si Xari gagnait deux fois la guerre, il avait quand même potentiellement plus, on était égalité, je ne sais plus. Donc j'avais des possibilités, je ne les ai pas prises. Un petit peu de regret parce que sur ma pioche, sur le tour d'avant, si je chopais la carte qui réduisait l'épice doit couler de 3, ça me permettait de prendre le risque à la fois de faire la guerre et en plus de sécure mon point de victoire qui me permettait de m'offrir d'autres possibilités sur le dernier tour. C'est des statistiques, j'avais 4 cartes dans ma défausse à remélanger, 3 à piocher. C'est la seule qui est restée dans l'ordre. Un peu le seum. Voilà, ouais, on a vu. Tu crois pas assez en l'âme des cartes, ça c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais franchement, intéressant parce que voilà, on sent que on a du contrôle, il y a des infos cachées qu'on ne peut pas avoir, qu'est-ce qu'il a en intrigue, etc. C'est vrai que ma dernière intrigue que j'ai piochée qui pouvait potentiellement me donner de la puissance armée m'a juste donné des épices, donc, ce qui n'est pas très utile. Là où Xari, lui, a pioché un truc qui lui donnait la puissance armée. C'est le jeu, c'est comme ça. J'avais différentes stratégies, j'ai choisi la mauvaise. Et GG à tout le monde, parce que c'était vraiment cool. Et merci à toi, Max, de l'invitation. C'est beau ce que tu dis, mec. C'est merci beau. À toi, Monzoul. Effectivement, GG Oxav. On va écouter Gigi. Moi, pareil, je me suis régalé. J'ai découvert le jeu. Enfin, j'ai même pas. Tu nous as expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, vraiment, c'est une demi-heure avant, on a appris les règles. Mais j'ai bien kiffé. C'était assez stratégique. C'était pas trop prise de tête. Et le côté deck building, en fait, il fait beaucoup. Après, j'avoue qu'on n'a pas eu de chance. Hein. Le marché puis est bien la merde. Mais moi, j'étais parti sur une strat full. Genre, j'enlève toutes mes cartes de mort et je compte sur l'âme des cartes. Contrairement à Zulu, moi, j'ai cru en l'âme des cartes et l'âme carte m'a chié dessus, donc sur la fin j'ai vraiment les trois cartes qu'il me faut sont ici, du coup je suis en mode bon bah nice parce que sinon vraiment ça m'a rajouté énormément de dégâts et en fait mauvais calcul de ma part aussi, j'ai mal compté le tour, j'étais en mode ok dernier tour, dernière carte de conflit, je suis premier, je prends ça et c'est sécure, et pendant un moment c'est trop con hein, mais pendant un moment je pensais que ça coûtait 2 dos et du coup je trouve vraiment expliqué. Ouais vraiment il y a un moment où j'étais en mode mais non mais je suis trop quand con, ça me coûte pas 2 dos, c'est débile ou quoi, donc je me suis auto-nerf sur certains coups, mais j'ai bien kiffé, je trouve globalement une strat ok, le pouvoir de mon perso était ok tiers aussi, mais juste son premier là c'était juste quand t'avais le haut conseil, donc après ça sert pas à grand chose, mais voilà, mais vraiment très très bonne session et merci pour l'invite, moi je me suis régalé. En tout cas t'avais le meilleur deck je pense hein, Gigi, hein. On veut tous ton deck, j'en profite juste pour dire que Xari m'a bien eu sur le dernier tour aussi parce que moi j'avais besoin de piocher et il est allé sur les deux trucs de pioche. En même temps, c'était le point faible de ma stratégie parce que moi, j'étais obligé de prendre ça en first, donc faire de l'armée. Du coup, je lui laissais la pioche et derrière, j'avais plus de points. J'étais baisé parce qu'au début, j'avais rien. Et j'ai pioché une carte qui m'a. Enfin, non, je pouvais aller là.
Du coup, en gros, si j'avais pas pioché, j'étais trop dans la sauce. Par contre, toi, ton pouvoir qui fait que tu pouvais aller dans, aux endroits maintenant que les autres, c'est trop fort. Oui, clairement. On est d'accord. C'est bien filmé. Marie, comment ça s'est passé pour toi cette game ? Eh bien, au départ, j'avais un peu peur quand on m'a dit que j'allais jouer à ce jeu, parce que tous les jeux de société comme ça, un peu gros, avec beaucoup de cartes, beaucoup de pions et trucs comme ça, moi, ça me fait paniquer. Et en fait, les explications étaient très très claires. J'aime bien le côté, tu fais du deck building, tu dois prendre aussi... Enfin, j'aime bien le côté où tu as plusieurs trucs à faire, quoi. Tu fais la guerre, tu dois faire ton deck, tu dois faire... J'aime bien gérer plusieurs trucs en même temps. Ça fait un peu comme s'il y avait trois jeux en un. Voilà, après, j'ai fait quand même 9 points de victoire et là-dessus, je suis assez fière, quoi. Mais non, c'était cool d'avoir les intrigues aussi. C'est cool de se dire, putain, en fait, au dernier moment, je peux me faire baiser juste. Voilà, donc très, très cool, un très, très bon moment. Ouais, et cool. Puis, merci Max pour l'invite. Eh bien, merci à toi, effectivement, d'être venu. Et le grand gagnant, Xari, qui... On l'attendait, c'était le favori de cette game. Merci, c'était celui aussi qui avait déjà joué au jeu. Il a été derrière tout le long de la partie pour finalement clutch. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, sur la prédiction... tu étais loin devant sur les prédictions des viewers, tout simplement parce que, eh bien, un certain Regalia33 a ripé sur sa touche et au lieu de parier 25 000, il a parié 250 000. Voilà pourquoi tu étais loin devant et là, il se régale. Ouais, non, en vrai, moi, j'ai pas réussi. En fait, j'avais que mon tour 1 en tête, c'était de faire ce qu'avait J, c'est d'avoir lui en haut 2, quoi. Parce que, bah, Jiraya m'a. Ma brain, donc déjà j'avais un tour de retard sur ma stratégie et après j'y suis allé en mode au talent et c'est surtout qu'en fait j'ai vu que j'arrivais pas à faire un bon deck, donc j'étais en mode nick. Et en fait la première intrigue que j'ai posée, c'était celle que j'ai mise à la toute fin là. La toute première que j'ai posée, c'était celle-là. Donc, en gros, il me fallait que t'as pioché. Il me fallait une alliance et ça me donnait 7, et donc j'étais en mode celle-là je la garde, je sais que les intrigues qui donnent du combat elles sont fortes, tu vois, entre guillemets, à la fin. Donc je l'ai gardé et en gros j'ai joué que sur la guerre. J'étais en mode bah je vais pas pouvoir gagner sur le reste. En plus moi j'avais qu'une seule carte. Tu l'as bien amené. Hein. J'avais diplomatie, j'avais qu'une seule carte qui me permettait d'aller là. Ouais. Donc j'étais et fucked. Deuxième. Et moi mon pouvoir du marché et tout, c'était en fait le marché. C'est vrai que moi le seul truc qui me dérangeait un peu, c'est genre si pendant deux tours personne achète rien, pour moi ça devrait wipe tout et remettre des cartes. Bah. Parce que là ça nous a un peu bloqué. Du coup j'avoue que personne a joué ça parce que là vraiment. Là, Marie, elle avait gagné. Hein. Bah ouais. Genre, si elle avait réussi à acheter une ou deux cartes qui donnaient un peu plus de points à la fin. Regarde les cartes, un point, un plus un, c'est terrible. Il fallait garder limite son deck en main pour pouvoir avoir les épices. Et c'est pareil, moi j'ai chaté. J'ai réussi à avoir. Là, j'ai réussi à gagner. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à acheter une fois ça. C'est vrai que t'en as acheté pile une. 9. Ouais. Mais genre, c'était trop dur dans notre configuration d'avoir 9. Donc, je trouve que ça, c'était peut-être un peu chiant. Mais oui, le pouvoir de ma meuf est trop fort. Parce que clairement, à la fin, j'étais en mode. Je sécurise ce mec-là pour avoir un tour entre guillemets en dernier pour pouvoir faire les trucs. Et après, juste en fait, tous les bleus, je peux y aller alors qu'il y a déjà des gens. J'y suis allé deux fois alors que c'était techniquement bloqué. Pour moi, ça devrait le faire qu'une fois par tour, quoi. Et là, c'est des agents ennemis ne bloquent jamais. Donc, tu veux dire qu'une fois par manche ? Oui, qu'une fois par manche, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que par donc pour moi, mon perso était très fort et j'ai chaté aussi sur ça, pareil. Je te dis, j'ai chopé les cassés. J'ai fait partie aussi du jeu. C'est comme ça. C'est intéressant d'avoir beaucoup de contrôle, mais d'avoir une petite part qui, des fois, peut créer la surprise. Quand tu chopes, oh là là, c'est la carte qu'il me fallait. Ça régale. Les astres se sont alignés pour le bon Xav. C'est ça. Bravo, et du coup, on se donne rendez-vous. D'accord. Et du coup, on se donne rendez-vous, Xari, eh bien, en janvier pour la grande finale. Oh là là. Face à qui ? Ah, bah, c'est la question qu'on se pose et c'est le reveal que nous allons faire dans quelques instants. Les amis, on vous laisse bouffer des bons becs, vous poser. Ranger le jeu, par exemple. Voilà, non, vous embêtez pas, je m'en occupe. On se retrouve d'ici quelques minutes. Nous, on va clore cette émission. Merci beaucoup à vous d'être venus et à très vite. Ciao. Merci. Ciao. Et voilà, ça y est, c'est fou, mais on y est arrivé et je crois que c'est plutôt bien passé. Le début était un petit peu stressant, il a fallu qu'on se mette un petit peu en place, mais j'espère que vous avez kiffé cette première game de Dune Imperium en mode tournoi. Mm-hmm. On se donne rendez-vous le 16 octobre. Tout à fait, ça on l'avait là, comme info. À 20h. Oh, pourquoi 20h ? Pour le deuxième match de qualification. Et là, vous allez me dire, oui mais, avec qui ? Ah bah oui. Eh bien là, moi, je vais te dire, attends deux secondes, parce que je crois que j'ai pas d'image. Il y a une image, il y a quelque chose. Attends, je l'ai pas, gros. Il est en mode, bah, tu sais quoi, je peux... Meuble. Je peux meubler sans aucun problème pendant 30 minutes. Non, mais vraiment, c'était cool. Et en fait, on avait déjà fait, nous, un test offline, mais c'est forcément
plus parlant quand on est vraiment dans le jus. Il y a pas mal de choses qu'on va modifier. On va peut-être pouvoir du coup être plus à l'aise vis-à-vis de notre setup, parce qu'on fait à la fois du coup et régie et cast, plus arbitre entre guillemets. Donc parfois ils nous disent bah ouais, mais vous avez pas forcément fait vu. Bah oui, mais on faisait autre chose. On va essayer de roder un petit peu tout ça, mais déjà je pense qu'on a une bonne première expérience et ça c'est cool. Oh là là, quand je vois les gens, mais je me dis que ça va être déjà aujourd'hui c'était fou, mais alors la semaine prochaine ça va être le mois prochain, le 16 octobre on le rappelle, ça va être encore plus dingue. Vous êtes prêts? Attends, non, je crois qu'ils ne sont pas prêts. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Toujours plus. Et voici le reveal du. Alors on a déjà les quatre joueurs. On a déjà les quatre joueurs. Il y aura donc Gob et Domingo qui seront présents le mois prochain. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Les deux autres participants sont déjà bookés. Simplement, je vais profiter un petit peu du fait qu'ils ne soient pas encore reveal pour vous faire des annonces au fur et à mesure, histoire de vous rappeler petit à petit que le tournoi continue et que la prochaine game est donc le 16 octobre à 20h. Je vous les révélerai courant de la à peu près une semaine avant le match. Voilà. Mais en tout cas, ça va être une belle game avec des gens qui se connaissent. Mmh. Ça va être intéressant. Et je ne sais pas si une seule d'entre ces personnes a déjà joué à ce jeu. Donc je crois qu'ils vont probablement démarrer avec le même niveau de connaissance. Bref, ça va être intéressant. Ça va être fou. Je pense que Domingo, en plus, maintenant, il va savoir que Xari s'est qualifié. Peut-être que ça va lui donner encore plus envie d'affronter son teammate. Teammate au panel, notamment. Mm-hmm. Où ils sont beaucoup moins bons. Bref, en tout cas, sur Dune, ça va donner envie. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir, si ce n'était pas déjà prouvé, que même quand on ne connaissait pas le jeu, parce qu'effectivement, on leur a vraiment montré qu'avant l'émission, on peut quand même arriver à faire de belles choses. Xari a gagné vraiment sur le fil, et ouais, c'est très bien, Marie qui aurait pu remporter, donc c'est vraiment cool. Je me permets de parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui disent Pont, Sky, etc. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les silhouettes qui sont sur l'image ne sont pas les silhouettes des personnes. Pour calquer sur justement, des parce qu'en fait, je sais que c'est tout le temps les mêmes photos qu'on utilise, j'ai dit, non, ils vont deviner tout de suite. Donc, on a pris des silhouettes random. Donc, ne cherchez pas en fonction des silhouettes. De toute façon, cette image, je vais la poster sur Twitter, là, dans les secondes à venir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, mon Rof. Oh, putain. Tu m'as bien aidé. On s'est régalé. Merci évidemment à Lucky Duck et à Dire Wolf pour avoir développé ce jeu et nous avoir fait confiance sur le déroulement de ce tournoi. On vous rappelle que si vous-même, vous voulez participer à un tournoi d'une Imperium, eh bien vous pouvez participer au championnat de France. C'est encore en cours. Les inscriptions même sont en cours. Vous allez sur la page Facebook de Lucky Duck France et vous allez voir qu'il y a un post qui vous permet d'avoir les informations pour savoir où est-ce que vous pouvez vous inscrire, avec qui vous pouvez jouer, etc. Et en gros, il va y avoir des qualifications à peu près dans toutes les régions de France. Et à la fin, on en gardera 16 qui iront au Festival du Jeu à Cannes au mois de février et qui vont donc s'affronter via un règlement. Je vous passe les détails, mais là, dites-vous, on était tranquille, on backseat un peu, on donne les infos, on fait qu'une seule game, machin. Ça va être un autre délire. Là, le championnat de France, c'est le haut niveau. On tryhard au poil de cul. Donc, si vous vous sentez l'âme eh bien, d'un tryharder, c'est le moment peut-être d'aller participer à ce tournoi de jeux de société. Oui, tout à fait. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tournoi qui va m'intéresser pour deux raisons. La première, c'est que c'est magique. La seconde, c'est que je vais pouvoir y participer. Parce que le petit défaut d'être au cast, c'est que t'es en mode... T'as envie de jouer. Pourquoi il fait ça? J'aurais dû faire ça. Ah ben non, je peux pas jouer, etc. Bref, en tout cas, c'est vraiment cool de faire ça sur Dune parce que c'est honnêtement, c'est-à-dire que c'est évidemment Sponso et compagnie, mais c'est un excellent jeu. Le jeu qu'on a préféré l'année dernière, en tout cas au niveau expert. Et il est encore meilleur avec l'extension. Et il y a une extension qui sort... fin d'année, début d'année prochaine. J'ai hâte de voir ce qu'elle va apporter. Donc on est, voilà, si tout se passe bien, si les planètes s'alignent, on est peut-être parti pour trois saisons de tournoi sur Dune Imperium. On ne sait pas, mais en tout cas, on vous le souhaite, on se le souhaite, et on vous dit surtout à dimanche prochain. Ciao. Salut tout le monde.